Hey yo les gens, comment ça va? J'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée, c'est la dernière soirée. J'espère que vous êtes en forme, parce que moi, je le suis. Bienvenue à tous et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Welcome, welcome les gens, bienvenue, bienvenue à tous. Oui, j'ai vu, hein, mais dis donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un mariage qui serait présentement en train de se faire? Je suis au courant qu'il y a le mariage de Cuc, je suis au courant qu'il y a le mariage des Vagos, mais on peut pas y aller, nous. On peut pas y aller. C'est les Vagos, on va pas aller fêter le mariage des Vagos, quand même, présentement. Bon anniversaire en avance, merci, merci bien. Bon, alors ce soir, il faut qu'on vous explique un petit peu comment ça va se passer. Parce que y a pas mal de choses qui vont interagir, etc., dans cette soirée. Là, il faut savoir qu'en ce moment même, présentement, Jim et Bea y sont. Mais quelle bande de putain de connards! Mais ils s'en foutent pour qu'il y ait la moitié de la pichon famille qui est déjà mariée. Mais merde! Ah bon? Bah vous savez quoi? On y va tout de suite! Je vous parle de ça en route alors. Je vous parle de ça en route à tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel présentement? On m'avait dit pour y aller, tout le monde y a dit tiens, j'ai rendu, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Non mais moi je comprends plus, moi je croyais qu'on était des familles et là qu'est-ce qui se passe? On est dit plus des vagos, on est des vagos, je ne comprends plus rien moi de cette affaire. Mais putain. Hey, toi jusqu'au bout espèce de sombre connard, tu m'auras fait ça toutes les soirées d'enfer. Mais putain arrête de monter à l'arrière de ce véhicule espèce de gros con. Ah mais purée c'est pas possible. Allez vas-y grimpe, grimpe donc. Oui la météo est plutôt clémente pour une soirée de mariage, c'est plutôt pas mal. Bon les gens, pendant qu'on est en train de construire, de rouler, costard, bah mes couilles, hein, c'est les Vagos, hein, je vais pas m'habiller en costard pour les Vagos, calmons-nous. Juste, je vous informe de plusieurs choses. Le mariage est en mode good-good. Qu'est-ce que ça veut dire ce mode good-good? Il n'y a donc pas de possibilité de faire quoi que ce soit pendant ce mariage. On peut pas attaquer, on peut pas tirer, on peut pas faire de bagarre, on peut rien faire. Donc voilà ce qui limite un petit peu aussi le jeu, le gameplay. Parce que clairement, moi, GG est en prison. Donc il aurait été intéressant qu'il se passe des choses au mariage, voyez-vous même. Ambiance mariage pourpre, ça aurait été vraiment d'une grande qualité. Un mariage digne du parrain. Ce serait lié avec JDG et on aurait fait des dingueries sur place. Mais bon, finalement, c'est impossible. Le serveur voilà, est en mode tout mimi, tout doux, tout blanc, tout c'est bon, les gars, on est à la fin. Pas de violence, c'est les vacances. Donc bah, on s'organise au mieux, voilà. Et en plus après il y a l'événement, le Good Talent qui sera là. Oh putain, n'aurait-il pu interagir maintenant même? Qui n'est pas d'accord pour quelle union? Et sous quel motif? Ouais, parlez plus fort, on entend rien, nous, derrière. Hein? On entend rien, comme c'est vieille. Donc cette affaire encore, hein? Capitaine, on peut pas sortir de gun présentement, c'est ça? Que me disait Pab, c'était le bon moment de le dire. Let's go, les gars! Vous êtes mon ami. Regarde, maman, c'est rentré dans le jardin, pas de cérémonie pour lui. Ah, merci! Je dirais que vous êtes mon ami et mon coloc. Je trouve que depuis que vous connaissez votre future femme, vous m'avez mis en 8e place. Voilà, on entre dans le mariage avec beauté. On instaure les bases. D'accord. Mais en fait, qui sur le capitaine, parce qu'il y aura un Guillaume, il y aura un roi, donc une Jim, jalousie amicale, il y aura une raison pour mettre au deuxième plan ce mariage. Okay. J'allais parler un petit peu avec Locke et peut-être qu'il serait chaud pour venir. Et ben, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc voilà, on verra. On verra, rien de sûr. Rien ce n'est pas grave. Derrière, vive le capitaine. Alors, je vais vous demander de faire un petit peu de place et je vais demander très officiellement à Vanessa de s'approcher. Venez. Approchez-vous de votre époux, lieutenant Cuc, venez. C'est Vanessa qui m'a enlevé mon frère. Je vais vous donner. Tain, des tenez. Des familles aux l'église Vagos, quand même. Se permet de vous donner ceci. Avant, on la connaissant. Salut Thomas. Et moi, Vanessa.
Venez, lieutenant. Oups. Venez, lieutenant, approchez-vous. Thomas, qu'est-ce qu'on fait-il là quand même? C'est les vagos, c'est nous, on est là. Je sais rien. Qu'est-ce que t'as fait? Ça va, c'est bon pour la musique. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez donner vos bagues, les échanger, et vous pouvez également embrasser la mariée. Bravo! Ouais, super, clap 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 clap. Bravo. Ah, t'es là, Bernard. C'est juste après, l'église a tout prévu, ne vous inquiétez pas, nous allons fêter tout ceci. Ouais, je suis en attente, ça, parce qu'on a besoin d'être là, donc on est là. Ne vous inquiétez pas, il y a des collations, il y a à boire, il y a tout ce qu'il faut. C'est Béa, la grande sombrée, la pute de balle de GG. T'inquiète pas, Béa, on gère ça, ça va pas tout de suite. Bernard, ça ne dérange pas de sortir de vite. On parlera de ça après. Félicitations. Vas-y, si tu veux. Incroyable, incroyable, bravo. Félicitations. Excusez-moi. Hop là. Bien entendu, venez, lieutenant. Oui, le docteur Lombrig m'est pas là. Regarde, il y a Franck qui est là. Il y a même Franck qui est venu. Oui, oui, vous inquiétez pas. Salut Nana et... Salut James. Salut Thomas. Attendez, on s'isole un peu parce que ça fout la merde. J'entends plus rien. Venez là-bas là en dessous. Apparemment, c'est un mec qui s'appellerait Gonzalez qui aurait sorti de papier de prison avant qu'on fasse nous, tu vois. De quoi, comme un Satidon? Il est sorti de prison, le vieux fossile? Ouais, apparemment, il s'est fait évader de prison par un mec qui s'appelle Gonzalez. Oh, mais putain, il manque un petit pot de ressources, le vieil folle. Les gars, essayez de choper des informations parce que moi, je trouve pas ça normal qu'on ait pas de nouvelles de papier maintenant, tu vois. Bah attends, je vais dire. S'il était sorti, tu vois, il nous aurait donné des infos, tu vois. Attends, je lui ai dit, t'es sorti, vieux fossile. Présente-toi. Bon, par contre, moi, je comprends Tido pas. Qu'est-ce qu'elle fout les familles au mariage des Vagos? On peut pas sortir un pétard et tirer dans le tol comme ça, là? Non, t'as pas envie de faire la guerre, tu vois, parce que derrière, c'est des dizaines et des dizaines de morts, tu vois, dans tous les quartiers. Ah, qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu connais-tu pas le mariage pourpre dans cette affaire, là? N'oublie pas qu'il y a toute la police, là, que là, il y a un mariage police, en fait, là. Ah bah super, super. Donc on doit-il attendre comme ça présentement là que tout le monde s'applaudisse, tout le monde se fait des compliments, des petits bisous, des belles fleurs et nous-mêmes là, on est comme des cons. Ouais, t'es pas obligé d'y assister quoi. Non mais tiens, on va y aller. Enfin, moi je suis là juste pour accompagner, tu vois. Bah moi je sais pas présentement, mais moi c'est le gars cul qui m'a dit faut venir, mais moi je savais pas qu'il était à mariage de Vagos en même temps même, tu vois. Mais il y a deux mariages, il y a le mariage de Cux et il y a un mariage de Vagos aussi. D'accord. Moi je trouve ça quand même dingue que nous-mêmes les familles on soit. Ah pardon. Si je peux te donner un truc si tu veux. Tu t'as sur toi. Non mais regarde, on entend des Miguel qui gueulent depuis le début de l'église là. Putain, je t'avouerais que j'aurais été le parrain, j'aurais sorti mon pétard là. Et bang bang bang. Putain, dire qu'on peut pas tirer. Non, on peut pas tirer. Mais non, on peut pas tirer. C'est les abrutis dans l'église qui tirent. Ouais, je crois. Ah, on peut tirer finalement? Bah non, je crois pas, non. Ah bah... D'accord, c'est bon, ok, ok, présent. Bah disons, tu vois, si c'est toi qui tires un mariage Vagos, à mon avis, ils vont mal le prendre, tu vois, ils vont prendre ça comme un signe qu'on les attaque, quoi. Ah non, mais quand même, présent. Ils vont déclencher une guerre. Donc là, c'est-à-dire que ce soir, présentement, on va faire une soirée bisounours, une soirée marshmallow, en mode, ça y est, on est tous copains-copines. Attends, par contre, Bernard, c'est quoi ton but? Déclarer la guerre? Non, c'est pas déclarer la guerre, mais bon, GG n'est-il plus là, donc c'est bon là maintenant. Ben bon, faut qu'il arrive à nous donner des nouvelles. Enquêtons sur GG. Pour le moment, exactement, c'est ça la priorité. Ça sert à rien d'aller tirer dans une église juste pour passer notre frustration. Ah, mais je voulais pas tirer, de toute façon, je vais pas tirer tout seul dans une église. Fallait prévoir ça avant, les copains. Maintenant, c'est foutu, tant pis. Il faut qu'on trouve GG, comme tu disais présentement. Un petit peu plus fort. Mais bon, quand même, là, c'était une belle occasion. Hein. Franchement, là, on se foutait devant à la sortie. Bam. Ben ouais, mais le but, c'est pas de tirer sur des civils innocents non plus. Bam. Ceux qui étaient présents, l'interrogatoire avec GG, vous pouvez me dire, les flics qui étaient présents? Oh putain, Tidon, attends, faut-il que j'y réfléchisse deux secondes? Pas là, moi. Moi, j'y étais. Il y avait que moi et GG. Attends, y avait-il la brioche? Y a un mec brioche? Ouais, y a. C'est... Mais de toute façon, c'est simple, il y avait le cuc qui était là. Il y avait-il le vieux connard là qui m'a tenté une vieille blague foireuse à un moment donné en disant à GG, non mais t'inquiète, c'est bon, il n'y a plus rien, puis en fait si. Et je crois que ça c'était la brioche avec une coupe de cheveux dégueulasse, mi-longue.
Tu vois-tu donc? Et un petit jeune que j'avais pas vu présentement pour le moment. Oh là là. Et là franchement on aurait sorti les pétards et tiré sous la pluie comme ça pour scène de film. Scène de film on aurait fait. C'est vrai que ça aurait été pas mal. C'est zéro. Mais oui je sais bien présentement. On a des priorités qui sont au-dessus de ça. Super. Donc là on attend, dis donc qu'ils ont marié, on dit donc qu'ils consomment le mariage et puis après on les chope. J'attends rien. Bah, tout ce que je veux c'est savoir premièrement qui est ce Gonzalez. Ouais. Et deuxièmement, j'ai toujours pas oublié votre outil. Hein. D'ailleurs, oui, tiens, Bernard, je vais te parler. Qu'est-ce qui se passe, Sidon? D'ailleurs, cet endroit, ça me rappelle une petite bagarre qu'on a eue ensemble. Hein. Ah bah. Pourquoi, Sidon, tu veux mettre le match retour? Non, ouais, écoute, si t'as vraiment envie, mais bon, c'est pas le moment. Non, je voulais juste discuter avec toi parce que je voulais parler avec toi concernant Lucie. Oui, dis-moi, Tidon. Le problème, c'est que t'étais très fatigué hier soir, donc j'ai pas voulu forcer. Oui, oui, bah, c'est Tidon réglé cette affaire. Tiens, mais regarde, Tidon, je viens de recevoir un message. J'espère que ton cœur est apaisé. Je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu entreprends, Bernard. Cette ville ne te mérite pas. Et moi non plus, je te mérite pas. Je t'oublierai jamais, Lucie. Voilà, Tidon. Moi, hier, j'ai réglé cette affaire présentement. J'ai dit ce que j'avais à dire sur le cœur. Et maintenant, c'est bon. J'ai besoin de plus de détails. Qu'est-ce que tu veux, Tidon, savoir? Mais qu'est-ce que tu veux-tu savoir? Et bien. Qu'est-ce que tu veux-tu savoir? Le Jim il sort avec la petite et puis voilà. Bah, Non, je veux savoir, dans quoi elle est impliquée. J'ai besoin de plus de détails sur Lucie actuellement. Bah, moi, c'est que j'en ai pas beaucoup à te fournir surtout. Moi, j'ai dit juste, voilà, qu'à un moment donné, il fallait qu'elle fasse très attention à elle, qu'elle fasse attention au Jim et que si elle faisait du mal au Jim, moi j'intervenais. Mais sinon, j'en sais pas plus sur ses manigances. Je pense pas même présentement qu'elle soit dans des manigances. Je sais pas. Hier, je vous ai vu parler pendant un quart d'heure, j'ai parlé avec elle. Ah, oui, tout à fait. Et du coup, ouais, vous êtes juste dit ce que vous avez sur le cœur ou quoi, c'était sentimental, c'était... Non, c'était juste... Attends, bouge pas, je suis à toi tout de suite. Oui, Béa, qu'est-ce qui se passe, Tidon? Ah, je suis au mariage et je voulais savoir où t'étais, mon bébé, je te trouvais plus, bébé. On est devant l'église avec Thomas, t'inquiète, mon bébé, y'a pas de panique. On part pas, c'est à toi. Vous êtes où là? Parce que je vous vois pas. Lucie, là. Là, regarde, là, t'es derrière toi. Ma putain, regarde-moi le jean qui est avec Lucie. Ouais, ah ouais, non. On va avoir de cette maison merde. Enfin. Ah putain, quel connard qui vient de casser ça là. Oui, ça va, Tim, Lucie, depuis. Je suis mariée, je suis tout fou, mais j'aimerais bien qu'on parte à la recherche de Gégé, mon Dieu. Bah, tu sais, Tidon, quoi? Regarde, Tidon, la Providence nous donne un hélicoptère. Est-ce que ce serait pas-il le moment de s'en servir de cet hélicoptère? Est-ce que tu es quoi? Il y a écrit police quand même, bébé, si on est en prison, on pourra pas chercher Gégé. Oui, mais à un moment donné, il faut-il qu'on fasse quelque chose? On va pas rester là à attendre que la fin de la cérémonie soit faite, voyez-vous-même? Ah, mais il est fermé, bébé. Sachant que le Jim, croyez-moi bien, qu'il a l'air totalement dépourvu de sentimentation visuelle, là. Il est clairement dans le cœur, il est plus dans la tête, là. Je pense qu'on pourra pas compter sur lui, il marche avec son cœur. Ah bah moi j'ai l'impression que oui, hein, son cœur est gonflé ainsi que sa braguette, hein. Voilà le Tivon que je dois en déduire. Bernard, donc je juste clôturer la discussion qu'on avait. Oui. Hier, quand t'étais avec Lucie, on n'avait rien de particulier, mis à part de problèmes sentimentaux ou je ne sais quoi. Oui. C'est pas plus sûr, c'est ça? Non, moi j'ai pas tiffé plus que ça, moi c'était juste sur du sentimental, j'ai rien cherché de plus. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il faut y faire maintenant présentement, sachant qu'on sait que, bon bah le GG clairement il est plus en prison. Faut y faire quoi maintenant qu'on attrape tous mais les policiers qui étaient dans le commissariat? Vous a pas contacté, monsieur? Bah non, moi-même, regarde, j'ai tiré rien, j'ai des messages, mais c'est qui? C'est ma... Ah, Marcello, attends. Bernard, c'est... Je pense qu'il est en danger, monsieur. Les nouvelles de ton frère, Bernard? En prison et rien de plus présentement. J'ai envoyé un message à Marcello quand même. Et avec qui donc? C'est Jim. Bah, Jim, je viens de le voir, donc dis-moi quand t'es dans le coin. Contacter les Vagos pour en avoir un petit peu plus. À mon avis, c'est pas anodin, monsieur. Bah, tu crois-tu donc que les Vagos là, ils vont être disponibles? Quoi, ils vont choper trois hérissons, nous faire un petit barbecue avec de la guitare, hein, puis voilà ce que ça va faire chez les Vagos ce soir. Merci pour avoir le temps. Si on se présente cordialement devant eux, c'est good. Et moi, il y a Jim qui m'a donné un nom. Apparemment, c'est le gars qui a fait sortir Gégé. C'est un certain Gonzalez. Bah, je sais, c'est moi qui lui ai donné, Thomas.
Ah, d'accord, mais j'ai jamais entendu parler de Gonzalez dans cette ville. Ouais, c'est le capitaine de la police qui m'a dit que ce serait un Gonzalez ou un truc comme ça, j'ai pas très bien retenu, mais ça serait une sorte de mafieux hyper dangereux, bien plus dangereux que les familles et les vagos. Ah, alors oui, j'ai un peu peur qu'il y arrive quelque chose, monsieur. Ah bah attends, dis donc, je demande à Marcello, je viens de t'envoyer un petit message. Pour voir un peu Bernard, comment ça se passe. Oui, quoi donc? À aucun moment, GG, t'as parlé d'un plan d'évasion, d'une relation avec un gang supérieur. Bah non, t'as jamais. Aucune trace de ton côté? Non, jamais, vu que nous-mêmes on était prêts à faire la mission Apocalypse Now hier soir et que finalement ça a été avorté parce que bon, oui, bah. Je sais pas, mais admettons, quand vous êtes arrivé dans la ville, vous avez pas fait une rencontre qui nous échappe? Bah non. C'est un détail qu'on n'a pas. Attends, faut que je réfléchisse, dis donc. Quand on est arrivé présentement, on est arrivé directement dans la ville. La première chez qui on est tombé, c'est sur la Lucie. Bon, bah ça, c'est le hasard de la vie, voyez-vous même. Et ensuite, non, on n'a pas fait de. Moi, de Gonzalez. Enfin, attendez, je regarde dans mon téléphone portable parce que forcément, si on l'avait rencontré dès le début, j'aurais son numéro de téléphone. Gonzalez, vous me dites? Oui. Gonzalez, ça me parle pas, je n'ai jamais entendu parler. Bah, moi, j'ai un Gauthier, j'ai un Grimaldi, mais j'ai pas de Gonzalez, hein. Le problème, c'est que c'est peut-être un nom d'emprunt, monsieur. Je pense... ça pourrait être n'importe qui, Gonzalez. Et vous êtes sûr qu'il peut être en relation avec les... Attends, je vais t'y appeler Marcello, savoir s'il n'en sait plus. Marcello, forcément... C'est pas sûr qu'il soit en relation avec les... Avec les vagos, mais je pense pas que les familles auraient fait ça à GG. Alors... Je vais pas présentement, je vais essayer de voir. On va voir si Marcello il répond pas. Comment tu veux qu'on chope des informations sur cette affaire, bébé le clochard? Ouais, il commence déjà à courir avec le vin, monsieur. Eh bah putain. Tu vois, là, c'est le moment titre de... Bon, ben, il marche mélo, mais il répond pas. Ok. Donc, si on répondit, si on réfléchit présentement... On ne donne pas beaucoup de temps pour explorer des pistes. Là, sachant qu'à 22h pétante, tout le... Enfin, là, je fais du hors RP, hein. À 22h pétante, on doit tous être au goût de talent de mes couilles et pas de flingue. Putain, non mais c'est quoi cette soirée où on peut pas tirer sur les gens, bordel de merde. Je te cache pas que mon plan de base, et heureusement que on sera tellement tout réfléchi qu'on pourra pas sortir la moindre arme, parce que mon but c'était de tirer dans le tas en voyant Lucie sans pose God Talent. Mm-hmm. Bah non mais sinon on aurait-il fait ça c'est... Le problème c'est que je sais pas parce que les deux seuls qui leur ont parlé et vous m'avez dit que vous allez me donner des infos hier, c'est toi et Jim, et j'ai l'impression qu'en fait vous avez juste réglé vos affaires sentimentales avec elle et c'est pas ce qui... Moi présentement oui, mais ce qui est bizarre c'est qu'effectivement le gars Frank, le petit chien de GG, il était là mais il y a-t-il pas GG? C'est pour ça que comme là il y a les vagos, je pense que c'est un coup des vagos, monsieur. Qu'ils ont-ils capturé le... Qu'ils ont... Il est peut-être dans une des voitures dans le coffre, monsieur, il y a son chien qui est juste devant, du coup, monsieur. Dis-moi tout. Est-ce que tu sais, par hasard, s'il y a eu d'autres personnes incarcérées en même temps que GG? Il y avait Cox. Il y avait le Cox qui était... Ah, mais oui, il y avait-il Cox? Attends. Ok, il faut l'appeler. Il est sorti titre. Attends, l'autre, nous tous dessus, madame, le Covid. Le Covid, madame. Qu'on appelle pas en même temps, monsieur. Ouais, je l'appelle. D'accord, y a-t-il le chef de la police qui vient-il nous courir juste à côté? Oui, Cox? Oui. Ouais, le Cox, c'est Bernard. Oui. Dis-moi, t'y es donc, Bernard, mon petit Cox, t'es-tu en prison hier soir toi-même? Oui. T'as-tu vu le gars GG avec toi-même dans la prison? Je l'ai aperçu, oui. Tu l'as-tu aperçu? Tu as vu quelqu'un qui l'a-t-il emmené quelque part? J'ai vu qu'il discutait avec une personne. Alors nous on aurait dit un nom, c'est Gonzalez, t'as-tu entendu déjà parler de ce prénom là? Gonzalez, non, ça me parle pas. Gonzalez, ça te parle-t-il donc pas? Bon bah dis donc. Bon bah nous on était à la recherche de GG et bon bah là présentement on est devant l'église, autant dire que ça a gervé, ça a vomir. Y'a du jaune partout, c'est-il la fête là? On est dedans. Vous êtes-y dedans? On est dedans, ouais. Mais comment tu t'es rentré là-dedans sans te faire gauler toi? Ah non, moi j'ai des problèmes. Hein. C'est parce que je suis extrêmement discret. Ah ben non mais là c'est plus que de la discrétion, c'est un pet de mouche hein, je t'avouerai que je t'avais dit même pas vu. Et t'as-tu prévu quelque chose parce que nous présentement on peut être à ta disposition Attends je m'éloigne. D'accord. Oh
Bah, tout le monde est en train de se carapoter, là, je vois l'hélicoptère vient de partir, tout le monde court dans nos directions. Je m'éloigne, attends. Vas-y, je t'en prie, présentement. On est au niveau du théâtre nous-mêmes, si tu nous cherches. Attends. Bon, non, dites les gens, je suis avec le cox au téléphone. Attends, on va s'y s'organiser peut-être un truc. Salut, tout le monde va bien. Ok, tu m'entends ? Salut, oui, je t'entends bien, tu t'entends bien présentement. Je vais attraper Donatien. Je vais attraper Lucie. D'accord. Et après, je vais me venger, ok ? Ah, d'accord, mais attends, parce que moi je veux que le petit Donatien. Tu vois la Lucie, toi, non, là-bas ? Non, Lucie, je sais pas où elle est. Elle est-y partie avec mon Jim, je crois, dis donc bien ? Bah, dans ce cas-là, ça sera Donatien alors. D'accord, ok, très bien présentement. Et il est où le Donatien ? Je le vois pas, moi. Il est à l'intérieur. D'accord, ok, tu veux qu'on fasse que comment? Je vais attendre qu'il sorte et je vais le prendre en filature. D'accord, et tu veux que nous-mêmes on prenne une voiture et qu'on prenne la filature de ta filature? Si ça vous intéresse, vous pouvez aider. Ok, d'accord, présentement. Et t'es, mais attends, t'es-tu déguisé comment toi pour être rentré comme ça dans le mariage sans problème? Non, je suis pas déguisé, c'est juste qu'actuellement, je pense que les vagos sont plutôt détendus en fait. Ah d'accord, ok, donc t'as-tu gardé toujours le même faciès? Ok, d'accord. Ouais. Bon bah dès que je vois quelqu'un qui est un petit peu dégarni du front, vois-tu, bah je monte dans une voiture et puis on se fait tirer dans ça alors. Ça marche. Ok, ça marche. Bon dites, vous êtes tout, dites donc là, venez tirer dans là présentement. Ouais, c'est bon. Que là j'étais... Alors, je vous donne juste l'information rapide. Il y a le CAX là, qui va prendre présentement le Dalmatien en filature pour le capturer. Et peut-être qu'il va nous donner plus d'infos sur qui c'est peut-être ce Gonzalez. Ok. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux mettre en contact avec lui et on va l'aider sur ce coup-là? Bah non, mais il est déjà dans l'église. En fait, dès qu'on voit Donatien, on monte dans une voiture et on suit la filature de Donatien. Ok, okay, bah, venez dans la voiture. Faut qu'on gâte. Oh la vache, 6-5 gros. Oh là là. Mais ta charrette, c'est-tu encore une deux places? Oh là là là. Thomas, ta voiture, c'est une deux places, putain de merde. C'est... Alors, non, c'est 4 places, y'a une place. Ah putain, elle est bien, elle est correcte. Attends, viens, on remonte. Hein. Bon, t'oublies pas, le CAX, c'est celui qui est un peu dégarni du front. Dès qu'on voit le Dalmatien, il est à l'intérieur. Dès qu'on le voit, on grimpe et on part en filature. Ouais, attends, fais pas, la filature, ça me connaît. Ok, ouais, Thomas, ne te fais pas, c'est peut-être la vie de GG qui est entre tes mains, là. Regardez-moi ça, tout jaune, là, tout jaune. Vous l'avez vu, j'ai l'impression que l'église est pas mal vidée, là. Il y a juste les zoulous, là, de la gauche. Regarde, ça, c'est le cox. Regarde, c'est le cox. C'est le cox, oui, c'est lui. Mais il donne le Dalmatien, il est-il pas sorti encore? C'est musique qui était créée grâce au klaxon de Tim. T'es sûr que c'est lui? Bah, moi, j'ai vu le cox, là, tu vois, la cravate rouge chez lui-même. Je crois aussi qu'elle est suivie par le mec au chapeau, monsieur. Ouais, il est suivi par le mec au chapeau, donc nous-mêmes, il va falloir. Ouais, non, c'est bon, ok, c'est très bien. Ouais, c'est bon, je vois qui c'est. Préviens-le que le véhicule noir à bande blanche, c'est nous, d'accord? Dalmatien, il est devant. Ouais, c'est bon. Regarde-moi celui-là, là. Ça se trouve, il nous a capturé notre GG, il l'a foutu quelque part sur un cake. Attention à pas parler trop fort, les petits. Ok. Ouais. N'hésitez pas à baisser le volume de votre voix. Ah oui, très bien, très enfin. Ah bah c'est encore une voiture comme la tienne. Ça c'est con ça. Oui, alors ça je sais exactement qui c'est Julien. Disons que je lui demandais de prendre une voiture exactement comme la mienne et pour faire un braquage de banque, comme ça vous allez confondre ma voiture et la sienne. Eh par contre elle est sympa ta voiture, hein. Alors je l'aurais bien prise, hein. Parce qu'une 4 places comme ça... Si tu veux je te ça, donne l'argent pour que t'achètes la même, c'est y'a pas de problème. Ou le Donatien m'a l'air complètement déchenoyé. J'ai 2 200 000 en banque, t'inquiète pas monsieur. Attendez, on est d'accord que le cox là c'est celui qui est dans la voiture rouge là. Je vais tout de suite présentement l'appeler pour savoir si c'était lui-même. Est-ce que quelqu'un a Dalmatien en vue là actuellement? Oui, mais oui, il est sur ton côté droit, ouvre tes yeux. Et c'est okay, le seul il est juste derrière à côté de l'arbre. Il est derrière le palmier. Attends, j'ai quand même petit prévenir Marcello ou MT, ou savoir quand même pour lui dire que bon, présentement, on va peut-être faire une dinguerie. Qu'il soit pas surpris. Ça, c'est lui-même. Jim qui nous cherche ça. Et Jim, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais dit. Non, je suis pas sûr que prévenir Jim soit une bonne. Ah, il va être avec sa petite Lucie, et comme ça, Lucie, elle est avec Monopoly, ça risque de créer des problèmes, monsieur. Ouais. Si on peut éviter de mettre Jim dans l'affaire, je pense que c'est... Je crois que ça va te forcer à choisir, et je pense que ça risque d'être compliqué pour lui. Je pense que c'est mieux de le laisser régler déjà ses problèmes. Ok, le cox est dans la voiture noire actuellement, juste en face de nous. D'accord, très bien présentement. T'as pas une voiture avec les vitres teintées, monsieur, parce que... Jim m'appelle, tu fais quoi, Tidon? Bah réponds-lui, là, tu vas pas lui mettre avant, il va se douter quelque chose, monsieur. Ouais, non, ça va. Oui, on est dans la voiture juste en face de toi, la noire, là, regarde-moi ça. Ah, mais justement, à l'autre côté là, de la ouais, celle-là, ah, celle oui, que tu vas t'y donner. Bon, vas-y, bah ramène ton cul.
Ça va les gars ou pas? Bah là tu vois Tidon, on va se mettre en cheville avec le Cax là, qui veut capturer le Donatien. Ça se trouve parce que le Donatien il aurait dit des informations sur le Gonzalez. Intéressant. Du temps de faire ça avec nous et par Jim. Par contre Jim, j'ai une demande. Tu ne la mets pas à l'envers si jamais il y a Lucie qui est impliquée, d'accord? Bah... Un truc c'est que là, Lucie elle est pas tranquille tu vois. Et je dois la protéger en fait. Si tu te sens de devoir rester avec elle, monsieur, reste avec elle, monsieur. Pour l'instant, ça vous dérange pas, je préfère rester avec elle. Mais après, si notre priorité, vous avez besoin d'aide, tu vois, d'accord. Tu me préviens, quoi. Bah, je comprends que sentimentalement, ce soit compliqué pour toi, Jim. Alors, si tu te sens pas, je préfère que tu restes avec Lucie et que tu restes en dehors de ça, comme ça, t'auras pas besoin de... Ouais, t'inquiète, mais de toute façon, moi, je dis rien là-dessus. Ouais, bah, par contre, Jim, autant, là, c'est quand même pour GG qu'on fait ça. Mais si tu vas avec Lucie, tu nous la fous loin de nos affaires, d'accord, présentement, parce que si elle est sur notre route, on pourra pas faire demi-tour, vois-tu ce que je veux dire? Ouais, emmène-la à la plage faire un pique-nique romantique. Mais de toute façon, elle déteste Cox, hein. T'inquiète pas, il lui a fait beaucoup de mal. Hein. Mais sauf que là, on est avec le Cox, on travaille avec lui. Ah bon? T'as pas compris la manœuvre? Eh oui, mon grand. Non, j'avais pas compris. Eh oui, y'a que lui là pour le moment présentement qui est obligé de faire quelque chose. Après, si vous touchez qu'être dalmatien, moi ça me dérange pas, tu vois. Bah, nous c'est que dalmatien qui est prévu, mais sauf qu'à un moment donné, faut-il pas que toi-même et Lucie soyez dans le secteur, voyez-vous-même? Ouais, bah je ferai attention qu'on soit pas là. Taisez-vous. Tu viens nous passer, c'est un agent de police. Non, merde, putain, mais tous ces poulets là, ils se ressemblent tous les uns après les autres, ils ont plus de costume, on sait plus qui essaye. Toi tu parles fort ou tu parles pas fort? Moi je parle pas fort. Tu chuchotes toi aussi monsieur? Oui c'est bon Tidon, je chuchote. Oui top. Chuchoter au minimum. Maintenant je me suis mis minimum. Ok, alors je suis désolé Tom, je te rappelle là on est sur quelque chose d'assez important. Ah pourquoi ça me donne pas que ce soit les croûtes? Non là c'est pas de notage, là on est en filature, je te rappelle, désolé. Cox on est d'accord que c'est la voiture qui est en face présentement de nous-mêmes? Ah ouais elle est... Vas-y avance sur ce niveau pour montrer qui on est. Elle est en train de faire demi-tour monsieur. Non, là moi je suis en train de prendre en filature qui est Montazac. Montazac est dans le 4x4 noir en face. 4x4 noir, ok d'accord, très bien présentement. Ça m'emmerde quand même de faire ça pendant le mariage d'Hugo au Cux parce que bon quand même le Cux... Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont en train de faire. C'est les gars des Montazac, ils sont cinglés. Hein. Regarde à droite, non mais à droite! Ils sont en train de faire une petite danse sous le hall! Oh, ça me détend un peu avant de faire une dinguerie quand même! Moi je croyais que c'était le coup de taser qui s'est pris gratuitement à gauche! Ah merde, j'ai pas vu le coup de taser, merde! Bah, je peux pas t'y tout voir, mais. Oh, c'est tout drôle à droite là! Je me sens, tu sais, comme dans les parkings où t'es dans la voiture et que tu regardes les films! Bah oui, bah là, clairement. C'est pareil, hein. Y'a toujours des trucs qui se passent! Là, on est en storyboarding là! Titi, bon bah. Fais quand même dans le bon sens de la route parce que là, on est quand même détectable de fou là! C'était pas très discret quoi! Il y avait un petit Madison effectivement qui s'organisait sur le côté. Oh putain, la moto! Ok. Ah, vous avez des masques au cas où, monsieur? Non, on n'a pas besoin de masques, c'est bon, on a fini des masques, hein, généralement. Ah, vous préférez être sûr, bébé. Moi, j'y vais, tiens, à découvert. Scott, il est parti là? Non, il fait demi-tour. C'est Scott 4 là. Hein. Ok, c'est parti, on y va. Tiens, monte Thomas. Vas-y, parti. Ok, laisse passer le Cax. Laisse-le passer. S'il a des infos sur Martion, sur le Gonzalez là, qui nous a libéré notre GG, tu vois, tu veux voir. Cox, je suis de beaucoup trop près, c'est passé. Oh là, c'est grillé là. Là, c'est full grillé. Hein. Attends. Je vais appeler Cox. Demande à Cox de reculer. Je vais dire Cox, recule. À la rigueur, demande à Cox de nous suivre, nous. Attends. Bah là, ils savent déjà qu'ils sont pris en filature, hein, vu comment on lui a collé au cul. Hein. Non. Ah bah si, regarde. Voilà, là, il faut faire semblant, c'est très bien ce qu'il a fait, Cox. Très bien. Très gris. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Pourquoi on travaille Tidon avec des amateurs? Mais attends, il y a la police. Oh mais merde, le Cox, putain. Il a vraiment fait demi-tour comme ça devant l'autre. Mais putain, mais vraiment, mais qui les con. Vas-y, nous on suit le Damasien, on s'en bat les couilles. Nous on suit le Damasien, la carte en pis pour Cox. On est grillé aussi, je pense. Attends, bouge plus. Non, chut. C'est moi faire. De toute façon, c'est toi le pilote. Hein. Là, on vient de faire 4 fois le demi-tour sur la route.
On suit qui? Ils ne sont pas cramés, c'est quand même bien, hein, monsieur. Pourquoi on les suit? Ah oui, parce que tu es libéré le 4. Bonne idée. Non, là c'est Montazac. C'est Montazac que tu suis? Ben non, Montazac. Ah là, là, c'est quoi? Si, c'est le Montazac, je te confirme, c'est Montazac. Et pourquoi les flics ils s'en prendraient au Montazac? Bah, c'est quand même un petit bizarre, oui. Ils l'ont fait passer par-dessus. Oh le con! Non, mais putain, les flics nous font foirer notre filature. Oh putain, mais non, mais c'est pas vrai, on va-t-il jamais y arriver cette affaire? Après, au pire, on peut le retrouver au vide. Vas-y, passe dans l'herbe, Oui, deux minutes, j'aimerais. Le problème, c'est que les civils me bloquent. Putain, c'est pas possible. Il y a une équipe de blaireaux de flics de merde qui vient nous casser les couilles et ils les font passer par-dessus bord, bordel. C'est pas possible. Là-bas, ça vole. Non, c'est la voiture de flic. C'est du trou de balle. Mais non, mais... Mais sans déconner, j'ai envie de leur tirer dessus à ces flics. Mais non, mais pourquoi t'as pas suivi les flics? Ça se trouve, ça serait bien où il est. Non, ils en ont aucune idée, c'est des branques, je te le dis. Bah parce que là, on est déjà cramé, alors quitte à être cramé, autant les suivre, hein. Ouais, non, on va faire autre chose. Je vais passer au Unicorn, je vais m'équiper de la radio, je connais encore leur fréquence. Ok, vas-y, c'est parti, présente-toi. Très bonne idée, ça. Et d'ailleurs, équipez-vous aussi en termes de gilets pare-balles, munitions et compagnie. Ok, c'est parti, ça va. Allez, on se fait ça vite, les gens. On se fait ça très vite, d'accord? Très, très vite. Une vitesse grand V. Putain de merde, attends, les... Mais non, mec. Vitesse grand V, c'est pas par là, connard. C'est derrière le bar. Béa, tu peux t'y venir derrière le bar ou pas encore? Je peux pas, tu m'as toujours pas. Ouais, voilà, je t'ai recruté, c'est bon. Bienvenue dans l'équipe. Allez, hop, on y va. Merci. C'est bien de se... Je te recrute le dernier jour, on est quand même pas mal. Allez, vite. Attends. Stockage, attends-y donc. Attends, tu prends... Oh, il y a des chargeurs. Tu prends un gilet pare-balles quand même? Bah, je peux pas regarder tant qu'il est dedans. Ah, putain, merde, attends, je fais-t'y vite, là. Je prends 10 chargeurs de ça, là, au cas où, parce que si ça peut péter dans tous les sens, on sait jamais. Et je prends-t-il une trousse de soins quand même? Je vais en prendre-t-il deux. Hop, et je prends des menottes. Les notes moumoutes. Toujours les fidèles. Les fidèles notes moumoutes. C'est bon, c'est parti, tu peux y regarder, Béa. Allez, hop. Ah putain, mais non, tant que je suis dedans, hop, elle pouvait pas regarder. Oh merde, il y avait une pièce par là. Oh, je suis jamais allé. Oh putain, trop tard. Je suis pas utile, tard. Si, GG va nous faire une petite apparition suspecte, ça, à tout moment, ça, je le sens doute. Faut qu'on trouve juste Gonzalez. Mais elle est où ta caisse? Bah, c'est moi qui te pose la question. Mais merde, mais mec, elle est où ta caisse? Mais qu'est-ce que ça fait? Mais putain, on est vraiment des nuls, des parmi les plus nuls. Putain. On s'est fait titirer la bagnole devant l'unicorn. Mais putain de merde. Ah, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, Thomas, ça c'est pas possible. Mais merde. Oh putain, pour une fois qu'on avait été si rapide. On a plus la voiture, mais on nous a volé la voiture. Oh bah super. Ah bah on passe d'une voiture sportive à une espèce de vieille Mercedes de merde. Mais c'est où ta voiture? Je sais pas, y'a quelqu'un qui a dû passer devant le bar et me l'a volé. On s'en est fait carotte. Vous en faites pas, j'en ai d'autres en change. Donc c'est toi qui as-tu la radio, hein? Ouais, j'ai la radio, je viens de l'allumer, mais je me souviens plus de la fréquence, il va falloir que je regarde dans mes notes. Je l'avais pris, il me semble que je l'avais pris en note, je m'en souviens. Bon, je tiens à t'informer, il nous reste 1h20 pour retrouver GG avant le goût machin, là. On a 1h20, déjà. De toute façon, les Montazac, ils ont pas 30 000 points de réunion. D'accord. Tu connais, dis donc, ces points de réunion, toi? Par les vignes. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? c'est quoi ce trou de balle? C'est devenu Disneyland, l'an de Santos ou comment ça se passe? Pourquoi les mecs qu'on a bien attaché la serviette hein, parce que là ça putain, y'a-t-il même carrément des formulaires dans cette affaire? Mais what the fuck? Oh s'il vous plaît, monsieur, dame, s'il vous plaît. Présentement, on voudrait quand même un peu de tenue. Ah oui, vas-y, chercher ta voiture miraculeuse. Vas-y, sportif. Tu descendais ici? Oui. C'est bon, j'avais pas mis ma serviette. C'est la voiture à qui ça t'y donc là?
Putain, c'est con qu'on puisse pas savoir. Parce que là, celle-là, cette voiture, c'est la personne qui a-t-il pris la... Oh là là. Putain, wow. Oh, petite voiture. Oh, elle était belle, celle-là. Serviette. Ouais, bah c'est la même. Hein. C'est, j'ai juste acheté en plusieurs exemplaires. Ok, attendez. Il faut juste que je regarde dans mes notes pour la fréquence des flics. Vas-y, vas-y. Regarde tes noms dans tes notes pour fréquence. Il faut qu'on trouve juste le montage. J'appelle, je tente d'appeler le CAX quand même pour savoir comment ça s'est passé de son côté. Si ça se trouve, présentement, il est tchati sur le coup. C'est ça. Putain, mais le CAX, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Ah, mais le CAX, il se plaignait d'être tout seul dans son affaire et nous, comme si donc on vient l'aider, il répond pas aussi, comment tu veux. J'ai oublié la fréquence. Comment ça, t'as pire. T'as oublié la fréquence? J'ai oublié la fréquence. Et il est pas possible de la retrouver comme ça de façon manuelle? Si, si, complètement, mais c'est légèrement illégal, donc on va essayer de le faire. Bah oui, on va essayer de le faire présentement. Hein. Est-ce que quelqu'un peut marquer le commissariat, s'il vous plaît? Oui, c'est un V. Attends. C'est bon. Commissariat, merci. Timmy. Ah, ok, ça marche, Haché. Ça roule, merci beaucoup. Bon, y a-t-il Gokos qui est avec le docteur Lobby, c'est pour ça qu'on n'arrive-t-il pas présentement là-bas. Bon, dès qu'il revient, n'hésitez pas à nous dire, les gens, ma conscience, tout ça même. Hein. Dès que le Cox est de retour, vous me le dites. Parce non, il n'y a plus qu'à prier que les flics ne gardent pas leur voiture. Le temps nous est compté. Ok, ils gardent pas leur voiture. Comment c'est, ils gardent pas leur voiture? Ok, je vais vous demander, c'est simple. Donc, il va falloir qu'il y en ait un de nous qui fasse le guet, et si jamais il y a un flic, vous l'occupez. Ok, mais je vais faire le guet. Tu veux que je fasse le guet où? Tu veux dire que je fasse le guet où? Attends, parce que là, lui, c'était un mec avec les flics. Putain, mais c'est ma voiture, ça. Mais c'est qui? Mais c'est pas la June en pénis? C'est ta caisse, c'est pourquoi, pourquoi ma voiture est là, en fait? Ben, je sais pas. Ok, bon, je comprends pas. Ok, présentement, nous a-t-il t'es sûr que c'est ta plaque, monsieur? Attends. Si, si, c'est ma plaque. Oui, non, je sais que c'est ma voiture. Demande à Panis qui a porté la voiture, ben oui, alors. J'ai pas vraiment envie de lui demander. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est envie de... Je veux monter. Bon, le véhicule... Vas-y. Il est ici, d'accord. Vous voyez? Le véhicule qui est en dessous, là. Je veux que l'un de nous arrive à monter à l'avant. Il y a le sergent, il y a chez tout, il y a tout le monde. De quoi, de la police là? Ou ça, il y a... Ah oui. Mais oui, mais je peux y aller vite fait, discretos, non? Mais si elle est fermée, ça sert à rien, monsieur. Ben, je peux tenter. Non, oui. Alors, faut espérer qu'elle soit pas fermée. Ah, je pense qu'elle sera fermée, hein. Oh putain. Attends, j'ai l'impression qu'il s'est occupé. Oui, ok, Béa, tu vas prendre le volant de ma voiture. Si jamais c'est la merde, tu viens me récupérer, d'accord? Y a-t-il quelqu'un? C'est pas quelqu'un avec un flingue là qui est-il devant l'entrée du commissariat là? Et moi je fais quoi donc? Je reste assis? Je crois que nous on reste assis. Ok, d'accord. Bah, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait ce con? Il nous a dit de faire discret, il va directement devant. Mais il est où, monsieur? Je le vois même pas, monsieur. Mais il vient de passer, Il a passé la barrière, mais il voulait pas rentrer dans la voiture de police. Je comprends pas, monsieur. Mais je comprends qu'il puisse son plan foireux, celui-ci. Attends. Bah, il m'a dit d'aller le récupérer, mais je sais pas où et je sais pas quand. Attends, j'appelle Marcello, il est en train de m'envoyer des messages. Vous êtes où? Je pouvais pas répondre, j'étais à l'église. Et nous aussi on était présents. Vite, 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 suis-le. Je comprends pas, il est allé voler sa propre voiture. Bah, il a été la récupérer, c'est tout, mais... Et pourquoi on a pas besoin de faire un plan pour ça, hein? Mais je sais pas, mais attends... Moi je connais pas bien la police, c'est lui-même qui était fou. Oui, Bernard. Oui, Marcello, comment tu vas? Très bien, et toi, qu'est-ce qui se passe? Mais nous on va très bien, bah donc, alors, je t'explique un peu la manigance, d'accord? En oui, gros, dis-moi. Présentement, GG n'est plus en prison. Il a été libéré par un Gonzalez. Quoi? Un certain Gonzalez. D'accord. Et donc là, on soupçonne que le Damasien, il doit en savoir plus qu'il n'a info, vois-tu? D'accord. Et donc là, avec le Cox, alors je sais bien que l'association de son, c'est un peu bizarre. Mais oui, on est avec le Cox, là. Bah, il est pas avec nous présentement, mais on va en tout cas l'aider à choper le Damasien pour que lui-même nous donne des informations croustillantes, vois-tu? D'accord. Et là, vous êtes où? Ah mais si c'est le Cox, attends, il est-il là? Parfait. Non, c'est pas Cox, Bah si c'est Cox, c'est Cox ça. C'est le bichon. Sors. Mais Cox, mais putain. Attends, j'arrive tout de suite. Bon, bonjour, on est au truc de réparation de voiture, je t'envoie la place. D'accord, d'accord.
C'est pas Cox, c'est le père. Mais non, c'est Cox. Mais non, c'est moi qui te raconte. Ah oui, désolé. Thomas, tu t'es confondu. Mais oui, non, mais bah, excuse le Thomas, il est hyper perdu, mon Cox. Bon, bah qu'est-ce qui s'est passé cette affaire là? J'ai cru on suivait et puis finalement c'est parti en choupa-choup. Bah ouais, ils se sont mis à se rentrer dedans. La police nous est rentrée dedans sans aucune sommation alors que. Bon, on les prenait en filature, certes, c'est pas très discrète, mais il y avait pas de. Il y a vous en tout pli, écoutez-moi, docteur. Oui, qu'est-ce qui se passe? Appelez-le, donnez-lui un rendez-vous. Juan est en train de me dire qu'on devrait juste appeler les donateurs et foncer dans leur piège, mais c'est un piège le problème. Mais on s'en fout, il nous reste peu de temps, et ben on se fera encore trouer. Mais comment ça se fera encore trouer? Moi je me suis jamais fait trouer présentement, enfin à part avec un coup de béquille. Si c'est un piège, on peut répondre. Oh, oui, mais c'est vrai que nous-mêmes, on est-il présentement prêts à faire des choses et des folies, mais... Je comprends, vous avez du sirop d'érable? Ah bah nous, là, on est plein de sirop d'érable et de sauce brune que tu es prêt à décharger? Si, ça me plaît beaucoup, ça, monsieur. Ça me plaît mais beaucoup. Est-ce que présentement, Cox, le but, c'était ça? C'était comme... On était juste sur un kidnapping de bas étage pour... Si, mais si c'était un piège... Docteur, appelez, on perd tout le temps! Mais putain, Juan, qu'est-ce que tu veux qu'on appelle? À quel moment tu crois qu'il va venir sans les wagons et 50 000 personnes avec mais lui? Mais on s'en fout, dites que vous voulez juste discuter d'un membre! Mais faut discuter, on vient de le prendre en filature il y a 10 secondes! Mais non, il sait pas que excusez, tu pas excusez-moi. Il pas chez nous, la vitre était pétée! Mais non, salon, il nous reste une heure, docteur, une heure et il monte des cris! Bon, il commence à nous casser les couilles, celui-ci, on va lui faire fermer sa gueule! Ça suffit! Oh pardon Béa, excuse-moi. Le coup est parti tout seul. Bon, Cox, dites-nous tout parce que celui-ci il a l'air d'être complètement pénétrant là. Calme-toi. Écoutez, il nous reste effectivement pas très longtemps, d'accord? Bah oui, oui, oui. Voilà. Il faut qu'on... Je veux juste qu'on a... Est-ce que t'as encore la rage contre Donatien, toi? Ah bah moi, même. Mais non, mais c'est surtout qu'il a sûrement des informations sur qui est donc Gonzalez qui a libéré GG. Ah oui, c'est pour ça qu'on veut lui parler, parce que c'est pour retrouver... Ah, Donatien, vous voulez lui parler? Non, bah. Vous appelez-le, vous... Ah putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, j'en peux plus. Je crois qu'il essaie de le taper, mais il est pas en train. Vous appelez-le, il vous fera plus confiance que nous, parce qu'il ne sait pas qu'on est ensemble, d'accord? D'accord, ok, présentement, bah je l'appelle maintenant même. Par contre, il va falloir l'appeler et se mettre à un endroit discret. Bah là, présentement, je peux l'appeler tout de suite, non? Bah, à mon avis, il viendra quand même avec ses potes. L'autre. Non, mais je vais pas lui dire de venir, je vais lui dire est-ce qu'on peut se retrouver quelque part pour en discuter. Mais dis donc, vous traînez quand même avec des personnes. Bonjour, c'est Donatien de Montazac. Oui, bonjour, monsieur Donatien de Montazac. Comment ça va-t-il, Monopoly? Bah, ça va bien, et vous-même? Oh, bah, dis donc, on est sur une dernière belle journée, voyez-vous-même? Ah, oui, complètement, oui, je vais faire un petit saut en parachute. Ah, vous. Ah, bah. Attendez, présentement, vous allez faire un saut en parachute, là? Bah, oui, pourquoi pas? Ah, bah, non, mais c'est un beau temps, le ciel est clair. Dites-moi tout, monsieur de Montazac, j'avais-il une question à vous poser? Dites-moi. Si je vous dis Gonzalez, ça vous dit quelque chose ou pas? Gonzalez? Oui. Moi, je connais surtout les prénoms, mais je sais pas pourquoi. Bah, parce que je vais vous dire ça de putain blanc, d'accord, mon Monopoly, mais me mentez pas, s'il vous plaît, comme ça on gagne notre temps. GG s'est fait sortir de prison par un Gonzalez, voyez-vous-même. Ah. Et donc, moi, je soupçonnais, bon, très fortement, hein, que vous-même, vous étiez peut-être derrière cette manigance. Ah, bah alors, j'en aurais été ravi, mais ce n'est pas le cas, hélas. Je n'y suis absolument pour rien, cette histoire de Gonzalez ou de GG. Et là, croyez-moi, c'est vraiment la vérité. Hier, j'ai été très occupé, mais par d'autres personnes. Ah, d'accord, très bien, présentement. Et donc là, vous allez faire un petit saut parachute? Bah oui, écoutez, je ne me refuse rien, vous d'accord. Savez. D'accord. C'est en direct de l'aéroport, ça, parce que moi, j'ai jamais été fait, ça, de saut parachute? Bah oui, on est à l'aéroport, tout à fait. Hein. D'accord, très bien, présentement. Bon, bah merci bien, monsieur Monopoly. Bah, je vous en prie, et puis courage à vous, hein, bien sûr, malgré tous les problèmes. Mais qu'est-ce que vous faites? Les stop! Et surtout, n'oubliez pas d'ouvrir le parachute quand même, ce serait désagréable de ne pas vous retrouver. Je n'oublie pas. Allez, courage à vous, Bernard, et j'espère que votre frère va bien. J'espère que tu es bien aussi. Allez, la bise, Monopoly. Au revoir. Bon, Cox, j'ai-tu une information? Le Donatien, il va se faire un petit saut en parachute pour conclure la fête. Il est à l'aéroport, là, présentement, avec toute une tribu. Ok, bah c'est parti, alors, on y va. Allez, on est parti. Oh, toi là-bas, petit Thomas. Thomas, viens, t'y ramène ton cul, on va tirer à l'aéroport. Mais t'es qui? C'est qui lui-même? Mais non, mais c'est pas Tito Marcello! Oh, mais dis donc, mais Jean Marcello? Non, tranquille, je suis un on va à l'aéroport, Marcello! Vas-y, je vous suis! C'est parti! Bon, par contre, les gens là présentent. Quoi? À l'aéroport? Oui, allez-y! À l'aéroport! Hermana!
Alors par contre, tag-moi l'aéroport, s'il te plaît. Je t'attaque l'aéroport, Voilà. Par contre, présentement, j'ai dit quand même une interrogation. Le donatien, il me dit non, c'est pas lui. Bon, il nous a déjà manigancé quand même pas mal de fois, donc. C'est pas lui. C'est pas lui qui a fait quoi? Bah, il nous dit non, mais moi, Gonzalez, je connais pas de Gonzalez, je vais t'y sauter en parachute, qu'il me dit donc. Je pense qu'avec une petite arme sur le front, hein, il répondra bien mieux aux questions. Ah, on est-il d'accord? Parce que moi, je crois qu'il se foutit encore une fois de notre gueule, non? Je pense qu'il a peut-être oublié qu'il connaissait pas, mais peut-être que les souvenirs vont lui revenir, ouais, monsieur. Oui, mais c'est surtout que j'ai senti dans sa voix, dis donc, une voix fragile et un peu souriarde. Quand il m'a dit « J'espère que le GG va bien, voyez-vous-même », je me suis dit « C'est type louche ». Oh, mais merde, va falloir me retenir, mais merde. Ah, bah non, mais calme-toi, Thibaut Béat, t'as y est, toi, t'as-t-il pétard en main, là? On parle de GG, bien sûr, mais merde. D'accord, bon et bah. Quelle est la raison pour l'aéroport? Bah, il va faire un saut en parachute. Oh, je te jure que ton parachute, il va pas s'ouvrir, hein. Bah, chez Tido, pas, mais. Parachute. Bah, oui, en parachute. J'espère que t'as déjà sauté, mon Thomas, parce que ça se trouve, on va devoir suivre l'affaire en avion. Ah, j'ai là, pas de parachute. C'est à vous que je vais demander d'attacher la ceinture, là, par contre. Ok, d'accord, présentement, c'est bon, j'ai ma serviette d'attacher. Je la rattache, je l'avais pas d'attacher. C'est bon. Mais t'as dit pas tous, mais tout le monde quand même! Ils ont qu'à être plus rapides. Ah oui, non, mais là tu leur as décroché. Ils savent qu'on va à l'aéroport. Non, mais là tu leur as décroché le slip là, autant dire. Ouais, mon Dieu! Sainte Vierge! Sainte Vierge! Oh, c'est une arrivée spectaculaire ça! Ah, putain! Laisse-moi sortir, je vais dégueuler. Oh putain de merde! Oh le con! Ah le con! Oh là là! Oh non, mais là c'est plus possible cette affaire! Oh, l'autre il me fait faire de la toupie du snip là! Waouh! J'ai les pommes de pain qui sont toutes retournées là! Waouh! Oui Bernard? Attendez, je suis à vous dans deux secondes parce que là faut que je me remette les pommes de pain à l'endroit là! Peut-être que je retire ce bouquet de fleurs hein! Ah mais oui, présentement! Mais attendez, waouh! Thomas, t'aurais pu nous prévenir, bordel de merde! Dites-moi, Tidon, oui, mon petit Donatien, je voulais vous voir les yeux dans les yeux quand même pour me redire la même chose que vous m'avez dit, c'est-à-dire que vous n'avez aucune information sur Gonzalez et une compagnie. J'ai aucune info sur Gonzalez et une compagnie. Vous m'avez appelé, vous m'avez dit ce nom-là et je n'étais même pas au courant de l'existence de ce personnage. Et donc, vous-même, vous ne pouvez pas connaître une personne présentement qui aurait des relations Gonzalez, parce que ça sonne quand même très vagos, Gonzalez, voyez-vous-même. Ouais, je suis bien d'accord avec vous, mais je ne connais pas vraiment le nom des vagos, je connais surtout leur prénom, quoi. Hein. Et il n'est pas possible présentement que vous appeliez par exemple le chef des vagos pour avoir ce renseignement vite fait, bien fait? Ah, moi, je pense que vous allez le faire, hein, monsieur. Calme-toi, Béa, calme-toi, il le fait de son plein gré, c'est bon. Pourquoi je vous aiderais, monsieur Pichon? Mais putain de merde, Monopoly, mon Dieu, mais... Ok. Tu vois le problème, Monopoly, c'est que moi, je voulais être tout doux, tout tendre, et toi, tu cherches la merde. Ah, mais oui, bah... Mais non, mais on l'emmène pas. Si, on l'emmène. Bon, bah, mais merde, putain, je voulais... Bauer, qu'est-ce que tu foutis là, toi? Monsieur Pichon? Mais non, mais putain, mais moi je voulais pas faire ça, mais. Allez, ok. Bon, eh, Bauer, la bise, à tout à l'heure. Je crois qu'ils arrivent en deuxième derrière, hein, je crois. Mais Damasien. Je crois que Monsieur Cox va être très mécontent une fois de plus, hein. Je crois qu'ils arrivent vraiment toujours au mauvais moment. Ah bah c'est comme la team Rocket, ils arrivent toujours à la dernière minute. Ah c'est vraiment... Bernard, c'est terrible. Non, vraiment. Les bagos, non. Alors Thomas, tu sais quoi, tu tournes sur l'aéroport, on va pas l'enlever sur trois plombes, d'accord? Parce que ça devient... Non, pour lui-même ça peut être compliqué. T'appelles Cox. Bon d'accord, j'appelle le gars Cox. Mais putain, franchement Donatia, tu me donnais l'info, c'était rapide. Mais j'ai pas l'info. Mais t'appelais l'autre con, c'était fait. Parfait. Vous êtes une voiture de police, okay. Oui, Cox, ouais, c'est bon, on a Donatien, il est dans la voiture présentement. On est derrière toi. Ok, bah oui, bah... Excusez-moi, pardon. J'ai très peur, pardon. Et qu'est-ce que c'est cette équipe de branquignoles encore? Mais non, mais il est avec nous, connard. Mais putain, il est avec nous, espèce d'abruti. Et je vais te taser le cul si tu continues à faire chier le monde, toi. Excusez-moi, mais faites ce que vous voulez de moi, mais vous embrouillez pas, hein. Non mais c'est-il l'enfer. Donc Donatien, est-ce c'est que donc ça du côté des familles, quoi. Exactement. Prends ton... Donatien. Oui Bernard, dis-moi tout. Prends ton GSM, bordel de merde, et appelle des couettes. Alors, j'essaye d'appeler, j'appelle, hein. Oui, voilà, fais ça présentement. J'appelle Lenny. Attachez votre serviette quand même.
Oui, mais c'est déjà fait. Mais j'en peux plus, moi, de cette affaire. Je voulais t'y pas te braquer, bordel. Je voulais te laisser faire ton saut en parachute, vois-tu. Oh putain. Ah ouais, il a cherché, Lenny me répond pas. Lenny me répond pas. Bah, appelle quelqu'un d'autre, appelle d'autres wagons, je ne sais pas. J'appelle Miguel. Voilà. Mais tu vas où, Thomas? Tu vas, on va pas l'emmener au bout de la map, il va faire un saut. Je vais à un endroit sûr. Mais oui, mais alors pas trop loin, s'il te plaît, parce que... Non, c'est bon, on va là où... Miguel ? On va dans notre petite base. Ah voilà, c'est bon, il est Miguel. Attention à ce que tu dis, je suis Monopoly, là. Oui, dites-moi, est-ce que... Et lui, le taser sur les couilles. Juste, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain monsieur Gonzalez ? Non ? Vous dites... C'est vrai ? Dis-lui que présentement, t'es avec nous, donc justement, vaut mieux que ce soit la vérité. Mais on m'a... Comment dire, je dois vous demander par rapport à un certain monsieur Gonzalez. Donc voilà, si vous ne savez rien, bah je... Mais Thomas, tu te fous de ma gueule, c'est ça ton lieu de confiance, c'est le lieu du camp ? Non, tout va bien, Miguel. Mais t'es vraiment le roi des blaireaux ? Tout va bien. Bon, ok, très bien. Tout va bien. Moi, je comprends pas cette affaire encore une fois, on va se faire encore gauler, ça va être cadeau, ça. Bon, dis donc, allez, hop, on y va, on sortit donc là-dedans. Comment ? On sortit donc là-dedans, c'est... Ah non, il était encore au téléphone, d'accord. Attendez, je suis encore en ligne, Bernard. Bah oui, je vois ça. Mais vous le laissez appeler au téléphone. Mais ferme ta gueule, toi, dis donc, c'est qui chef là ici? C'est toi ou c'est moi? Mais toi, con, quoi? Non. Laisse-le, c'est moi qui ai demandé pour des affaires. Non, mais pas du tout. C'est pas possible. Bah, je vais te taser le cul si tu continues à l'ouvrir. Bah, je sais bien, mais on m'a demandé d'appeler pour, si vous saviez, pour un monsieur Gonzalez. C'est tout, hein. Salut, MT. Voilà. Bah, en fait, on a chopé Donatien, mais on voulait pas l'emmener ici. Ouais, bah là, va avec Bear. Oui, je vous laisse. Eh merde, c'est bon, bah Bernard, il connaît pas de Gonzalez. Mais comment ça, c'est pas possible? Il a demandé à Lenny, il connaît pas non plus. Hein. Mais attends, si toi tu connais pas de Gonzalez, si les wagons ils connaissent pas de Gonzalez, qui connaît Gonzalez? Bah, pas moi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, bah, dis Cox, c'est-il le paquet cadeau que je t'offre? Bah, dis donc, il a pas d'infos pour moi, je te le laisse. C'est cadeau, tu en fais ce que tu veux. Monte avec moi dans la voiture. Eh, bien sûr. Il en est mal, hein. Il va monter avec lui derrière. Bon courage à tous. Non, on qu'il avait des infos, hein, tu... Bon, présentement, il n'y a pas d'infos Gonzalez ici même. Ouais, puis... alors moi j'ai reçu un message. Dis-moi tout. Bon, je te le dis cash, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a rien du tout. Ouais. Dites au pichon d'arrêter de chercher Gérard, Monsieur Logan. Je sais pas qui c'est. Et qui c'est Monsieur Logan? Mais attends, c'est plus... Ouais, c'est moi. C'est plus... Ah, ok. Ah, c'est mon blaze. Mais donc, on fait-il quoi donc? On doit plus chercher GG? Mais c'est pas parce qu'on reçoit un SMS d'une personne. T'as le numéro de la personne présentement qui t'a envoyé non, le truc? Non, je vais pas du tout. Non, je vais demander qui c'était, machin. J'attends. Bah, qui vient de nous le dire en face, hein? Comment ça? On peut recevoir maintenant des SMS en inconnu? Ah oui, mais merde. À la preuve, Béal m'a envoyé un message, mais je savais pas que c'était elle. Bah oui, mais moi. Et moi, présentement, je voulais pas emmener le Donatien, je voulais pas m'en occuper. Pourquoi ce type fait ça, toi, Thomas? T'as dû le laisser là-bas. C'est bon, fallait prendre le truc. Là, au moins, tu vois, il est appelé, on sait qu'il en sait rien. Bah, c'est bon, oui, bah, t'as raison. Bon, bah, donc on a. T'as ouvert, toi, d'ailleurs? Ah oui? Non, je vais le remettre. Attends. C'est Jim. Oui, Jim? Ouais, Nana. Oui, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Juste, je te file une info rapide, j'ai pas beaucoup de temps. Bah, vas-y, vite. Tous les wagos, etc., ils vont partir à votre recherche en fait, parce qu'ils sont au courant que vous avez kidnappé machin. Mais putain, on l'a pas kidnappé, on l'a plus avec nous-mêmes! Vous l'avez plus? Mais c'est le coq ce qu'il a, c'est pas nous! Mais en tout cas, les wagos, ils partent à votre recherche. Mais merde! Et le truc, c'est qu'il y a le fast et des vannes là, ils ont dit ouais, si on peut fumer les pigeons. Oh putain, mais non, c'est pas possible, j'étais pas prévu ça moi-même. Vous allez bien, les mecs? Mais MT, viens donc vite par là, il y a Jim qui me donne plein d'infos. Ok, très bien, Jim, bah tu m'en donnes plus quand t'es en sécurité, d'accord? Attaquez pas forcément les bagos, mais les autres cons là. Ouais. Je raccroche présentement, ceux-ci ils arrivent ici, on est mort. Vite, dépêchons-nous, il y a les wagons qui arrivent, ils pensent qu'on a chopé l'autre Donatien de ses morts, et il y a même les connards qui veulent nous faire la peau. On bouge tout de suite. Ok, bah salut tout le monde. Bah tu montes-y pas avec nous dans la bagnole toi? Tu fais quoi toi? Tu... Non, regardez ma caisse, elle est incroyable. Ah bah elle est magnifique, mais mine ton cul parce qu'ils vont te trouver le fion, alors bah monte avec nous si tu fais quoi que ce soit. Mais active ton le cul, mon dieu. Mec, j'ai deux fragments de balle à côté du cœur, j'ai du mal à marcher. Ah bah, va à l'hôpital. Il faut aller où? Mets-moi un point. Je ne sais pas. Là. Roule. Je vais opérer hier. Le but, c'est quoi? Il faut qu'on fuit qui là actuellement? Alors là, je t'annonce que clairement, les wagons et les trous de balles, les quatre machins, là, le fist, là, je sais pas trop comment ils s'appellent, ils sont à notre recherche tous ensemble parce qu'ils pensent qu'on a le Donatien là.
Oh bah tu vois que je t'avais discussion. Tiens mais tu vois que je t'avais dit de pas t'y l'emmener bordel de la mer. Maintenant voilà, on est-il dans la mer. OK, bon, du coup, appelle Cox, il faut qu'on comment ils peuvent savoir que c'est vous. Parce qu'on était pas masqués. Il y a tous les keufs là. Mais moi j'y allais présentement pour juste une petite vie. Oh putain, c'est le Bauer maintenant qui m'appelle. Oui Bauer. Oui, non mais Bernard, tu nous as fait quoi là? Mais non mais moi je voulais mais oh merde, j'ai raccroché à la galette Bauer. Bah c'est super ça. Non non mais attends, mettre quelqu'un d'autre à la négociation attends. Ouais, que, bon... moi je veux leur dire 3 millions. Ah c'est Didi maintenant qui m'appelle. Didi. Et on l'a même pas. Bernard, c'est toi pour Donald là? Mais non, c'est pour nous, c'est le Cox, c'est le Cox, mon dieu. Ah oh, putain, et c'est où? Bah je ne sais pas, je suis pas dit donc avec lui. Nous, Cox, nous on est parti en mode bras le biberon en bas, tu vois sinon. Parce qu'on sait que tout le monde nous court avec lui. Ok, du coup tu sais pas où ils sont? Bah non, 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 je sais pas où ils sont. Mais t'avais l'info? Comment t'as eu l'info? De quoi? Bah parce que le Cox en fait présentement il est venu à l'endroit où le Donatien il était. Oui donc, où était Donatien, c'est ça que je demande. Ah, il était à l'aéroport. Ok, donc il l'a chopé à l'aéroport quoi. Bah il l'a chopé à l'aéroport, voilà présentement. Oh là là. Et si t'as les vagos dans le coin, et dis-leur que c'est pas nous quand même, parce que bon, nous on est encore en train de faire deux gouttes dans notre froc là. Vas-y, je vais préciser ça et puis je vais partir en sa recherche. Ça merci de l'info. Bisous. Carrément. Oh putain, attends. Oui. Mec, c'est plus un slip que t'as, c'est une merde. Vous appelez? Attendez, maintenant c'est MT qui m'appelle. Je vais devenir une standardiste. MT? J'ai pas entendu. Oui, là on est au niveau des éoliennes, on est parti sur la route du désert. Éoliennes déjà? Vous m'entendez? Ouais, on est aux éoliennes. On t'attend aux éoliennes? Je m'appelle Tupac et vous? Ouais. Sors du champ. Va aux éoliennes, Thomas. Hey, Bébert, tu peux fermer ta gueule 2 minutes? Mais je suis au téléphone, connard. Va aux éoliennes. On va parler de ça après. Ouais, je vais prendre une voiture un peu plus rapide. Ouais, monte aux éoliennes, Thomas. Ouais, j'arrive. Vous avez eu la pause? Parce que moi j'ai la pause. Hein. Excusez-moi, les copains. Vas-y, envoie-la-nous alors. Là, monte à droite, il y a les éoliennes. Monte aux éoliennes, il t'a dit. Non, ils sont à 8 km là. T'as commencé à sont à 10 km là, allez, à 3, là, à la droite, à droite. Tournez la tête, vous voyez pas des éoliennes? Écoute, j'ai plutôt tendance à faire confiance à quelqu'un qui travaille avec toi, parce que toi qui est en train de... Mais c'est MT, espèce de connard, qui nous a dit d'aller là, donc maintenant tu vas t'y écouter les familiers et tu vas aller aux éoliennes. Faites-moi danser, ouais. Faites-moi descendre, moi je prends ma caisse et je me tire. Mais non, on va t'y retrouver le Cox après. Va aux éoliennes, là on les voit, mais on y est pas. Bernard, 2 minutes. Pourquoi MT veut nous trouver ici? Mais parce qu'il veut nous aider, vois-tu, les vagos sont à notre cul et donc maintenant les familiers sont en aide avec nous. On l'attend là, on voit la pause et ensuite on va retrouver Cox. D'accord, mais tu peux t'y monter aux éoliennes plutôt que d'être tout en bas comme un con? Eh, vous voulez pas arrêter de parler là et d'agir là pour GG là? Bah, tu crois qu'on fait quoi? On fait un ping-pong? Bah, là un petit peu là, ça fait 10 minutes que vous êtes là en mode éolienne, pas éolienne. Bah, c'est pas moi qui conduis. On est en bourrique plus que les éoliennes. Ah, j'ai compris, vous êtes genre des écolo hippies, des trucs comme ça. Exactement, je commence à me gonfler là, les blablateurs. Désolé, Tom. Attends, bon, je sors de la voiture, laissez-moi sortir de la voiture. Je crois que c'est pas la journée. Par contre, ça me rappelle Seven. J'espère que la fin sera pas pareille. Ceux qui font ça, ils sont pas dispo. Oh putain, si c'est comme la fin de Seven, il y a une tête qui va tomber. Je te rappelle. Mais c'est bon, arrête-toi, on y est aux éoliennes, qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on crève? Oh, c'est putain! Mais tout va bien, l'oreille de coke. Vas-y, c'est bon. Présentement, je sors de cette voiture de l'enfer parce que tu vas nous foutre en l'air. Dis-là, je m'appelle Tsipak, et toi, tu t'appelles comment, mec? Oh putain, mais quelle équipe, putain, faut-il que je cours la ville avec une équipe de bras cassés pareil? Bon, moi ils veulent que j'y aille, ils me disent de venir seul. Bon, faut-il rappeler Bauer? Ah bah pichon! Non mais on a tiré accroché parce que j'ai eu un problème de réseau. Bon, je suis avec toi maintenant, qu'est-ce qui se passe Tidon? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non mais ça c'est mon collègue, il a tipété un plomb, mais c'est plus nous qu'avant le domatien, c'est le Cox. Oui, tu sais par où il est parti? Ah bah non, présentement, c'est pas du tout, justement, nous-mêmes on est pas du tout avec lui. Et vous l'avez lâché où? On l'a lâché justement devant un magasin de vêtements près du Unicorn. D'accord, ouais, vous savez pas du tout où il a pu partir. Ah bah alors là, présentement, pas du tout, Bauer. D'accord. Mais qu'est-ce que tu foutais dans la caisse? Mais j'ai pas eu le choix moi-même, je suis venu avec la voiture, je vais pas repartir à pied. Ouais, non mais ok, mais et du coup c'était, y avait Cox derrière, c'était qui dans la voiture avec toi? Ah bah non, bah c'est bon, tu m'as-tu pris pour la dernière des balances toi Bauer ou comment que ça bah se passe? Bah non, mais j'essaye de retrouver le donat, attends, il est en danger. Ah bah oui, bah donc c'est Cox, voilà, c'est la seule info que je peux te donner, donc essaye de choper le crâne rasé et puis tu verras ce qu'on peut faire. Bah écoute, ok. Bon bah bon courage présentement, hein. Bah ouais, la même. Ok, bon c'est bon, ça c'est-y réglé, MT il est-y où même maintenant? C'est pas possible. Mais il va où ce connard? Merde, Béa? Mais qu'est-ce qui se passe?
Béa, qu'est-ce qui se passe? C'est un mauvais présage. Mais comment ça, c'est un mauvais... Mais laisse cet oiseau tranquille. Mais il va où, l'autre con? Mais il va où, l'autre con? C'est un mauvais présage, bébé. Béa, putain. Béa, contrôle-toi. Putain, Béa, contrôle-toi. Tu commences à péter un plomb, Béa. Aïe, mais arrête. Mais Béa. Mais arrête, putain, Béa. Qu'est-ce qui se passe? Béa. Calme-toi, ma Béa. Calme-toi. Ils vont où, les autres cons? Mais t'inquiète pas, Béa, t'inquiète pas, on est là présentement tous les deux comme deux cons, mais on est là. Oh putain, mais ils sont partis où les deux autres, là? Ils sont partis en rencard, qu'est-ce que tu crois? Mais putain, tout le monde veut baiser, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette ville, c'est un baisodrome? Putain, mais bon Dieu de bon Dieu. Mais et donc, il nous abandonne lui aussi? Non, il allait déposer la dame pour qu'elle prenne une voiture, monsieur. Ah oh putain, ça va zouker sec. Ah là là, j'espère que tu sais danser la gigoudance parce que là ça va être tichot. Non mais tu, je suis pas là pour rigoler, putain. Mais moi non plus, tu crois quoi? Il y a la ville à notre cul, tu crois que je suis là pour déconner? Bon Thomas, qu'est-ce qui se passe là maintenant? J'aimerais juste qu'on se calme dans la voiture et qu'on filtre les infos qu'on donne parce que Bidule sorte avec machin ou j'en sais rien, là je comprenais rien dans la voiture. Mais moi, donc, on parle pas de qui, on parle de sortie de GG là. Ouais, non, je sais, mais je ne comprends rien. Pourquoi MT veut nous rejoindre? Parce qu'on a les vagos au cul, c'est ça? Oui. Ok. Quelles sont les pistes qu'on a actuellement pour retrouver GG? Alors, présentement, le Donatien s'est baisé. Deuxièmement, les vagos, visiblement, s'est baisé. Donc, troisième petitement, il reste plus que la police pour savoir si plus d'infos. Putain, c'est Didi. Attends, je décroche. Didi? Bon, et MT qui attaque le commissariat, c'est toi aussi? Mais putain, mais non, mais pourquoi MT attaque le commissariat? Nous a donné rendez-vous à un autre endroit, on n'est pas au commissariat nous-mêmes? Ah, Bernard, faut que tu gères ton équipe, hein. Y'a plus Gérard, enfin je sais pas si Gérard est revenu ou pas, mais en tout cas, c'est la merde. Mais pourquoi tout le monde me fout dans la merde ce soir, présentement? Je suis avec Jim, je dis que c'est pas toi, je suis désolé. Mais putain, bon Dieu de bordel. Je te rappelle. Oh, on arrivait à finir en prison. Mais à quel moment c'est parti en couille cette soirée? Bah, au moins, peut-être qu'en allant en prison, on va rejoindre GG. Hein. Mais il est plus en prison, connard! Il est sorti par Gonzalez! Oui, bah peut-être que Gonzalez il viendra nous chercher nous aussi. Mais tu le connais pas, comment tu peux te connaître? Mais putain, t'es... Mais j'en sais, moi j'ai pas de piste sur lui. Oh, tu dis ton des conneries à la seconde, c'est plus possible. Dis-toi des conneries, et t'as une piste toi? Bah oui, présentement c'est les flics, mais MT il est en train d'attaquer le commissariat, je pense qu'il branle. Dans ce cas-là, si MT est en train d'attaquer les flics, je vous conseille qu'on passe faire une supérette pour acheter des vêtements et on enlève le verre. Moi, j'ai pas vraiment envie de... Moi, j'ai pas de flingue aussi, hein, monsieur. Non, mais on a plus le temps. On a plus que 50 minutes, Thomas. On a plus que 50 D'accord. minutes. Donc, en fait, là, t'as envie de te planter chez les flics en étant habillé en verre pendant que MT est en train de leur tirer dessus à coup d'AK-47, c'est ça? Mais présentement, j'ai jamais dit qu'il fallait qu'on aille chez les flics comme ça, la bouche en cœur. Ouais, j'ai envie de te dire que s'ils ont reconnu MT, ils sauront que c'est les verts qui sont dans le cours. Hein. Bah, de toute façon, oui, maintenant, présentement, on est un peu baisé. C'est les jaunes, hein. Il faudrait un petit peu brancher les jaunes. Alors. Mais non, mais comment ça, allons-y? Mais comment ça, allons-y? Mais moi, je veux pas y aller. Bon, j'attache ma serviette quand même. Tu viens pas de dire il y a 2 minutes que notre seule piste c'est les flics? Bah, c'est les flics, oui, mais on est pas. Putain, attends, j'appelle MT. Mais mon but c'est pas de leur tirer dessus, c'est de leur poser des questions. Le problème c'est que là il y a MT qui est en train de leur tirer dessus. Ah bah, ça va être compliqué. Je pense qu'ils vont pas nous... MT, t'es en train d'attaquer le commissariat? Mais non, mais putain, mais je comprends rien, mon frère. T'es où, dis donc? On est où? J'ai entendu, il y a Luigi dans une voiture de police, j'ai poursuivi, ils ont commencé à me charger à 3 avec le blindé, machin, etc. Je crois que j'ai couché les gens dans le blindé d'ailleurs. Oh merde! Et toi, t'es où là maintenant? Bah alors, je suis rentré au Tiercar parce que je me suis pris des balles là. T'es au Tiercar? Bon, on arrive au Tiercar alors. Ouais, par contre, je vois rien à mon avis, c'est la merde. Ok, on arrive au Tiercar. Vas-y. Mais non, mais en fait, il s'est fait attaquer par un blindé de police directement sur sa gueule. Et donc là, maintenant, il est au quartier pour justement se soigner. Bon, attendez, je vais te mettre le GPS, je te dis où il est le quartier. Donc, police ou pas police? Non, pas police! Très bien. Qu'est-ce que c'est ce point de merde, le point violet là, le point je sais pas quoi là? C'est le point où si on veut retrouver Cox. Ah attends. Laisse-le pour le moment, on va garder. Ok, merde, bah il est où? Je sais comment aller au quartier sans GPS. Mais non mais attends, y'a pas le point, il est où le point? Y'a plus le bâton violet qui l'a enlevé? Ah bon bah tant pis. Je laisserai appeler Cox s'il nous enverra. Cette équipe de bras quand c'est qu'on est inopant, ça commence à être carnaval. Ouais, j'ai l'impression que pour sauver GG, on a vraiment la meilleure des équipes, hein, monsieur. Ah putain, mais franchement, les pieds nickelés qu'on a, Tidon, là. Oh putain, il y a un hélicoptère, j'entends Tidon qu'un hélicoptère.
Oui, voilà, présentement. C'est à gauche, c'est à gauche. C'est à gauche. C'est bon ? Tu... Ouais, c'est bon. Bon, ok, présentement. C'est nous, c'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes. C'est nous, MT, c'est nous, MT. Qu'est-ce qui se passe alors ? Qu'est-ce qui... Ça va-t-il bon, Liam ? Ils ont loué dans une bagnole, on s'est approché, ils nous ont défoncé, ça a tiré, ils ont percuté. Ah bon, bah attendez, parce que si ça commence à chauffer, je mets mon gilet, hein. J'ai entendu Luigi dans une caisse. Du oui. Coup, je suis approché de la caisse. Maintenant, la caisse, elle est rentrée au fond de derrière. Du coup, il y a le blindé qui sortit. Il m'a foncé dedans. Il y a 4 voitures qui nous ont dit, il m'a foncé dedans. Je crois que j'ai explosé 2-3 types. Le blindé, bah, pareil, il m'est rentré dedans. Je crois que j'ai eu ce qu'il était dedans. D'accord. Ouais, c'est la merde, je comprends rien, mais je sais même pas ce qu'ils veulent. Mais je ne sais pas non plus, moi. Nous, on était là présentement. On demandait très gentiment et calmement aux Donatiens s'ils connaissaient Gonzalez. Bon, après, Thomas a piqué une crise, il nous l'a embarqué dans la bagnole. Il a demandé après à Miguel s'il connaissait, Miguel a dit non. Oh merde, oh merde! Oh, t'inquiète. Ah, mais pourquoi tire d'où sur l'hélicoptère? C'est rien, c'est rien. Eh mec, ils viennent tout le temps ici. T'as demandé quoi, Donatien? Tu disais. D'accord. Le bep. Ben, pour savoir s'il connaissait Gonzalez, c'est lui-même qui a sauvé GG de prison. Gonzalez? Mais oui, un Gonzalez! Et donc on pensait que c'était Donatien, donc non. On pensait que c'était les Vagos parce que Gonzalez, vois-tu, ça sonne un peu Nachos, vois-tu. Et finalement pas du tout. Attends, mais comment ça qu'a sauvé le GG? Il est où GG là? Mais GG, il est sorti de prison, putain, c'est, c'est Gonzalez qui l'a sorti, mais on sait pas qui c'est. Et GG répond pas à son téléphone. Il a été sorti de tôle par un Gonzalez. Par un Gonzalez? Et la police est censée le chercher, mais j'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Bah ouais, sauf que là, le petit GG, il m'a pas contacté par téléphone, et ça c'est bizarre. Il répond à aucun de nous. Aucun? Aucun. Bah, aucun présentement. Alors franchement, si t'appelles le GG Liam et que t'arrives à l'avoir, alors toi, je te peins un pont jusqu'au bout de l'univers, hein, je te le dis tout de suite. Ouais, GG. Ouais. Attends, quoi? Je te laisse, faut que j'aille me faire pépin. Mais merde, t'es-tu là à détendre l'atmosphère? Mais on est tendu comme un string, je suis à deux doigts d'éclater. Ouais, bah oui, bah moi je viens de me lever, je sens, il y a un petit qui m'appelle, il me dit viens là et tout, j'arrive, ça part dans tous ah les bah sens. Bah ouais, moi j'ai les pommes de pain tellement pleines que je marche comme un cow-boy, vois-tu? Toi, on t'a dit de dégager. Allez, on s'en va. Oh bah, c'est fou ça. Ah non mais t'inquiète, j'ai eu le même problème avec des jet skis l'autre jour. Oh putain, ah ouais, t'en as tiens un beau pistolet en or toi. C'est ouais. Goldmember. Oui c'est ça. Ça me rappelle un jeu où je prenais Hot Job et que c'était un James Bond. Et bon, il y avait le chapeau tout ça et puis il y avait le pistolet d'or. Bon, bref. Ouais. Oui c'est quoi Mimti? Moi j'appelle ça un GM. Un GM? Un gros malentendu. Comment ça, un gros malentendu? Alors en gros, moi j'ai entendu la voiture de flic passer, tu vois, et j'entends boss, tu vois, et dans l'après-midi, il y avait les Vagos qui avaient une voiture de flic. Exactement. Du coup, j'ai cru que les Vagos avaient embarqué Luigi, puisqu'il me répondait par message, et puis après il me répondait plus. Donc, du coup, j'ai cru que c'était les Vagos qui avaient embarqué. Mais du coup, ça rentre au commissariat, ils m'ont chargé, enfin bref, ils ont cru que moi j'attaquais le commissariat. Mais quel enfer, parce que oui, Didi nous a appelé, il nous a dit putain, MT il attaque le commissariat. Je fais, mais c'est pas possible, il nous rejoint directement aux éoliennes. Et il me dit non, il attaque le commissariat. Ah non, et du coup c'est un gros malentendu. Bon du coup, bah Luigi, en fait, ils avaient Luigi parce que ce con s'habille en flic. Ah ouais, bah oui. Mais qu'est-ce que c'est ce quipoco de Kikamanche là, de poupée russe encore? Non mais mec, je comprends rien. Ah bah là c'était un doigt qui rentre dans un doigt qui rentre dans un cul, enfin bon, c'est quand même terrible. 4 voitures contre 1, un petit gagnant. Hein. Ah bah bien ça, joué, bien joué. La cote a augmenté. Hein. Wow, bon. C'est le SPD. Hein. Par contre, ça nous donne pas du tout l'affaire sur Gonzalez, on sait-il donc toujours pas qui c'est? Il nous reste que 45 minutes pour essayer de le trouver. Hein, de quoi? De 45 minutes? Bah, y'a plus de 45 minutes. Vous voulez faire quoi là? Parce qu'après, y'a le good good talent où on doit tous y être comme des petits gentils bisounours. Ah, c'est à 22h? Exactement. Ok. Ah, mais là, y'a T-Baleine dans Cachalot, c'est sûr. Je comprends rien. Ah, ce malentendu, mais putain, j'en ai marre des malentendus. Oh, bah, c'est... Moi, j'ai bien entendu que ça partait en couille. Hein. La vie est comme ça, mon petit MT, que de malentendus, de malentendus. Ah, bah ouais. J'ai appelé Jim. Mais pourquoi tu as appelé Jim? Parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il a entendu des trucs. D'accord. C'est lui-même qui nous a prévenu des Vagos. T'as pas la fréquence des flics, le Tom? Ben non, il a oublié ce connard, il a acheté son carnet d'adresse avec ça dedans. Non, bah, ça, j'ai jamais dit qu'on était d'une intelligence rare chez nous. Hein. La dernière que j'avais enregistrée, attends, je regarde juste, c'était 884.1, mais du coup, ils l'ont changé. C'est pas possible, tu peux pas avoir de 8.
384.1. D'accord. Mais ils l'ont changé. Le problème, c'est que je sais qu'ils l'ont changé parce que c'était la fréquence avant braquage. Ah ouais, ok. Et j'avais inséré la nouvelle, j'avais chopé la nouvelle. Je crois que je vous l'avais envoyé, mais je l'ai oublié. Bah, si tu me l'as envoyé, de parler, non ? Franchement, je tenais à vous le dire, j'étais sûr qu'on allait bien se faire chier ce soir même. Bah putain, ouais, on n'a pas un moment de souffle. Je l'avais envoyé par appel. Tu m'étonnes. Bon, ils sont mariés les autres là ? Oui, ça y est, Tidon, présentement. Bon, faut-il que maintenant on chope un flic pour avoir plus d'infos ? Le cul qu'il doit savoir, non, Tidon ? C'est un jeune marié, on veut lui offrir un cadeau ? Mais plus d'infos sur quoi ? Sur ton Gonzalez ? Bah oui, parce que clairement, si c'est pas le Donatien, si c'est pas les Vagos, si c'est pas nous-mêmes, il reste plus que la police qui a-t-il des informations. Putain, là. J'ai mis 11 roquettes, fais chier. De toute façon, s'il y a des mecs qui ont sorti un détenu à vie et que personne n'est au courant, c'est qu'il y a un truc qui cloche, mon pote. Ah ouais, ça me paraît logique, hein, la piste de la police, hein, monsieur. Parce qu'en fait, à la police, on est d'accord qu'il y a quand même pas mal de bavures. Et quand je leur ai demandé s'ils cherchaient le Gérard, ils avaient pas l'air d'être à fond dans la recherche. Hein. Tu veux-tu que j'appelle Cuc pour lui donner un point de rencontre ou... Moi, ça me paraîtrait bien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars ? J'appelle Cuc ? Ouais, appelle le Cuc, quoi. Okay. Ouais, après, il doit... Ouais. Quoi, il ouais ? Après, il faudrait peut-être parler au capitaine, hein, monsieur, pour avoir plus d'informations. Ouais, après, s'il te dit, putain, c'est la merde, c'est la guerre, j'ai pété... Ok. Ouais. Bon, présentement, je reste à côté de vous, vous m'entendez, ouais, d'accord ouais. Comme ça, au moins, j'essaie. Oui, monsieur Pichon. Oui, lieutenant Cuc. Oui. Oui, vous-même, excusez-moi de vous déranger pendant votre lune de miel, là. Non, mais c'est pas grave, allez-y. Dites-moi, présentement, je chercherai des informations sur un individu chez Tidon Pork, vous le connaissez peut-être. C'est qui ? Nous cherchons un individu du prénommé Gonzalez. Ah, alors là, vous êtes mal tombé, hein. Ah bah dis merde, bah personne n'a entendu parler de ce putain de Gonzalez alors qu'il c'est a sorti manger de prison. On en a déjà entendu parler, mais la seule fois qu'on a entendu parler, il nous a tiré dessus, hein. Ah bon, bah il vous a tiré dessus où, présentement? Bah c'était en ville, hein. En ville, vous me dites? Oui. Mais c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a 5-6 jours au moins. Un Gonzalez en ville? Bah attends, je vais te demander tout de suite à MT. Attendez, bougez pas, monsieur Cuc, hein. MT? Et en fait, MT et Liam, les gars, ils me disent que Gonzalez, la Cuc, il a rencontré Jack Gonzalez dans la ville il y a quelques semaines, une petite semaine. Ah ouais? Donc il y a-t-il ça où ça exactement, Cuc? Mais non, mais c'était une fusée à Danville, lambda, il n'y avait pas d'endroit précis, quoi. Enfin, d'accord. C'était voilà, quoi. C'était tout, hein. Et est-ce que vous pouvez le décrire physiquement? Bah, un homme pas très avenant, assez petit, le teint grisonnant. Ok, alors il me dit petit, un grisonnant, pas très avenant, d'accord, ok. C'est GG là dont vous parlez ou... Non, c'est bien de monsieur Gonzalez, monsieur Pichon. C'est ce que j'allais dire. Hein. D'accord, monsieur Pichon. Et pourquoi vous me demandez ça? Mais parce que présentement, on cherche justement à rencontrer ce monsieur Gonzalez, c'est lui-même quand on cherche Gonzalez, c'est tout. D'accord, pourquoi donc? Bah, pour lui dire la bonne journée, voyez-vous-même. Il nous reste en plus que présentement 40 minutes, donc on voudrait vraiment, vraiment le rencontrer très très vite. Ah oui, d'accord, oui, je vois, oui. Eh oui. D'accord, ok. Eh ok, oui. Très bien. Bon, ça a l'air de vous passionner comme un coup de pied au cul, ce que je vous raconte, cette nuit. J'en ai rien à foutre, oui, parce qu'il y a votre copain, là, Donatien, qui a été kidnappé, tiens. Ah bah, il est avec le coq, alors amusez-vous bien pour le retrouver. Bah oui, vous savez où ils sont. Bah, alors un cul, voyez-vous bien. Alors, vous savez quoi, Tidon, je vais t'y faire un coup de bluff avec vous-même. Je vous donne la solution, où est Tiga Cox, vous me dites où est Gonzalez, d'accord? Vous trouvez l'information sur Gonzalez, je vous donne l'information sur Cuc. Mais déjà, moi, donner les informations sur Cox, et après, je vous donnerai les informations sur Gonzalez. La dernière fois qu'on était venu chez vous, mon petit poulet, là, à un moment donné, mon GG, là, n'est jamais ressorti de son commissariat. Il a été honnête. C'est lui qui a avoué tout seul, hein. Oui, et oui. J'aurai des vraies informations à vous donner sur Gonzalez. Et vous aurez des vraies informations. Vous savez quoi? On se donne 5 minutes, et dans 5 minutes, d'accord, on se rappelle pour tout ça, d'accord? D'accord. À tout à l'heure. À tout de suite, monsieur Cuc. Bon, j'ai-t-il lancé un coup de bluff au Cuc? J'ai dit qu'on savait où était le Cox. Il me rappelle dans 5 minutes pour me dire qu'est-ce qu'il sait sur Gonzalez. Est-ce qu'on est d'accord que le fait qu'il n'y ait pas eu d'avis de recherche, c'est pas un peu bizarre, ça, monsieur? Bah oui, mais oui, présentement, je suis d'accord. Est-ce que le fait que les policiers, là, les flics, là, ils cherchent pas GG, c'est pas un peu bizarre, ça, monsieur? Bon, à mon avis, les flics, ils sont trompés jusqu'à l'os, d'accord? Mais moi, je pense que le seul moyen de les faire parler, c'est de leur mettre un petit peu la pression, monsieur. Parce que là. Le blabla, la blabla, c'est bien, mais ils vont juste vous mentir et nous mener en bateau. Et là, on n'a plus beaucoup de temps, Béberte. Donc, en fait, donc quoi, Thomas, tu veux-tu pas appeler ton gars Julien, qu'on l'amène ici, qu'on le kidnappe lui-même? Enfin, je sais pas. Je pense que la meilleure solution, c'est de kidnapper un et de l'échanger contre le capitaine, monsieur.
Ils seront obligés de les changer, monsieur. Oh putain, mais. Oh là là, mais. Ça sent encore les emmerdes, ce soir. Oui, ça. Franchement, là, si, présentement. C'est radical comme plan, ça. Ouais, 30... C'est radical, mais à mon avis, c'est les seules façons d'avoir les vraies infos sur Gonzalez. Parce y a que là. Le Duc qui arrive. Le Duc, ah, okay. Il va forcément te super. Mentir, en fait, Béberte. Il va juste nous mener en pipo, Béberte. Mais sinon, je t'y présentement, si on va à l'endroit où il y a le Cox, d'accord, les flics forcément vont être là-bas aussi également. Si on libère le Montaza, qui sont peut-être plutôt coopérants avec nous-mêmes et peut-être qu'ils nous donneront plus d'informations, voyez-vous même, non? Bah, en fait, mon plan moi, est foiré aussi, là. Sauf que le problème, c'est qu'à mon avis, l'histoire de Cariva GG, c'est une grosse bavure policière, monsieur. Je vois pas d'autre explication. Il n'y a pas eu d'avis de recherche. Tu crois qu'il comment a fini avec une matraque dans le fond de main? S'il n'y a pas eu d'avis de recherche, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher, monsieur. Ils veulent pas que ça se fasse du bruit, l'histoire de GG, monsieur. Là, comme là, le message anonyme qu'il a reçu, comment ils ont son numéro? Ah, les flics, ils ont les numéros de tout le monde, monsieur. Et en plus, cette histoire comme quoi il faut qu'on arrête de chercher, c'est parce qu'à mon avis, on s'approche un peu trop près de la vérité, monsieur. À mon avis, c'est juste une grosse bavure policière, ils veulent pas que ça fasse du bruit, et du coup, ils vont juste nous mentir et nous mener en bateau, monsieur. Alors là, franchement, Béa, je suis totalement sur le cul parce que ce que tu dis est bien vrai, dis donc. Là, Béa, tu sais qui quoi donc? Tu m'épates, ma Béa. Bah, tu m'épates. Bah, en plus, on est allé voir les familles, on est allé voir les vagos, c'est personne. C'est que les flics, alors. Hein. Bon, les gars, faut-il qu'on règle quelque chose? On attend Luigi, puis on s'occupe de ça? Ouais, je vais juste devoir m'occuper juste vite fait de Luigi un peu, mais... Et malheureusement, je pense que... Bah, parce qu'on a failli avoir les flics sur le cul pour parce que monsieur se fait passer pour un flic. Ah oui, exact, quoi, toi. Mais oui, présentement, oui, on l'a vu nous-mêmes. Après, c'est une bonne technique pour infiltrer les flics, hein. Ouais, une bonne technique, mais au moins... Ouais, mais ils n'échangeront pas le capitaine contre un faux flic, hein, par contre. Ah bah oui. Alors là, Béa, tu mets le doigt dessus, franchement. Alors ah ouais, là franchement... Je réfléchis jusqu'au bout, tu m'épates, d'épatement en épatement. Ah bah, pour sauver la vie de Gigi, moi, je suis prête à tout, même à faire fondre les méninges. Ah bah, je vois-t-il dans ça. Quel enfer, quelle absolution à faire. Bon, en tout cas, nous-mêmes, je pensais qu'on allait vraiment être tranquille, mais pas du tout. Ah bah, Luigi. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu fais bien en tolère? Ah, tranquille, c'est une longue histoire. Qu'est-ce qu'il y a, boss? On va parler, Luigi. On revient. Oui. Par contre, Béberte, si on veut agir, c'est maintenant. T'as un peu de temps après, Béberte. Mais oui, mais on peut pas t'y faire ça. Le problème, c'est que le soutien des verts, c'est assez important. Là. On peut pas faire ça sans les familismes, Béa. Faut-il, là, par contre, se rendre compte d'une chose? Toi, tu te fais des manicures. Moi-même, j'ai pas tiré avec un pistolet. Si on fait trop de dingueries que tous les trois, on va t'y mourir, c'est sûr. Ah ouais, Béberte, il reste 30 minutes, Béberte. Je te rappelle que Thomas, quand même, dans la police, c'était un bleu-bite. Ah ouais, mais... Écoutez, moi, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, mais moi, je veux le dire que même si j'y vais seul, j'y vais. Hein. Mais non, mais Béa, mais tu vas pas... T'iras jamais seul, Béa. Mais qu'est-ce que... Non, mais là, tu vois, par contre, tu m'étonnes du m'étonnement en étonnement, mais là, c'est de connerie en connerie. Tu vas pas y aller toute seule. On va pas kidnapper un flic dans le comico, mais on a les radios avec Thomas. On peut peut-être choper une intervention, peut-être on fait une sorte de petit braquage. Un petit braquage sur une petite flica, ils vont pas envoyer 4000 voitures, on va peut-être choper un flic et le kidnapper en scred. T'es sûr que tu peux pas appeler... Mais le problème c'est que j'ai pas la fréquence. Mais t'es sûr que tu peux pas appeler Julien, toi, pour qu'il vienne tout seul dans un endroit disant que t'as besoin d'assistance et on le colle? Non, Julien, il voudra jamais. Comment ça, il voudra jamais? T'es aidé? Non, je le connais, il est fidèle à... Il fait fidèle au SPD, il laisse tomber. Si c'est pour lui demander de trahir le truc, il le fera. Mais il va pas le trahir quand il arrive, on le tase et puis on le menote. Ah là, je suis d'accord avec ce plan. Ok, je peux tenter. Allez, on tente-t-il donc ça? Attends, ah bah... on va d'abord demander au gars quand même. Que... Bon, GG. Les gens? Ouais. Alors, je vous propose un plan et vous me dites si vous entendez qu'il est, il est peaufiné ou pas peaufiné comme un fromage. Là, j'ai le Thomas, voyez-vous même. C'était un ancien bleu-bite de la police, d'accord? Il a le numéro de 2-3 collègues à lui-même. Bon, et là, on va appeler le plus abruti de tous, d'accord? Pour venir à l'assistance de Thomas. Donc, il va venir sans doute tout seul ou avec un collègue. Et à ce moment-là, quand la voiture arrive pour aider Thomas, nous, on tase les deux abrutis à l'intérieur et on les menote. Mais bah passe frère, qu'est-ce qui se passe à WhatsApp là? Tu comprends ça? Eh mec, casse-toi! Vas-y, excuse-moi. Oh, dis donc, c'est un problème, t'as tout le monde. La fréquence c'est 382.4. Ah ok. Je vais aller me préparer du coup. Hein. Ça pourrait être une bonne idée. Ouais. Donc alors on fait-il quoi comme plan? Celui de Thomas était pas trop dégueu, non? Du coup j'ai rien entendu. Il veut faire venir des flics ici pour qu'on les kidnappe. Mais non, juste une petite patrouille.
Mais jamais non, 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 faut pas venir des flics ici. Mais non, pour ici. Jamais viennent, mon frère. Jamais viennent. Mais Julien, mais si, mais Thomas, c'est un copain à Julien. Il va t'y venir pour l'aider comme un bon samaritain. Attends, je vais baisser la radio. Ok, là, je vous dis, les flics actuellement, ils sont en train d'essayer de récupérer Cox. Donc, il y a probablement un cadet ou une cadette qui traîne à proximité du comico. Si on va au comico en face et qu'on les appelle, le mec viendra tout seul. On le kidnappe et on a notre flic. Eh ben, c'est parfait. Alors, pour le coup, je vais peut-être éviter d'aller au commissariat. C'est pas que je viens de déglinguer peut-être 5-6 flics, hein. Mais c'est peut-être un peu tendu. Mais ils sont... ils sont au cul de Donatien. Ah, ils sont tous excités en radio, là. Ouais, ils sont tous sur Donatien, là. Ils essaient de le récupérer parce que Cox l'a kidnappé. Ah justement, les gars, ils enverront peut-être juste une bagnole, hein. Monte avec moi, j'ai des vides teintées. Bon, vas-y, go. Allez, on est parti. Balade avec un arco. Bah, tu te fous de ma gueule, t'as les vides teintées, elles sont pétées, t'es vides. Ah, mais merde, je suis avec Thomas. C'est pas moi qui ai dit que j'avais les vides teintées, d'accord. faut apprendre à écouter, Bernard. Il va y avoir un petit problème. Tu m'exaspères, Bernard. Il y a un moment, faut se laver les oreilles, hein, vraiment. Je suis dit désolé, j'ai pas fumé de mon boyau. Oh putain, mais quel enfer! Quel enfer! On va le sauver, mon bébé! Bon, GG! T'inquiète, okay, là, je te dis, il y a quasiment l'intégralité du LSPD qui est actuellement en train d'essayer de sauver. Donatien. Ils sont tous sur le cul de Cox, donc, à mon avis, on peut en choper un facile. Le problème, c'est que ça va être... Je pense que ça va être le temps, le problème. Moi, je pense que ça va être tendu du ballon, il nous reste 30 minutes, mais bon, quand même, ouais, faut ça va être juste chose. Pour une discussion, hein, on le tue pas, monsieur. Oui, non, mais non, mais le but, c'est pas de tuer qui que ce soit, non, mais... Ah, tu sais, bon, GG, moi, là, je suis prête à des extrêmes, hein, Béberte. Mais non, mais calme-toi. Tu me dis pas de me calmer. Parle de GG, là. Mais putain, présentement, la porte était pas fermée sur ma jambe, connasse. Putain, c'est pas possible, cette affaire, encore. Va-t-il me rendre estropié comme un GG? Je veux pas un pied beau, mon ami. C'est bon, t'as appelé? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends... Me dis pas que t'étais en train de prendre un sprunk? Si, j'ai plus rien à boire. Putain, le mec, on est en pleine prise peut-être d'otage, il se prend un sprunk? Les gars, il y a deux agents qui arrivent. Deux agents qui arrivent, ok? Oh merde. Mettez les masques, ou j'en sais rien, fais ce que vous voulez. Bah oui, il est où l'autre là, Liam, tout ça? Attends, faut que y'en ait qui se cache. Je me cache d'ailleurs. Attends, non. Bon, faut parler stratégie. Qu'est-ce qu'on fait si les deux arrivent, là? Ils arrivent peut-être pas en même temps, monsieur. Mais si, ils arrivent dans la même voiture, bien. Faut qu'il y en ait qui aillent dehors. C'est Agent Panis et... Putain, ça va être chaud. Pourquoi? Ok, mettez vos masques. Putain, mais non, putain. Dans le comico, ils vont nous tirer dessus tout de suite, hein, monsieur. Moi, j'ai qu'un taser. Ouais, mais le problème, c'est que là, ils vont arriver, faut les choper de suite. J'ai juste un taser, ils vont pas avoir peur. Bon, vas-y, je vais me foutre de... semblant. Okay. Je me fous de côté. Ok, je me mets de côté pour faire le coup de surprise. Non, mets ton masque. Mais pas dans le commissariat, ils vont nous tirer comme des lapins. Allez, mettez vos masques. C'est de suite ou... C'est de suite. Oh putain, merde, mais c'est de suite, on a tiré rien prévu. Là, on se planque là. Ok. Mais s'ils arrivent par là-bas, on a pas l'air de deux cons. Attends. Merde. Mais oui, mais présentement, je trouve... Comment tu fais pour faire ça? Appuie sur ton muscle A. Merci, c'est le plus discret. Prépare le taser quand même. Non mais là, on va se faire baiser, là, je te le dis. S'ils arrivent sur notre... S'ils nous arrivent dans le dos, on est cuit comme des merguez. On pourrait pas juste essayer d'avoir une discussion et... Là, ça sent pas bon, là. La béverte, ça sent le plan foireux, ça. Oh, mais putain, Thomas, moi, je sentis que c'est le plan foireux, Thomas. On est obligé. Mais y'a qui? Y'a Panis, c'est qui, donc? Seul pénis, il est pas commode. Mais ils sont où, tous les autres? Putain, j'appelle Tilium, il est où, ce con? Tiens, un hélicoptère, c'est pas eux quand même qui viennent par l'hélicoptère. Bon, j'espère. Ouais, bébé. Mais Liam, t'es où? On est au comico, dépêche-toi, les flics arrivent, on va t'y en choper deux. Ok, je suis juste à côté de votre voiture, je la vois, j'attends que les flics arrivent. D'accord, très bien, présentement ça marche, Liam. Prépare-toi avec ton taser. Ouais. Mais on va pas attaquer le comico à trois avec des tasers, mais bien sûr.
Mais non, mais le but c'est pas de les tuer, mais le but c'est de les immobiliser de façon péremptive. Oh, je suis d'accord, ma vie, on va finir en taux là, c'est tout ce qui va se passer, mais merde. Mais non, tu vois, ma bébé, on va pas finir en taux, de toute façon, dans 30 minutes, on est tous au goût de machin. Oh, mais merde, ils arrivent. À la goutte merguez, où ça ils arrivent? La voiture, je l'ai vue. Tu l'as vue où? Par quel côté? Par quel côté? Elle est dans le parking derrière toi. Mais change de quoi? Change de stratégie, putain. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas leur tomber droit dessus. Mais non, je comprends plus. Ils sont partis. Pia. Putain. Ils sont... Mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Ils sont où ces connards? Mais ils sont où ces cons? C'est pas le moment de porter le mission et d'enlever le masque? Pourquoi? Ben on met... La mission est d'enlever le masque, ma mère. Ah bon? On enlève le masque mais on a pas de flic. Pourquoi on met un masque? Pourquoi on enlève le masque? C'est juste que là, on est un peu coincé, je pense. Comment ça on est coincé? Mais on est coincé de quoi, dis donc? Y'a rien de coincé. Il est où? Il est passé où, Thomas? Je sais pas. Mais c'est toi qui nous a mis un coup de pression. Avec mais parce que je les ai vus arriver Oh merde, 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 ils sont là! Ah, c'est trop tard, ils nous ont vu, ils nous ont vu. Reste là, on est sans armes, on est pas chelou. Putain! Oui, allô? Monsieur Pichon? Oui, vous-même? Devon, non, oh, là, c'est pas vous-même, enfin, c'est vous-même du coup. Oui. Non, mais Devon, tu peux te mettre un cactus dans le cul, on a autre chose à foutre, d'accord? Allez, bisous. Putain, mais quel enfer! Mais il est où Thomas? Il est où Thomas? Merde. Oui. Bonjour. Bonjour Monsieur Mounier. Bonjour, bonjour, ça va? Ben vous-même, attendez, j'ai un appel, je suis désolé. Oui, oui, MT. Ouais, Bébert, t'en es où? Ben là, y en a un, il est tout seul. Et on est deux là, mais tu fais quoi toi? On le chope. Bah ouais, je rappelle ouais. Ok, d'accord, très bien, présentement je l'attrape. Mais ouais, dépêchez-vous, parce que s'il y a des flics qui vous voient, vous êtes pour choper. Bah ouais, il s'est évadé, mais bon, vous entendez bien que si quelqu'un s'évade, c'est qu'on a plus de ses nouvelles. Mais dites, mais là, monsieur Mounier, là, dis donc, vous avez, y a-t-il d'autres personnels? Parce que je crois qu'ils sont tous partis chez le Cox, non? Bah ouais, mais nous on est arrivés, on était deux, hein, donc y a quelqu'un qui a tenté de nous braquer, là, mais visiblement, mon coéquipier l'a arrêté. Mais non, c'est pas si possible. Bon, je suis désolé, Mounier, de ce que je suis en train de faire comme dinguerie. Vas-y, Mounier, maintenant. Mounier, je suis désolé, je t'aime bien quand même, Mounier, mais là, va falloir que tu viennes avec nous de façon péremptoire. Ok. Allez, vas-y. Okay. Allez, vas-y, tu nous suis donc. Non, pas dans le commissariat, tu sors. Non, suis-nous par là-bas. Non, Mounier, qu'est-ce que tu fais, Mounier? Mounier, écoute-nous donc. Va-t'y par là-bas. Vite, vas-y, avance par là-bas. Putain de merde. Putain, vous êtes deux mecs avec ce gars avec le masque, c'est ça? Mais non, mais on est désolé, c'est juste qu'on veut des informations pour le Gonzalez et que le Cux veut pas nous les donner si on fait rien. Tiens, viens donc pas avec nous, viens avec nous. Pas dans la jaune, on est pas assez riche pour ça. Mets-toi ici donc, là-dedans. C'est quoi ce bordel? Bon, dans cette voiture. Vas-y, Béa, tu conduis, Béa. Mais c'est qui le gars là qui vient de nous braquer dans le commissariat? Merde, il a fermé sa porte. Non, mais dis-moi qu'il a fermé sa gueule. Vous êtes foutu. Non. Oh putain, merde. Attends, dis, Béa, contrôle-le, je vais vite choper une voiture. Putain, mais c'est vraiment, mais quel enfer. Vas-y, c'est pas le moment de te mettre à l'arrière, toi, connard. Voilà, c'est très bien. Allez, hop, dégage. Mais putain, mais sans... Non. Fais pas ça, connard. Putain, je vais t'enculer. Oh, je vais te défoncer. Vas-y, tu montes présentement à l'avant de ta caisse. Oh, putain. Mais monte de façon définitive, pauvre con. Oh là, putain, y a-t-il les sirènes? Vas-y, mine-toi le pétard. Ok, tout le monde grimpe. Je peux pas courir. Bah oui, t'inquiète donc pas, Mounier. Mais monte, Béa, qu'est-ce que tu fous? Attache ta serviette, mon petit Mounier. Et vous faites quoi de votre collègue qui s'est fait arrêter là-bas? On s'en bat les couilles. D'accord. À un moment donné, il faut tic dans un coup, il y a des pots cassés, des dommages collatéraux.
Et bah là, c'est lui-même. Moi, je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire là, GG? T'inquiète. On te verra rien, t'inquiète pas. T'inquiète, mon mounier, t'inquiète, t'inquiète. Tu passes ton téléphone, ta radio. Dépêche-toi. J'ai. Oui, mais je peux pas, j'ai des menottes. Non, bah tu fais rien. Bah je l'éteins. Je l'éteins. Tu, voilà, tu restes avec nous. Alors, je t'explique, mounier, la stratégie qu'on va suivre ensemble, d'accord? Ouais, ça m'a l'air compliqué, votre stratégie. Non, non, t'inquiète pas, il va pas t'arriver de manigance. Je t'explique très simplement. Le GG, il était arrêté hier soir, d'accord même? Ouais. Il a été emmené en prison. Et il a été libéré par un Gonzalez, vois-tu? Et nous, d'accord. Gonzalez, on cherche à savoir qui c'est. D'accord. Donatien, il sait pas. Les Vagos, ils savent pas. D'accord. Et donc, j'ai appelé le Cux. Et le Cux, il a l'air de savoir des choses, vois-tu? Mais il voulait pas nous donner les infos. Ok. Donc là, maintenant, on t'emmène en territoire Familiz. Et donc, non, si les Familiz, ils vont me flinguer, Non, t'inquiète pas, c'est nous-mêmes les Familiz. Oh, Mounier, t'es déjà avec les Familiz. T'as les Familiz partout. T'es déjà avec les Familiz, mon grand. C'est quoi ce bordel? C'est les Familiz. Exactement, Mounier, mais t'inquiète donc pas, on est là nous-mêmes. Et donc là, le but, c'est que malheureusement, on va devoir t'échanger contre des informations. Mais on veut pas de mal, d'accord, Mounier? D'accord. Allez, détache ta serviette et sors ton oncle. Moi, je sors pas, les Familiz, je sors pas. Dépêche-toi de sortir aussi, moi qui okay, vais faire okay, sortir. Okay, Mounier, okay. Ne force pas à faire des manigances et des bêtises avec toi-même. Mais t'arrêtes pas de me trouver le slip, les Familiz. Ben non, mais t'inquiète, ils sont. T'es avec encore nous. Encore tabassé. Mais non, t'es avec nous-mêmes. Y'a pas de problème, y'a pas de détente. Bon, j'appelle tout de suite MT. Et c'est qui votre collègue là qui s'est fait arrêter? Ben, c'est un imbécile. Il a. Ah ouais, parce qu'il a. Il a mal manigancé le plan. J'sais il a. Pas ce qui s'est ouais, passé, mais... MT, on est en territoire Familiz, on a le Mounier, il est avec nous-mêmes. Ah, t'as le type du coup, bah on arrive. D'accord, ça marche. Mais vous pensez que c'est quoi le GG, il s'est fait kidnapper? Ah, je pense que la police, elle a fait belle bavure et qu'elle l'a tué et qu'elle veut pas nous dire ça, monsieur. Mais c'est ça, ah je pense, Cathy Bavure, et Mounier. Du coup, ils inventent une histoire de Gonzalez, je sais pas quoi, pour pas qu'on cherche GG, mais. Alors j'imagine que c'est pas vous, mais à mon avis, dans vos super-là, ça tombe pas, monsieur. Marie. Non, je sais rien de tout ça, moi. Mariette? Ah oui! Oui, on est. Viens vite, on est en territoire Gonzalez. Familiz, là, je t'envoie vite la position. Vite, vite, vite. Ah bah, bah oui, oui, dépêche oui. Dépêche-toi, ma petite Renault 5. Il s'est évadé, donc bon. C'est un criminel. Mais lui, un coup de taser, il dit que le GG, c'est un criminel. Oui, c'est vrai. Ça tourne. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est. Un message anonyme comme quoi il fallait qu'on arrête de le suivre Gonzalez et qui a tout mon numéro de téléphone parmi la police. Ah. Et attendez, faut... vous croyez qu'il y a un ripou parmi nous? Ah oui monsieur, et puis c'est pas, ça m'étonnerait pas parce que vous voyez la petite NCIS monsieur. Ouais. Bah un jour elle est venue me frapper, me taser à l'unicorn, elle a fait une belle bavure policière. Elle a même ouais bah elle c'est une cinglée, elle c'est une cinglée aussi. Même pas renvoyée, alors s'il n'y a pas de bavure j'aimerais bien savoir ce qu'il y a monsieur. Écoutez, je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui a bavé, s'il y a une grosse bavure, ne vous inquiétez pas. Je ferai le travail qu'il faut faire. Moi, je suis du côté de la loi. Et clairement, cette personne ne l'est pas. Qu'elle ait un badge ou non. Mais tu vois-tu, Mounier, il faut que tu enregistres bien dans ta tête que nous-mêmes, on ne veut pas de violence. C'est juste que, bah, pas de chance, c'est tombé sur toi. Pas de problème, pas de problème. Oh, regarde, c'est-y ma femme. Ma petite Renault 5, comment ça va-t-il? Ah bah c'est rien ah bah ça. Bien, oui. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, bah tiens, Eti, Mounier, je te présente bouger, maintenant, là, mademoiselle Pichon. Bonjour, bonsoir madame Pichon. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez m'échangé contre les Familiz? Mais ça tire de partout ici, c'est vraiment... Ah bah bienvenue, hein, c'est un peu l'ambiance générale du club. Ah ouais, c'est le quartier. Vous inquiétez pas, ils sont sympas. Ah voilà, c'est bon, ils arrivent présentement. Voilà. Ah bah oui, hein. C'est bon les gars? Ah, j'ai mon téléphone qui sonne, mais je peux pas répondre. Donc, c'est bon, on l'a, dis donc. Ok. Maintenant, tu réponds plus, Monier, hein, tu réponds plus. Bah, bon, je peux pas, j'ai des menottes. Maintenant que je l'ai, j'appelle le Cux. J'ai mis mon oreillette, voyez mon oreillette là. Il va pas être trop dispo, le Cux. Ah bon. Vous avez un flic quoi à. Bah, quoi oh, ouais. From life. Ouais, ouais. Bah, je sais pas présentement, c'est on conduisait, on s'est dit le meilleur endroit c'est quand même à la maison. Parce qu'il se passe, ils m'ont embarqué, nous on était sur une histoire de prise d'otage, donc toutes les unités sont déjà prises. C'est pas ouf, c'est pas, ouais, c'est pas. Vous voulez qu'on l'emmène ailleurs? Bah, on peut parce que. Non, maintenant c'est fait. Vous êtes otage. D'accord, ok, ah bah merde. Ouais, c'est ça. Je reçois des messages et des appels, à mon avis, je devrais regarder. Bah, attends, parce que. Et personne ne répondit au téléphone là. Personne répond au téléphone chez les flics. Ben oui, ils sont en pleine prise d'otage, ils sont surmenés là. Bon, du coup, t'arrives à avoir des infos ou pas? C'est à moi que tu parles, MT? Non, je crois qu'il est derrière moi là-bas. Ah ouais? Lui là-bas. D'accord, pressentement. Non, mais pour le moment, on a tient un otage, voilà, mais moi je voulais que le Gokux il réponde au téléphone, mais il répond pas cet abruti.
J'ai envoyé un message. Ouais. J'ai mis Ticux, on a un otage. Mais Bernard. Oui, quoi? Ticux, il est en train de. Non, mais on voit pas de message en disant j'ai un otage. Ah bon, ben. De toute façon, il a pas de masque, donc foutu pour foutu. Et qu'est-ce qu'on fait, type, présentement? Il nous reste 19 minutes, bordel de merde. Attends, m'appelle. C'est Thomas. Thomas? Si j'ai besoin de personne, je t'appelle. Hein. Tu t'en es sorti, Thomas? Le Ticux, il est. Faut dire ce que vous étiez en train de foutre. Bah, nous, ça y est, on a chopé le Mounier, il était avec nous-mêmes dehors, on l'a attrapé. Je comprends pas, là. Là, on est chez les Families. Je sais pas, on vient de se faire forcer par. Vous êtes pas dit, genre, oh tiens, on voit les flics, Thomas il est tout seul à l'intérieur, on va agir? Bah, non, mais en fait, on a eu le Mounier, on est tout de suite monté en voiture, on a été pris panique, mais on t'a pas vu revenir, on s'est dit, c'est fait choper, on est parti. Et vous m'avez laissé tout seul avec les deux? Mais non, pas avec les deux, on en a un avec nous-mêmes. Attends, oui, bah vous l'avez chopé pendant que l'autre était en train de m'incarcérer. Oui, sauf bah là, t'es où toi? Normalement, le plan c'était que vous étiez censé agir pendant que moi j'étais là. Perdre du temps. Bernard, je te descends. Bernard, écoute-moi bien. Il va crever de faim et de soif. Ta gueule, putain, suis le sérieux, gros con. Vas-y, vas-y, dis-moi ça. Putain, il m'énerve, c'est trop de balle. J'en peux. Oui. Je suis désolé, Mounier. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le truc là, il est. Il s'organise, bon. Ramène ton cul, Thomas, ramène ton cul. À tout à l'heure, j'appelle les. Je crois que le cul, il est. Il est quoi? Il est fit. C'est-à-dire. Mais il est là, ce connard! T'es vraiment un trou du cul, hein! Mais oui! Avec Maltoni, mais vous avez des. T'as faim ou soif ou pas du tout? Non, ça va, allez, je vais tenir encore un petit peu. Je vais tenir. C'est bon présentement? Ok, d'accord. Bon, bah mais donc. Mais quoi, vous voulez parler au commissaire? Oui, exactement, veux-tu parler à Cuc? Ça ne sert à rien, ils ne connaissent pas les Gonzales. Et comment c'est, ils connaissent pas les Gonzales? T'as-tu eu plus d'informations que nous-mêmes? Oui, j'ai pu parler avec eux, ils ne connaissent pas les Gonzales. Ça ne sert absolument à rien de garder Mounier. Ah bon? Mais qu'est-ce que t'as embrouillé encore, putain de merde? Mais c'est qui t'a dit ça? Toi un peu, Bernard. Oui. Eh ben écoute, tu vas peut-être. Ah, mais arrête! Un petit peu plus rapidement que prévu, hein. Mais qu'est-ce que t'as fait? Ah bah, le doubler, ça va, dis donc. Mais j'en sais rien, moi, gamin. Moi, je suis là. Ils sont en train d'avoir l'information, ils nous rappellent. Ok, donc je fais quoi? Je les libère, le Mounier, ou je le garde en vie? Mais non, tu lui dis qu'il va survivre. D'accord. Tu lui dis qu'il va survivre, que tout va bien, que la vie est belle, et qu'il est un beau ciel dégagé. Oui, il a dit lui, dis-lui toi. Non mais on va tous y aller, de toute façon on est obligé d'y aller. Il y a le temps, t'inquiète donc pas, mon Mounier, on va tous y aller, la cœur en fait. Même les tolards, ils y seront. On dirait pas, on dirait comme ça qu'on est pas organisé, mais on est la meilleure organisation, monsieur. C'est clair. Vous prenez un genre comme ça, vous nous craignez pas et hop, vous la mettez en l'air. Ah bah ça c'est l'intelligence. Les Dalton à côté, c'est rien, je le dis. Ouais, c'est clair, ouais. Toi tu mériterais que je t'en mette une deuxième, merde. Bon. Vous enlevez les menottes du coup. Bah, on peut. Oh, peut-être pas, faut pas pousser là. Mounier, si tu tentes pas de manigance, je peux te libérer, d'accord, mais tu pars pas, tu cours pas, tu fais rien de bêtise. Ah non, il fait pas ça, il va être braqué. Mais non, il est braqué. Bon, je te libère parce que c'est vraiment t'es quelqu'un de sympathique, Mounier, que j'aime pas trop de manigancer, d'accord? Merci. Voilà. Merci. Pas de bêtises, fais pas le cabaye, hein. Voilà, Mounier, c'est bon. Tu peux t'y maintenant aller pisser tranquillement. Putain, mais quel enfer, Voilà, voilà, je m'en doutais bien. Allez, tu peux te faire plaisir, c'est un deux de chauffeur. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais parce qu'il avait faim et soif. Sinon, il va. Ah bah oui, bah remets-lui des manottes. Ah bon, bah merde. Remets-lui des yeux. Oh, bon bah c'est reparti. Non, attends, viens, j'ai mieux. Ah on a mieux. C'est bon, on va t'y arrêter un peu les folies, les manigances. C'est quoi ce bordel? C'est comme ça tous les jours chez vous? Ah bah c'est sans cesse, Mounier, c'est sans cesse. Est-ce que... Oh non, tu vas pas y tirer dans la cuque. Non, fais pas ça, mais y'a pas dans les pommes de pin. Non, il tient bien. Je réserverai ça, par contre, si t'essayes de suivre, hop, tu peux dire au revoir à ta... Eh Mounier, tu veux être un héros ce soir? Oui. Ok, bouge pas. Non. Ah, attends, tu es un héros ce soir, Mounier. Mounier, ce soir, tu es un héros. Je vais pas mourir en héros. Mais non, tu ne vas pas mourir. Regarde. Ah, c'est quoi ça? C'est ma voiture. Ouais, ok, Mounier. Il est possible que je te l'ai emprunté quelques temps. Tu vas reprendre ta voiture, tu vas rentrer au poste et tu vas leur dire: putain, je sais pas où vous étiez. Ah, mais non, c'est pas pour toi ça.
Je sais pas où vous étiez, mais à un moment, il y en a un qui a tourné le dos. J'ai fait 2-3 tours de passe-passe, j'en ai couché 8. J'ai réussi à tirer une bagnole et je suis rentré. Ça te dit ? Recule, mon frère. Et comme ça, t'es un héros, mon gars. Et ce soir, tu passes peut-être capitaine. Oui, mais si on fait ça présentement, on n'aura pas les infos. C'est quoi ce délire ? Bah, prends la voiture, que vous avez le matricule et tout. Mais vas-y, fuis. Bah, fuis, Mounier, vole pour ta... Fuis pour ta vie, Mounier. Vas-y, Mounier, deviens héros. Deviens héros, Mounier. Au revoir, Mounier. Vas-y, Mounier. Vas-y, Mounier. Eh bah ça c'est du vrai feu d'artifice de Familiz. Alors, pour Gonzalez. Oui. Bah c'est simple en fait, ils savent pas du tout, c'est quelqu'un de très influent en ville et apparemment il aurait libéré Monsieur Pichon, ils savent rien de ce bon bah de toute façon je pense qu'on l'a dans le cul, voyez-vous même, mais... On a fait tout ça pour le libérer. Mais... Bah faut-il donc peut-être attendre que Gégé nous réponde de lui-même maintenant? Je pense bien qu'à un moment donné il aura un GSM, il nous appellera. Mais vous foutez tous de ma gueule, c'est pas possible. Mais Béa, qu'est-ce que tu veux t'y faire? On a exploité toutes les pistes. Quoi? Hein? Mais vous êtes tous incapables! Fais péter cet hélico! Oh mon dieu! Oh putain de merde! Oh! Gang! Vas-y, ma gueule! Brr! Il y a plus de roquettes qu'on va venir d'autre chose du coup! Chut! Attendez, il y a Meunier en radio! Qu'est-ce qu'il dit? Il y a Meunier en radio! J'en rajoute une couche. Vas-y. Oh, dis donc. Ah, ça finit de façon explosive ce soir. Allô, Panis. Eh, ton mec, on va le retrouver. On va le fumer. un héros. Oh, des dieux, franchement. On est vraiment la meilleure famille, quand même. Incroyable. Bon, bah, dites les gars, de toute façon, présentement il est 10-10, on va tous avancer, j'imagine. Mais oui, je vais me changer et puis je vais aller sur place. On va continuer à chercher après le. On continuera à chercher après le Good Talent. Ouais, j'ai cherché un. Eh, boss. Ouais, mec. Ouais. On va voir un bel uniforme ou quoi? Mais carrément, mon frère. Allez, ah, oui, moi je m'habille pour la soirée. Ah bon, on va tous s'habiller présentement pour la soirée? Ah, bah, oui, mon petit Bernard. C'est parti, monte dans la Renault. Merde. Attends, ma Renault 5, je suis pas dans la voiture. Mais non, mais parfait pas. Mais partez tous pas, je suis là. Oh. Eh. Mais Bernard, il est là. Il est pas avec vous-même. Reviens. Ma Mariette, mais dis donc, tu m'avais-tu oublié? Je savais pas que je pouvais faire ça, Riette. Désolé, ma Renault 5. M'en veux pas, vas-y pas faire de bêtises. Je suis désolé quand même. J'en fais plus. On découvre des choses ce soir, vraiment, c'est... Ah bah oui. Incroyable, j'en peux plus moi-même. Oh va Dieu, je le sentais pas venir celui-là, Ah bah je savais pas que je pouvais faire ça en fait présentement. Ah dis donc. Oh. Eh ben, ce sera quand même une sacrée soirée, moi qui pensais qu'on allait vraiment franchement se faire chier, on est-il bien là, hein? Pouf. Ah bah oui, allez, on y va. On va changer là, cette histoire. Bah, Eddie, là, on se donne quoi? On se donne un code couleur? Le vert. Bah, le vert, je suis déjà tiré en vert, moi. Bon, on va dire, regardez s'il n'y a pas un costume vert, les gens. Allez, c'est parti, présentement. Vous m'entendez? On t'entend. D'accord, ok. Non, mais c'était juste pour savoir si je pouvais parler à ma conscience ou pas. Moi, on t'entend un peu trop ce soir, d'ailleurs. Ah, c'est bon, là. Ça y est, lui, il est-il fâché parce qu'on l'a laissé avec la police, mais c'est pas de ma faute. Hein. Tu reverras l'action, je peux te jurer que c'est pas nous. J'ai ça, là, le col char, le bleu-vert, là. Putain, il y a 230, putain. Ah, le code couleur, c'est vert, on est d'accord. Hein. Eh oui. Vert, bleu, vert. Mais il n'y a pas du vert franc, il n'y a que du bleu, vert, bordel de la merde. On arrive-t-il donc pas à trouver ce qu'on veut là-dedans? Ah, franchement, moi je vais mettre le costume de papa, je m'en fous. Hein. Mais oui, en fait, présentement, je. Merde faire... alors, mais c'est mal foutu cette merde quand même, c'est mal foutu là. C'est-il quand même un sacré petit bordel? Ah bah attends, merde, présentement, j'en avais vu un qui a titi d'un vert bien saisissant. Y'a vraiment aucun gilet vert là?
Bah je ne sais pas moi-même. Franchement, ah, c'est bon, hein, vous allez y arriver. Mais c'est pas ma faute, tout ce qui est vert est franchement dégueulasse quand même. Bah oui, c'est vrai ça. Aussi en vert, là, monsieur. Putain. Ok, monsieur. C'est bien dégueu. Ah ouais, non, là franchement, je suis pas sûr qu'on ait hérité de la meilleure couleur quand même présentement. Oh, après, quoique ce petit vert là, qu'est-ce que vous en pensez, ma conscience? Est-ce qu'une une veste de flambeur à carreaux, s'il vous plaît bien? Veste de flambeur. Bébé, bouge ton cul. Oui, bah c'est bon, présentement, j'arrive. C'est vous-même qui voulez que je m'habille correctement. Moi, là-bas, j'étais très bien, la chemise ouverte. Oh merde, je crois que je suis à poil. Oh, bah dis donc, mais qu'est-ce que c'est cette affaire là? Tu veux t'y coquiner dans la machine là? Ouais, ça fera l'affaire. Hein. Bon, je crois que de toute façon, il n'y a pas de t'y dans le choix, il y a Olive. Mais j'ai un problème de buste, merde, c'est oh, quoi attends. Ça oh, bah parfait, ça, je vais prendre le slim bleu vert là, je crois que. Oh, ça m'étire. Hey, eh, Mariette, je suis en train de me mettre un pantalon qui me met un cul en valeur. Tu vas t'y zioter dessus, ça va être incroyable, ça va te faire mal aux esgourdes. Ah bah oui, 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 j'imagine, oui. Je suis déjà aveugle, alors autant pousser un peu plus loin, quoi. Non, mais c'est au cas où que tu veux changer tes carreaux. Oh putain, les mocassins sont... Oh là là, mon Dieu. Oh putain, on dirait un lutin, mon furet, on dirait un elfe de maison. Les chaussures sans chaussettes. Moi, je comprends pas les gens qui font ça, d'ailleurs. Faut y arrêter à un moment donné. Attends, dis donc. Ah non, mais putain. Bon, ça, à la limite. Et à la limite, voilà. Je suis très... À la base, je suis très Santiago, mais je suis pas tout à fait sûr qu'ils ont des bottes vertes. Je regarde vite fait pour des bottes vertes, on sait jamais, parce que moi, je suis quand même très... très porté sur les Santiago, voyez-vous même. Ah, ça, c'est des bottes... Peut-être qu'il me faut une petite chemise en dessous, bah oui. Oh, bah merde, alors. Dis, Mariette, tu te mettais à l'aise, hein. Non, mais foutre de ma gueule, je suis dans bottes, il me montre des trucs, mais d'une laideur, mon frère. Oh là là, mais je crois que je partirai en randonnée avec ça, dis donc. Oh putain, il y en a 303. Bon, vous savez quoi, j'appuie plus. Allez hop, 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 on défile, on défile. S'il y a une paire qui nous tape à l'œil, on se dit stop, hein. Mais qu'est-ce que c'est ce modèle vomissant, là? Putain, mais où sont les Santiago? Tu vas pas me dire qu'ils ont pas chié une seule paire de Santiago verte, quand même? Putain, c'est tout un bazar quand même pour se présenter présentement juste dans le public. Personne ne nous verra en plus. C'est vraiment se faire chier pour pas grand chose. Hein. Hey, t'en mets du tu prends du vert là. Finalement. Bah oui, bah là, aye. Écoutez. Bon, moi je vais rester sur du léopard, ça m'emmerde. Tu sais quoi, voilà, moi je vais mettre un peu de rouge, ça va m'égayer la soirée. Voilà, c'est bon, à un moment donné présentement. Voilà, je me mets en jeans. Voilà, hop, présentement. Oh non, me dis. Non, c'est bon. Attends, si je quitte là maintenant. Quitter. Ah voilà. Hello friend. Hello my friend. Ah bah non, ils ont pas pris mes chaussures rouges, putain de merde. Attendez, attendez, j'y retourne vite fait pour mes chaussures rouges. Mais c'est bon, présentement, j'arrive. J'arrive, pas de violence, c'est les vacances. Je cherche juste mes chaussures rouges. Voilà, regardez, elles sont petites donc là tout de suite. Paf, voilà, boum, c'est bon. La petite touche de sex appeal, parce qu'il en faut quand même bien une, et puis voilà. Un petit coup de James, hey, voilà le bébé. Allez hop, c'est parti, on est beau comme un camion. C'est bon, Tige, je suis prêt. Ah bon, oui. dans le pire des cas, monte dans la voiture, hein, je vous y accompagne. Et vous avez vu comme je suis côté, c'est la place où il y a les cubes. 5 minutes. Oh bah t'es. Oui, mais en fait, Riette, t'es comme d'habitude, t'étais en léopard, t'as pas changé. Bah oui, mais allez, c'est pas ça le problème, c'est que j'avais un trou dans mon buste quand je mettais du verre, je comprends pas. Oh bon, c'est pas grave si t'avais un trou dans le buste, qu'est-ce que c'est ça? Non, si, c'est quand même un peu énorme. Oui, oui. Ah, c'était un gros trou. Ah bah oui, on voyait tout l'intérieur, dit. Ah bah dis donc, présentement. Bon bah voilà, bon bah ça y est, on y est les copains. Hein. On arrive-t-il maintenant presque dans la dernière ligne droite? Si on est là, c'est que c'est bientôt fini. C'est clair. C'est clair, présentement. J'étais vraiment pas pressé que cette affiche et que cette scène elle s'allume parce que là, ça veut dire donc qu'on arrive au bout du bout. Eh oui. Et dis donc, Mariette, tu présentes un numéro, toi, sœur? Ah non, non, pas du tout. Hein. Moi, je regarde, tu sais. Il arrête à minuit, le serveur, les gens. Bonjour, tout le monde.
Et bonjour. Bonsoir. Oh bah dis donc. Ah bah salut Bernard. Ça va dis donc les gars, la ferme? Ça va bien, ça va bien. Ah bah moi je t'avouerai que c'est moins tardu que tout à l'heure quand même. Oui, oui, ça va. Ouais, tu m'étonnes. Et vous-même? Ah bah là t'as l'air d'avoir été embrigadé dans un truc mon petit Bernard. Ah mais non, mais comme d'habitude. Oui, qu'est-ce qui se passe les pichons, c'est nous-mêmes? Non, il y a typo. Non, non, on n'a pas prévu de numéro, c'est qui pris trop tard, il y avait trop de choses à faire. Bah après, je sais pas s'il a rien de danser du croupion, pourquoi pas, mais il a rien prévu pour le moment. Ça tombe bien comme ça. Tu as prévu un truc, toi, Bauer? Bauer, tu vas faire un numéro? Donnez-moi un petit avis. Non, je me suis dit au début, est-ce que je monte là-bas, mais t'as l'enfilé d'hélicoptère. J'ai essayé de me poser sur la scène, j'ai réussi, mais je me suis dit que si je me posais comme ça, je tuerais tout le monde sur la scène. Oui, non, présentement, c'est peut-être pas le bon timing, t'as dit raison. Ou alors en dernier numéro? Ouais, mais au final, je me suis pas inscrit. S'il vous plaît, messieurs, le verre, on fait pareil. Pour le bien de tous, merci beaucoup. Ok, on chuchote. Attends, alors comment on chuchote déjà? C'est avec ton muscle F5. Ouais, mais mais y a mon muscle, il m'indique pas à quel point ma voix porte. Alors, logiquement, t'as tiens un petit mégaphone qui s'affiche donc avec 3 auréoles si t'appuies dessus, non? S'il y a 3 auréoles, c'est que tu gueules, 2 auréoles, c'est normal, une petite auréole, c'est que tu chuchotes. En fait, je chuchotais tout le temps, moi, depuis le début. Bon, je me rends compte que depuis le début. Eh bah, Bauer, t'as passé une sacrée semaine alors, hein? Ah bah, écoute, ouais, ça fait 2 semaines que je chuchote. Parce que clairement, je vais te dire un truc, la personne qui est là présentement derrière toi, t'entends pas si tu chuchotes dans son sens, dans l'autre sens. Ah bah ouais, bah c'est pas l'inverse, hein. Moi je les entends. Hein. C'est pour ça que plusieurs fois, peut-être tu t'es pris des crampes au niveau du dialogue, là. Bah et puis oh, comme ça au moins, on n'entendait pas mes infos. Ah oui, ah bah là, c'est sûr et certain qu'on les entend des d'une pas, oui. Ça c'est sûr et certain, quel enfer! Ah mais je me disais aussi, ok, tout s'explique. Tout s'explique, c'est clair comme de l'eau de roche. Oh, au bout de 2 semaines, hein, tu sais. Mais dis donc, ma Joséphine. Oh, Bernard. Mais dites, vous êtes Tidon d'en beauté ce soir, là. Oh, bah oui, c'est gentil, mon Bernard. Ah bah franchement, hey, Joséphine, je suis Tidon, désolé, on s'est perdu de vue pendant ces quelques jours récemment, là. Ah bah oui, parce que ça m'a rendu... Vous étiez... Tout va bien, Bernard. Oui, tout va bien présentement, regardez, je suis Tidon en vie. Ah oui, très bien. Alléluia, comme vous dites, alléluia. Alléluia, oui, tout à fait, alléluia. Ah, mais Tidon, vous êtes Tidon en beauté ce soir, là. Ah bah oui, j'ai gardé mon chapeau, mais c'est Lorenza qui m'a dit qu'il fallait que je raccourcisse un peu ma jupe. Est-ce que vous êtes dit donc que le Seigneur il est d'accord avec ça, que vous ayez la salle de jeu là? Oh bah non, la salle de jeu, mais comment vous parlez, Bernard? Oh pardon, au niveau de la crèche? Au niveau de la... Bah non, mais là dis donc, on a-t-il envie d'y mettre le petit Jésus, voyez-vous-même, donc c'est pour dis donc ça. Mais enfin Bernard, vous êtes sous l'emprise de l'alcool. Mais pas du tout. N'est plus Bernard. Est-ce que quoi? Oh, c'est-il la dernière soirée, on se lâche, voyez-vous-même, oh, bah, écoutez, oui. Ah, c'est dit non. J'ai un petit peu picolé hier soir, il semblerait, donc je crois que de toute façon, les flammes de l'enfer m'attendent, donc un peu plus, un peu moins, finalement, on n'est plus à sa place. Je crois, Tido, mais c'est sûr, ça, Mima Joséphine. Eh, si vous voulez même, si vous voulez aller vraiment plus loin dans l'univers de la diabilitude, après le goût de talent, voyez, Tido, j'ai un magnifique véhicule présentement derrière vous, là. Oui. Est-ce que vous avez déjà vu le film Titanic? Alors, comme ça, Bernard, t'as oublié le GG, là. En plus. On va t'y faire une scène, alors on verra ça tout à l'heure. Oh papa Bernard. Ah c'est bon, on se lâche, on a plus le temps. On a plus que maintenant. On a plus que 2 heures à vivre, ma petite Joséphine. Ah bah oui, dans 2 heures, on est mort alors. Oh, on est mort. Ah bah là, je te le dis. Faut se bouger le cul quand même. On pourrait peut-être se confesser juste avant la fin, histoire d'être sûr. D'accord, ah bah putain, bah si je commence à me confesser maintenant, j'en ai bien pour 2 heures. Heureusement, je suis précoce, ça devrait être bon. Oh merde, ça fait beaucoup de détails tout de même. Ah bah oui, je comprends. Je ne m'attendais pas à en savoir autant. Allez, les voix du Seigneur, c'est impénétrable, Joséphine. Les voix du Seigneur, c'est impénétrable. Ah bah là, vous êtes très pénétrable, je crois. Ah, je suis comme un livre ouvert pour vous-même, Joséphine. Ah oui, moi je vois ça. Oh putain, ça me fait plaisir de vous voir, Bernard, vous me faites rire. Bah moi aussi, Joséphine. Franchement, ça aurait été con de quitter cette aventure sans vous voir. Ah bah vous m'auriez manqué, vous êtes inscrit ou pas Bernard? Non pas du tout présentement, j'ai malheureusement pas eu le temps, j'ai juste été fait kidnapper une fois, deux fois, c'était le bordel. Ah oui, ouais, j'étais beaucoup plus gentil que vous. Et vous êtes inscrit vous-même?
Oui. Oh super, vous faites quoi, dis donc? Vous pourrez pas voter, on a pris un jury. Mais je ne me moquerai pas. Vous inquiétez pas, c'est monsieur Kenenfeld, journaliste. Vous savez faire quoi? Le cri des enfants. Alfred, avec moi pour présenter, je me présente, c'est Brioche. On aura. Ah, je me trie bien, Flipper, oui. Je me bien, Flipper. Eh bah dis donc, je vous applaudirai depuis le début de là où on est, d'accord? Vous me verrez vous acclamer comme ça. Avec grand plaisir, Joséphine, je serai là pour vous. Avant de commencer, un petit discours de maire adjoint, monsieur Rotarez, qui remplace monsieur Le Yinche, le maire, qui ne voulait pas faire son discours. Monsieur Rotarez, on peut vous accueillir. Oui, bonsoir, quelle ambiance de déglingué. Félicitations encore, monsieur le maire adjoint, pour votre fraîche élection qui a bien été fêtée. Écoutez, tout comme ma candidature, ce discours a été un peu... Oui, allô? Bien. Oh, GG! C'est Tino, toi, mon GG, comment ça va, Tino, GG? Ça va, bien. Oh, ça me fait du plaisir de t'entendre au téléphone, on est bien paniqué, nous tous, GG. Je peux pas parler trop longtemps, Bernard. T'as comment, GG? T'es où, GG? Je suis pas là, Bernard. T'es pas là, c'est-à-dire, GG, t'es pas là? Ben, je peux pas être là, Bernard. Ben oui, je sais. J'suis plus en prison, Bernard. Mais je sais, il y a Gonzalez, il est venu te chercher, on a cherché Gonzalez partout dans la ville, on l'a pas trouvé, GG. Faut que t'arrêtes de chercher Gonzalez, Bernard. Mais oui, mais GG, si je cherche plus Gonzalez, ça veut dire que toi, je peux plus te chercher non plus. Écoute, Bernard, j'ai dû faire un choix hier. Si. C'était soit je ressors avec votre aide, et dans ce cas-là, je me retrouve avec un meurtre, et vous protégez quelqu'un en cavale. Oui. Soit j'accepte l'offre de monsieur Gonzalez. Et c'est quoi son offre à Gonzalez? J'ai un très gros service à lui rendre. Et le problème, c'est que ce service, je dois lui rendre seul. Et je veux plus vous mêler à mes problèmes. D'accord, mais GG, présentement, moi, je fais quoi sans toi? Va falloir que tu trouves un moyen d'avancer sans moi, Bernard. Mais non, mais moi, je veux pas, GG. Je veux pas être tout seul. Y'a Jim qui va t'y partir et toi t'es parti aussi, je suis tout seul maintenant. Comment ça? Jim va partir, qu'est-ce que c'est que ces salades encore? Bah oui, GG, il va t'y partir, il va être avec la Lucie, moi je vais me retrouver tout seul. Mais t'as Henriette, Bernard. Bah c'est pas pareil quand même, GG. C'est pas pareil. On est resté ensemble longtemps, Bernard. Bah oui, je sais t'y bien, GG. Je pense qu'on est en âge de pouvoir être... Pouvoir être chacun de notre côté, Bernard, tu penses pas? Bah oui, mais t'es quand même mon grand frère. Je sais. Mais ton grand frère, il a fait des bêtises, Bernard. Et ton grand frère, il doit assumer, enfin. Faut qu'il assume. Ok. Et t'as pas assumé les conneries de ton frère. Donc il va assumer seul, ok, Bernard? D'accord, j'ai... Mais tu... GG, tu pourras quand même m'appeler de temps en temps, GG. Je vais être honnête avec toi pour une fois, Bernard. J'en ai marre de te mentir. Je pense pas. Je pense pas que je pourrais, Bernard. GG, ça veut dire que je t'entendrai plus, GG, après, c'est fini. Qui sait? Peut-être, hein, Bernard. Peut-être. En tout cas, pour le moment, c'est pas vraiment au programme, Bernard. Et t'es sûr? Parce qu'avec les familles, on peut le défoncer, Gonzalez. Moi, je te le dis, on peut le défoncer. Non, je crois pas, non, Bernard. Je crois pas que vous pouvez le défoncer, non. Non, non, non. On n'est plus vraiment sur le même registre, tu vois, Bernard. J'ai plus beaucoup de temps, Bernard. Il faut que je raccroche, sinon ça va pas bien se passer. Et, attends, je dis juste une dernière chose, GG. Je dis quoi à maman? Tu dis que je l'aime, Bernard. Comme je t'aime. Et comme j'aime Jim. Et Béa. D'accord, GG, je lui dirai ça. Je lui dirai ça. Tu sais, je t'aime, Bernard. Moi aussi, GG. T'as été le meilleur des grands frères, GG. Je t'aime. T'as été le meilleur des petits frères. Allez, salut, Bernard.
du GG. Je reviens la tête. Oui. Et désolé pour mes conneries encore. T'inquiète. Salut Werner. T'inquiète. Embrasse le Jim et lui de faire gaffe à l'autre folle. Oui, t'inquiète, je fais gaffe à lui. Je fais gaffe. T'inquiète. Salut GG. Salut Werner. Salut. Salut mon GG. Salut mon frère. Waouh. Allez. Je te retrouverai un jour mon GG, je te jure, je te le promets sur la tête de notre sainte mère. Je te jure que je retrouverai GG. Je laisserai pas Gonzalez nous séparer comme ça indéfiniment. Je te le jure. Eh ben putain. Bon, allez. Allez mon bébé, faut-il se calmer, faut-il plus présenter de l'armichette. Sinon les gens vont se douter de quelque chose. Les crotons, est-ce que vous pouvez m'entendre? Merci. Messieurs Bipoil et Monsieur Roy, venez avec moi s'il vous plaît, ça va être votre tour. Vous allez venir vous présenter. Les crotons, allez voir Alfred. J'en peux plus de... Oh, mais les crotons. Miguel. Allez. Roy. Bonjour, Monsieur Roy. C'est alors, c'était bien ce début de spectacle, Thomas. Je crois que j'ai un truc, mais... J'ai pas de paye de chambre, ça y est, j'ai des soulèves. Attends, recule un peu. Ouais, c'est vrai. Donne-le à quelqu'un, ça marche. Les crotons. On entend, quoi. On vous entend, les crotons, il faut... Ah ouais. Thomas. Oui. J'ai eu GG au téléphone, Thomas. Quoi? Il m'appelle, Wemuel. Il vient de m'appeler présentement, il m'a dit... Il m'a dit adieu, GG. Et il va représenter les Yon. Il m'a dit de ne pas le chercher parce que le Gonzalez, il allait nous faire beaucoup de mal à nous et à notre famille. Donc, il m'a dit, GG, qu'il fallait plus qu'on le cherche. Et qu'au pire, il me rappellerait peut-être un peu plus tard, mais... Ou peut-être même jamais. Pas de parler, en fait. Voilà, j'ai... J'ai dit au revoir, Thomas. Voilà. D'accord, ok. Ah oui, merci. C'est comme ça, Thomas, je peux pas y résister. Attends qu'il soit prêt en backstage. C'est vous tout. Me dites l'assemblée si c'est trop c'est fort pas... ou pas assez fort, d'accord. La prestation de Miguel, merci d'avance. Donc maintenant, faut faire profil bas, mon Thomas. Et que, bah. On espère que la suite bon des événements bon nous sera propice, vois-tu. T'es appelé que toi. Ok, Miguel, quand tu veux. Mais il vous embrasse bien fort, il m'a dit. Il m'a dit vraiment, tu les embrasses bien fort, les petits, d'accord. Je t'embrasse de sa part. Et je représente un peu tout ce que je suis. Voilà. 13, 4. Mais Thomas, faut-il pas qu'on parte parce que j'ai l'impression qu'on va finir tous les deux comme deux cons, je te le dis d'avance. Et on fait quoi de bien Tu dirais plus tard après le spectacle. Allez, regardons le spectacle, je dirais après. D'accord. Attends, je crois que je suis allergique à cette cérémonie-là. Ah bah super, c'est un moment de panique et l'autre Vagos qui fait le guignol sur scène, et bah putain, cette vie est vraiment dégueulasse. Il a de la chance qu'il n'ait pas de frère. C'est clair. Un coup de boulot en direct, t'appelles Vanessa, Docteur Raoul, mais Basile, c'est tellement pas. Alors écoute avant qu'il soit trop tard, avant que tu sois tout mort comme Raccoon le loup-bar. J'aurais même pas profité de cette fête. Mais un conseil, mon gars, foutasse un tour. Qu'est-ce que tu veux, Thomas? On est-il maintenant des adultes? Profitons du spectacle et puis on reprendra ça après, tranquille. C'est pas si douille était la soupe, foutasse un tour. Le problème, c'est que Béa, elle est juste. Si tu fais pas, tu fais l'amour. Pour le moment, elle s'amuse, la Béa. Où c'est l'amour? Où c'est l'amour? Laissons-la s'amuser encore une petite heure. C'est pour le faire, Thomas. Miguel, je crois que cette cérémonie-là,
Elle me plombe plus souvent à qu'autre chose. Ah oui. Ça veut tout dire, Thomas, que c'est la fin bientôt. C'est ça ce que ça veut dire, cette cérémonie. Pour moi, c'est fini depuis que j'ai arrêté. Les cartels, c'est moi qui. Oh yeah. Drogue, cocaïne, pour moi, c'est facile. Tout le bête. Il était bête, la tête. C'est sûr qu'on peut rien faire. Patron, il est. Non. Sauf qu'on est énervé. C'est sûr, on peut rien faire. C'est sûr et certain. C'est par nous, à l'épée. Mission, j'ai pour template. Les bonnes idées. A, la king, je me suis marié. Inconsciente, elle a accepté. L'amour nous a rapprochés. Regarde, elle peut tous tuer. Bon, au moins, regarde, tout le monde s'amuse quand même. On va dire que c'est un peu réjouissant par les temps qui courent. C'est plaisir à voir. Ouais. Allez, tu viens, dis donc, on se joint à la fête quand même. Je sais trouver bien au moins. Ça marche. Donc, tu lui dis rien avant la fin du spectacle. On va pas lui briser le cœur pour rire. C'est pas bon. À tout à l'heure, Thomas. Rassure-moi, il va nous appeler chacun. Vagos. Qu'est-ce que ça dit ? Il va quand même nous appeler chacun. Attends, tu peux monter le volume de ta voix, j'entends pas toi. Je disais, il va quand même nous appeler chacun. Je pense pas. Voilà, bravo mesdames et messieurs, félicitations, faites du bruit pour Miguel. Pour ce coup-là. Félicitations Miguel, c'est inattendu là, oui, et très bien, félicitations, merci Miguel, merci à Roy qui peut... Le problème c'est que... Le prochain sera Didier Traoul, si tu peux te préparer en attendant, Alfred. C'est ce qu'a prévu Hubert. C'était vraiment incroyable. Kenneth, oui. Parce qu'on a toujours notre jury. Ok, la fin c'est le moment de mariage sur la scène. Tu trouves que monsieur Miguel a su mettre... Le feu en poudre, comme on dit. Une ambiance comme Jaja. C'est pas chouette. On connaît l'habitude de mettre le feu en poudre. Très bien, très bien. C'est pour qu'elle a-t-il prévu ça, donc. Traoult, si tu es sur place, on va t'équiper d'un micro et tu vas pouvoir venir. Le prochain sera Bernard Pichon. J'aimerais... Bernard Pichon, tu peux te préparer. D'accord, ouais. Quoi ? Pardon, tu dois passer sur ça. N'hésite pas à me rejoindre, Didier, une fois que tu es prêt. Vous connaissez tous mais Didier. Mais comment ça, présentement, je me suis pas inscrit encore. Qu'est-ce que c'est que cette calembour, là ? Très douteuse, mais bien appréciée de tout le monde. Qui a fait un petit séjour en prison. Il y a pas longtemps, et... Attends, je vais t'y dire aux gens, mais ben... Ça va très bien, écoute. Oui, c'est vrai que les gens me reconnaissent, mais c'est pas dans le sens. Eh, monsieur le présentateur, je me suis pas inscrit, moi. Monsieur le présentateur. Monsieur le présentateur, Bernard Pichon, présentant, je me suis pas inscrit, moi-même. Que je sois à peu près aussi mauvais médecin que chanteur, donc soyez indulgents. Vous voyez tous ma guitare, là, bien sûr. Mais... Qu'est-ce que c'est ce bordel, encore? Stop, messieurs, dames, stop. Mais là, présentement, je suis plus dans un état de raconter de blagues, voyez-vous même. Un peu de bon sens, on se détend, on se détend du bulbe. Voilà. Merci. Voilà, on respecte la typose du monsieur Cuc. Elle est... Eh, présentement, je me suis pas inscrit moi-même. Oh, monsieur le présentateur. Monsieur le présentateur. Pour une raison évidente, j'ai décidé de m'aider d'une guitare que vous voyez là, mais bon, vous me pardonnerez le fait de pas être un grand expert de la guitare. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? J'ai composé une petite chanson pour rendre honneur à cette ville. Putain, vont-ils pas matin ? C'est par l'arrière de la scène qu'on monte ? Attends, c'est peut-être attention. Pas... Attention ! Oh, bien. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Waouh. La chloriquine. Je peux pas passer par le bruit. Pourrait faire vendre une bouteille gratuite à Donna. Mais qu'est-ce que c'est cette affaire là? Je vais me faire baiser, j'ai rien prévu. Si une fois guérirait Johnny de son addiction au Viagra. Et ça c'est ouf. La chloriquine aurait pu rendre la Ellie Speedy compétente. Mais non, mais je sais pas si ça peut la rendre compétente, mais moi-même je tire un jeu. Mais j'ai rien prévu. Pour faire croire que les bagnolets s'ils viennent de Nantes. T'es pas encore passé, Lorenzo. Et ça c'est beau, putain. Allez derrière lui. Chloriquine, c'est moi. C'est toi. C'est nous. C'est quoi? C'est Pichon qui yasse une paire des gosses à BA. Oh, ben. Oh putain, dis donc quel salopard, il balance. C'est vous. C'est Rotaros qui se dit que l'alcool c'est pas fou. Ah ça,
C'est vous, c'est vous les gars? La Saint-Patrick au ouais, oui, c'est nous. Bon les gars, j'ai eu le GG au téléphone. Quoi? J'ai eu le GG au téléphone. Il m'a dit de vous embrasser bien tendrement parce qu'il ne reviendrait plus jamais maintenant. Comment ça, il ne reviendra plus? Bah, Gonzalez, il est plus puissant que nous tous et il l'a emmené quelque part, il ne reviendra pas, c'est tout. Mais il va bien, il est libre. Bah je, non, je pense pas qu'il soit libre, qu'il aille bien peut-être, mais nous en tout cas il va pas bien, je vais partir donc. Et vous embrassez très tendrement les gars parce qu'il a passé de belles aventures avec vous même. Oh mon bel, c'est un moment difficile à passer, je t'avouerai mon lien. T'inquiète mon pote. C'est difficile, merci mon pardon, c'est quoi? Ça fait bien. T'inquiète mon pote. Eh tu sais quoi? Il est mieux vivant et loin que là est mort. Oui, je pense. C'est eux. T'as raison. Surtout enfermé en prison, mon frère. C'était dans cette ville, c'était surtout des moments de fou. C'est clair. La Chloé qui. Oh, tiens. Merci, Vincent. Mais non, j'ai rien dit prévu, c'est pas moi, j'ai dit que je suis pas inscrit. Merci, merci, monsieur Raoul. C'était incroyable. C'était très bien, monsieur Didier. Félicitations. Mais, moi, je me suis pas inscrit. Qui c'est qui m'a inscrit à moi-même? Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Monsieur... Non, mais non, mais non, j'ai rien prévu. Monsieur le présentateur, c'est pas moi, je me suis pas inscrit. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Ah bah moi j'ai Bernard Pichon qui va faire de l'humour. Non, j'ai rien de prévu, non, j'ai rien de prévu, chef. Ah là là, monsieur arrête Pichon qui refuse au dernier moment par... Je suis désolé. Je vois la couture pour monsieur Pichon. Du coup, ça va être monsieur Fisbo qui va se préparer. C'est bon, mais vous, présentement, j'ai autre chose à foutre, oh là là, calmez-vous. La guitare incroyable et un texte vraiment très très raffiné. Je vais pas aller me ridiculiser devant tout le monde si j'ai rien de prévu, quand même. Bah oui, bah bien sûr. Vous le mettez combien, monsieur Didier? On a perdu le jury, Kenneth. Non, excusez-moi, c'est parce que j'ai été un petit peu importuné. Alors, la chanson était magnifique, mais bien évidemment, je démens absolument tout ce qui a été dit dans cette chanson me concernant. Hein. Nous, je vais juste passer un petit message parce que j'ai pas envie d'entendre un CS d'ici. Pensez, s'il vous plaît, tous à chuchoter, d'accord? Vous mettez sur votre téléphone le mode F5. Est-ce que vous auriez. Non, vos voisins vont en avoir marre. Est-ce qu'il est arrivé, monsieur Fisbon? Oui, il arrive. L'équipe d'un micro, il va chanter. Il va se préparer. Et les meilleurs. J'en ai que deux. Fisbon, Fisbon qui va arriver. Fisbon qu'on connaît tous, qui a gagné plusieurs courses cette semaine déjà. C'est un très bon pilote. Ou un très bon tricheur. Quand ça se fait. Non, c'est bon, vous êtes très bien. Super. Oh là là, j'arrive avec ma petite dégaine de smoothie. Bien, Jim. Ça va, tu viens avec moi, Jim, deux secondes. Agréablement bien. Ici F2ELS, je vous fais une petite prestation de mon petit son. C'est ça, voilà, vous écoutez. Scarfields. Donc, je préviens pour tout le monde, l'instrumentation a été modifiée, donc ne vous inquiétez pas. Ouais, dis-moi, Jim. C'est bon, tout le monde entend, super. Ouais. Jim, tu m'entends bien, là, Tido? Ouais, ça va, mais après, je viens. Ok. Vous entendez là? Bon, Jim, présentement, je voulais te dire que j'ai eu le GG au téléphone. Ah bon? Oui, j'ai eu le GG. C'est super, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle, il va bien. Il peut pas fermer sa gueule au trou, là. C'est bah, il chante, qu'est-ce que tu veux? Donc, Jim, GG va bien. Et Letty présentement parti en voyage et il reviendra sans doute très prochainement, vois-tu. Ok. Voilà, c'est, et... C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, c'est une bonne nouvelle, Jim. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a... Ça va, oui. Et ce qu'il m'a dit de te dire, surtout, c'est qu'il fallait bien que tu vives ta vie, Jim. Et que présentement, tu... Enfin, que tu te fasses plaisir dans ta vie de toi-même. Que c'est bien que tu sois avec nous, d'accord, avec les pichons, mais... Mais il faut pas que tu oublies ta vie à toi. Et donc, le GG m'a dit de bien te le rappeler quand même. Si tu voulais aller vivre un petit bout de quelque chose ou quoi d'autre, ça nous fera pas de, ça nous fera pas de peine, vois-tu. Mais justement, bah, on va jouer. Pourquoi je voulais faire un voyage avec Mouchi? Oui. Je m'en suis bien douté, c'est pour ça, Tido. Tu nous feras un beau voyage. Mais moi, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Mais non, faut-y partir. La vie est belle et il faut qu'elle soit vécue, sinon, si tu restes toujours avec nous, comment tu vas t'y vivre ta vie? Tu vas toujours être derrière nous, tu vas toujours être avec nous. C'est vrai que c'est toujours plaisir de passer du temps avec toi, mon Jim, mais il faut que tu voltites tes propres ailes.
On était bien ensemble. Mais c'est, on est toujours bien ensemble. C'est pas la dernière fois qu'on va se voir, mon Jim, d'accord? C'est quoi cet engin? Mais je sais bien, mon Jim. C'est pour ça que là, présentement, on est encore là tous les deux. Et qu'on n'est pas 6 pieds sous terre ou sous l'eau. Mais j'ai eu peur de vous ce soir. J'étais pas Jim, il était pas là. Ouais, bah non, mais t'inquiète donc pas. Donc, faut-il bien que voilà, tu prennes ton envol. Et que si ce soir tu dois partir avec la Lucie, bah dis-toi que moi-même et GG, on est d'accord, vois-tu? Okay. Et que on sera là à ton retour, tous les deux, et on t'attendra. Et dis-moi, il te reste des réserves ou d'une licorne d'alcool? De quoi? Il reste des réserves d'alcool ou d'une licorne? Oui, mon Jim, il reste des réserves d'alcool. Tu veux-tu qu'on y aille ensemble? Ouais, mais faut pas prendre des bouteilles complètes, tu vois, faut prendre juste des verres. D'accord, bah viens, oui, Mathilde. Tu peux conduire, je peux pas vous. Allez, viens donc. Viens, je vais t'emmener alors. Eh oui. Allez, vas-y, Bernard, s'il te plaît, fais pas ça. Jusqu'au bout, tu vas me faire ça, Bernard. T'es vraiment le pire des salopards. Je te jure. Mais attends, la chanson est sur moi. Hein? La chanson est sur moi. Et non, c'est lui les Speedy. Allez, viens tu avec moi, Jim. Allez, on va au unicorn. Allez, viens, on y va tirer ensemble. Ah, tiens. Et tu me feras venir que je dois mettre une patate à Fils. D'accord, pourquoi tu veux t'y mettre une patate bah, à Fils? Il vient de faire une chanson sur moi et il a parlé que je fous des cartouches à Lucie. Ah bah dis-toi. Ah bah au moins tout le monde était au courant maintenant. Ah je te jure. Bon. Allez bien, on va s'en mettre une petite. Ah ouais, mais attends, il faut que j'aille chercher Lucie, hein. Faut qu'on reparte. Oui. Tout de suite, mais on prend juste des réserves. Tiens, attends, dis donc, j'ai un cadeau à t'offrir c'est, avant c'est, même. Non, c'est pas là les réserves. Non, mais je sais, j'ai un cadeau à t'offrir avant, viens ton team. Attends, je préviens Lucie. Vas-y, je t'en prie. Oui, mais quel con. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Mais quel con, j'ai attaqué chez Lucie, donc elle peut pas prendre son téléphone. Oh, quel champion. Merde. Tiens, t'es donc... Attends, t'es où? Tiens, viens là. Tiens, ça. Ça commence à aller mieux, il faut vite qu'on... T'inquiète. Qu'on prenne des verres. Ça, c'est un cadeau de ma part à moi et à GG pour ta nouvelle vie. Et que tout se passe bien pour toi, d'accord? Là, t'as de quoi voir venir. Il y a combien de zéros, là? Là, il y a beaucoup de zéros. Mais c'est parce que c'est tout notre amour dans ces zéros, donc voilà, tu... Là, t'as de quoi faire un beau départ. C'est gentil, ça. Mais de rien, c'est normal, mon Jim. Bon, allez, je te donne ce qu'il faut-il à boire maintenant, et puis après, on prend là-bas. On prend plein de verres, hein, sur nous. Des verres? Pourquoi tu veux-tu des verres? Bah, les bouteilles, c'est un peu violent, quand même, hein, quand tu sais que c'est. Ah bah, c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a plus simple. Il faudrait plus des verres, quoi. Ça permet de mieux gérer son alcool, tu vois. Ça marche. Bah vas-y, tu veux dire, bah tu te sers, non? Tu peux pas accéder au bar, si? Attends, j'ai pas fait gaffe, bah, pas compte d'utiliser. Vas-y. Attends, moi j'ai dit ça. Ah, et donc tu m'as dit des verres. Tiens, attends. Alors, attends, qu'est-ce que c'est, ça? Allez, on est parti. Tiens, attends, tiens, dis donc. Tiens, prends ton dessert aussi. Tiens, je te file ça également. Ça, c'est au cas où, mais seulement au cas où, d'accord, qu'elle t'aide apparaisse. Au moins, t'auras-tu de quoi de la menoter vite fait au plumard et raison. Tu pourras te carapoter ou m'appeler, ouais, d'accord. J'ai une autre idée aussi. Ah bah ça, tu fais ce que tu veux maintenant, mon grand. T'es libre. Ouais, attends. Allez. Tu veux t'y regarder peut-être une dernière fois la boutique avant de partir? Ouais, dans deux secondes. Vas-y. Hop là. T'en mets une petite? Ah bah attends, tu
Petit donc peut-être t'accompagner. T'en as une à me donner, tiens donc, vas-y donc. Ouais, attends, on va prendre plus de stock, attends. Ah bah non, mais tu as dit pas vider mon bar quand même. Eh, j'ai encore une affaire à faire tourner, toi, après, derrière, là. Toi, tu te fais petit plaisir, mais derrière moi, donc, il faut que je tienne la boutique. Bah oui, parce que présentement, si tout le monde s'en ramène le cul ici après, on n'a pas de tir dans la merde, j'aurais rien comme stock. Attends, tiens, c'est juste des bières. Mais dis-moi, Jim, pourquoi tu bois Titan ce soir, là, comme ça, là? Pourquoi, dis donc? Ah, merde. Ah, bah... Ah, putain, Jim. Bah non, me fais pas ça, maintenant, c'est pas Titan. Non, t'inquiète. Ok, d'accord. C'est juste deux secondes. Attends. Et le Zol, il va me Attends. Présentement, je vais te filer un coup de poluche, mon gars. Tiens, attends, je te refais tes lacets, là, comme ça, dis donc. Voilà. Regarde. Ah, c'est quand même dingue, Jim, hein. On te connaît depuis que t'as 15 ans, t'es-tu devenu un homme maintenant? Ouais. C'est quand même beau la vie, hein? On n'aurait jamais cru, hein? Vas-y, appelle-donc-le. Bah, tu lui dis pas de venir quand même, hein? Tu lui dis de rester là-bas, parce que moi je veux pas la voir. Hein. Vas-y, on repart, on est en chemin. Ok. Vas-y. Oui, ça va? Tiens, attends, Jim. Pourquoi? Tiens, Jim, viens par là. Mais non, j'ai dit pourquoi. Oh, mais. T'es parti. Alors, dans un. Je joue au unicorn, mais c'est pas du tout pour les putes. C'est parce que j'ai pris des nouveaux verres. Mais comment on se peut dire la vérité quand même. On s'est rechargé. Ah bah dis donc, tu veux reconnaître des peines de récup. Il a donné de l'argent aussi. C'est pour nous deux, il a dit. Mais chut, mais dis pas ça, je veux pas qu'elle sache. Un cadeau, ouais, c'est un cadeau. J'ai pris que des petites bières, donc c'est pas grand chose. Ouais, mais j'en ai pris 50 sur moi. Au cas où. Eh bah dis donc. Ah ouais, bah j'arrive là, je suis sur le retour. Allez. On est parti. Bah attends, viens dis donc, Jim, on va se prendre une petite photo quand même, petite photo ah souvenir. Bah oui, oui. Hein, on sait jamais, parce que quand même, ce serait dommage de pas se la prendre cette photo. Tac. Ah, attends. Attends, merde, présentement j'ai merdé. Si, attends, j'ai merdé sur mon tour de bras, attends. Ça, c'est le téléphone, c'est vraiment une enfer quand même. Tiens, vas-y, comme ça, c'est. Attends. Ça fait gang, family's gang. Exactement. Tiens, attends, paf. Attends, bouge pas. Hop là, le truc, il doit être derrière nous maintenant, présentement. Ok. T'es-tu prêt? Attends, mets-toi bien sur ma droite là. Non, attends, mets-toi sur la droite, sur ma droite à moi-même. Mets-toi de l'autre côté, couillon. Là, comme ça? Non, de l'autre côté, de moi-même. À ton autre droite. Exactement, l'autre côté de moi-même. T'es bien? Après, avance. Là, c'est pas mal, là. Voilà. Okay. Là, c'est, ouais. Mets-toi plus, un peu plus, pas derrière moi, là, mais mets-toi bien prestement. T'as trois plombs pour prendre une photo, c'est là, quand même l'enfer. Là. C'est bien, là. Non, là, t'es dans mon épaule, bon Dieu, mais t'as-tu trop bu ou quoi, dis-donc? Là, c'est bien, là. Non, de l'autre côté, putain. Je connais pas ton nom. Là, voilà, c'est bon. Oh là là. Voilà, là. Ah, comme ça, attends. C'est parti, donc. Allez, mon Jim, on se dit une petite saucisse au fromage. Saucisse au fromage. Saucisse au fromage. Exactement. C'est bon, mon Jim, on a-t-il pris un souvenir? Allez, viens, je te ramène maintenant. Et range donc ce doigt, dis donc. Allez, viens. Allez. C'est-il pour quand, toi, ton grand départ, Jim? Est-ce que t'as mis ta serviette? Exactement pas, dis donc, tu fais bien de me le rappeler, parce que c'est peut-être la dernière fois, dis donc, j'avais-tu encore oublié de prendre ma serviette, dis donc. Eh ben putain, deux semaines normalement, il pas suffi de m'apprendre que j'avais pas mis ma serviette. Eh ben quel enfer. Allez, c'est parti. Tu vas-t'y quand, attends, Jim, tu partis quand, toi? Tout à l'heure. Tout à l'heure, Jim? Ouais, je vais tout à l'heure, moi. Bah, tu veux-tu qu'on se fasse un petit béco maintenant? Ouais. Un petit gang, comme on dit. Avec plaisir. Bon, de toute façon, t'as-tu toujours mon numéro, d'accord, mon Jim? Bah, bien sûr. Ça marche. Bon, bah, dis, je ne sais-tu bon, pas comment faire cette merde. Ah, voilà, c'est ouais, comme ça. Ça marche. Je peux te le dire, Jim, t'as été le meilleur des demi-frères que j'aurais pu rêver d'avoir. Voilà. De même. Voilà. Tu fais attention à toi quand même un sur la route. Un plaisir, mon capitaine. Bah, de rien, mon grand. En tout cas, on a vécu de belles aventures, toi-même et moi, hein. Tout à fait. Bon bah c'est cool. Bon allez, si vas-tu de mes proposels, mon petit pigeon. À bientôt. Allez, mon rossignol, comme dirait la BA. Wow.
Salut vos signal. Envole-toi, ado. Fast dans les airs, mais fast dans le mur. Vous inquiétez pas, tout ça est fait par des professionnels. Des professionnels, il y a des médecins sur place, j'espère, je les vois courir. Ça va aller, je parle. Il a quel âge, Fast? Oui, non, ça devrait aller. Monsieur le juge. Oui. Très bien, avant de débrief, monsieur Roy Marx, il va être à vous, vous pouvez venir. Ça va-t-il chez monsieur Kick? De monsieur Fab, monsieur Kenneth. Ah oui, ça va, vous, monsieur. Écoutez, ça va, monsieur Kick. C'était beau, ce truc-là, de face. De la prestation de monsieur Fab. C'était pas glorieux. Mais écoutez, ce fut bref, mais attends. Dites-moi, monsieur Kick, j'ai eu GG au téléphone. Ça fait combien en note, ça? Ah bon? Oui, c'est bon, je l'ai eu au téléphone. Bravo, monsieur Fab, félicitations. Il m'a dit qu'il allait. Oui, il n'y a pas de souci. C'est comme vous voulez. Ça marche. Ça marche. Il va bien? Ça va bien, oui, ça va bien. C'est sûr. Tout à fait sûr, monsieur Kick. Beaucoup d'impressions ce soir. Qu'est-ce que vous allez nous chanter ou faire? Alors, ce soir, je vous ai prévu, messieurs, dames, deux petites chansons. La première, elle s'appelle Le domaine de Donna. Et elle parle de l'histoire de Fab qui est passé juste avant. Voilà, accrochez-vous. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. C'est parti! Le vent souffle sur les pierres de ma très chère Canebière. Je jette un dernier regard sur Marseille, vieux port, la bonne mère. Donna, le noble vigneron, est venu me chercher. C'est sur LinkedIn qu'il a fait défaber son fidèle associé. Je prends un vol direct, tout droit pour l'Amérique. Il est désormais temps pour moi d'amasser du fric. C'est l'heure maintenant de faire fructifier nos terres. $2000 la taille, de quoi devenir millionnaire. Tout Los Santos se réunit autour de notre élixir. Certains volaient nos camions et c'était même pas ça le pire. Après ce terrible incendie, nous avions besoin de protection. C'est pour ça que maintenant les vagues veillent sur la maison pour le breuvage. Ça y est, j'ai regardé le rôle. J'ai dit au revoir à Jim aussi également. Mais là, je comprends pas pourquoi Donna irait. Il s'en va après tirer en bateau. J'y vais au courant du coup maintenant. Oui, c'est bon. J'ai dit que tout allait bien. J'ai pas dit qu'il allait pas revenir, GG. J'ai juste dit qu'il allait bien. Voilà. Merci d'avoir joué cette confidence. De rien. De rien. J'avoue que c'est un peu difficile à digérer, mais moi je commence à lâcher. Il chante bien ce con là. Autant il nous a dit cassé les couilles sur les courses, mais là franchement je trouve qu'il a du talent. Oh bah pas que sur les courses, hein. Si t'as le malheur de le croiser sur la route ou n'importe où, il avait tendance à rapper n'importe quoi. Oula, faut pas être épileptique là par contre. Hein, Bah attends, écoute-le donc. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. C'était pas mal. C'était pas mal. Merci de nombreuses personnes qui m'ont aidé. Cette chanson, je ne pourrais pas toutes les citer. Après le Fast, c'est peut-être celui que je préfère. Clairement. Merci Los Santos. Parce que le crash du Fast, c'est quand même incroyable. Et paraît-il qu'il a été droit vers les autres cieux. En fil rouge. Ah bah, un crash exceptionnel. Moi, j'espère qu'il va gagner. Monsieur Roy, qui chante parfaitement mieux qu'il speak. Monsieur Fass, c'est terminé. Je pense qu'il y a de la couffaine avec l'accident, il n'y a pas de souci. Ah oui. Très bien. Va nous rejoindre. Y a-t-il combien de numéros ce soir, là? 19, si ma mémoire est bonne. D'accord, on est au combien? Kenneth, qu'as-tu pensé? Oui, parlez-moi fort, s'il vous plaît, messieurs. Mais c'était magnifique, tout. L'instrumental, les paroles, tout était beau, parfait. Merci beaucoup, merci. C'est complètement objectif. Ray White, Ray White, où c'est qu'il est, Ray White? Tu es dans le coin? Il est là. Bonjour, monsieur White. Non, c'est 18 numéros. J'ai été escorté par le maire. Ah oui, je vous disais. Oui, on va vous préparer. C'est un professionnel. Il a dit le beatbox. Vous allez nous faire quoi, monsieur White? Prenez. D'accord, on vous écoute. On vous entend, on vous entend. Tout le monde m'entend? Attends, oui, on entend, monsieur Rayou. Oui, ouais. Bonjour, j'ai 50 ans et dans ma vie, je savais faire qu'une chose, c'était la médecine. Mais je me suis fait taser il y a à peu près une heure. Et lorsqu'on m'a tasé, je me suis souvenu que je savais faire quelque chose. Oh, et en fait, cette chose, bah, ça s'appelle le beatbox. Oh, wow. J'adore le show. Allez, et en fait, du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite démonstration.
C'est pas très long, mais j'espère que ça va vous plaire, quoi. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ok. Bah, sûrement. Ah merde, je m'attendais. Okay. Ah merde. Attends, il s'échauffe. Ah, ouais. Ça va commencer. Ah oui, oh là oui, oh oui. Ah quoi. Eh, tu vois, c'est pas mal. Tiens, il est si bon, lui. Ah, si, si. Allez, j'ai le temps de allez. Allez, le beatbox. Go. Bien sûr, bien sûr. J'ai aimé, j'ai aimé. Oh, il est fort. Ah, lui, il donne tout, dis donc, sur scène. Hein. Donc, c'est parfait. C'était avant que je m'énerve. J'espère que ça okay, vous a plu. Franchement, bravo! Bravo, quel talent! Moi, je pense que c'est lui-même le talent de ce soir, c'est quand même pour le moment. Je remercie la personne qui m'a appris à faire ça. C'était quand j'ai grandi à Albuquerque. C'est un ami qui s'appelait Alex Nio à peu près. Donc, je le remercie et j'espère que vous êtes content de moi. Bonne journée. Merci, oui, je vois. Incroyable, incroyable. Bravo, avec beaucoup d'entrain, Bruno. Ah, c'était. La joie de vivre vous habite, en tout cas. Il doit toujours habiter. Kenneth, tu poses. Mais non, mais non. C'est pas parce que t'as du talent pour un truc et pas pour l'autre que tu sais rien, Jimmy. Je n'ai pas d'autre mot. Putain, j'ai l'impression que tu permets à des gens de s'en sortir psychologiquement. Tu es gentil, tu es gentil. Vous serez d'accord pour dire que c'est le talent. D'accord. Oui, vous avez combien? Vous mettez combien? Sur 20? Pardon, Otaz. Eh bien, là, on met au moins un bon 17, oui. Ah oui, quand même, bon 17. Félicitations, Lorenzo Blake. C'est je crois, si je dis pas de bêtises, que Lorenzo Blake veut devenir une star internationale, Alfred. Oui, apparemment, Lorenzo Blake veut exprimer sa capacité à chanter. Et je crois que c'est pour ça qu'elle vient nous proposer aujourd'hui sa prestation. Elle est même accompagnée de son équipe. Elle était accompagnée de danseurs, bien sûr. Il en manque un d'ailleurs. Il y en a avec des colorants, j'ai oublié que c'était qui. Oh putain, c'est Johnny. Vous êtes en train de la danseuse, c'est maintenant ? Mais non, c'est pas petit Johnny qui monte sur scène quand même. Mais quel. Avec Lorenza, je crois. Et tu crois-tu donc qu'il a encore la possibilité de danser avec son lamago ? Il m'a dit qu'il le faisait. Oh, quel dingue, mais quel fou ce Johnny quand même! L'interprète! Surprise en surprise! Oulé! C'est quoi le bordel? Alors, je travaille chez Monsieur Donatien en ville! C'est un feu d'artifice qui partit en semaine! Merci Johnny! Monsieur Johnny qui faisait son arrivée, c'est une danseur qu'on attendait! C'est une arrivée! Voilà, donc mes danseurs et moi-même, on va interpréter une petite musique sympa! Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui, j'entends. On s'en fout du feu derrière, je peux chanter? Mais c'est les effets spéciaux. Oui, mais inquiétez pas, il n'y a pas de WC, c'était Johnny, il est arrivé, il est sur scène. Ah ok, tout va bien alors. Allez Lorenza. Bon, je vous avoue, je stresse beaucoup, mais voilà, c'est parti. Salut Lorenza. Salut. T'es allée clubber? Ah bah oui. Alors raconte. Et comme les gens du talent. Il s'appelait Jonathan, me semblait bien ratant, et il vendait du pain. J'ai donc sorti le grand jeu, j'ai joué la tête, je lui ai parlé des salaires, il m'a dit pas trop cher. Il m'a pris par la main. Bah tu vois, dis donc, cette chanson me redonne un petit coup de boost quand même. C'est vrai. Ah oui, présentement. Elle me fait bien plaisir cette chanson. Ils sont synchro, hein. Ah ouais, c'est finalement accepté, la dynamique est rentrée. Enfin, ça c'est ce qu'il disait, sous son chapeau plaqué. Il s'appelait Montaflac, se prenait pour un crack, ça sentait grave l'arnaque. Je ne le voyais jamais, tous les jours qu'il nappait. Je suis quand même restée juste pour les sangliers. On était sous-payés, toujours à galérer. C'était moitié-moitié. Dona, Dona, débouche-la, débouche-la. Dona, Dona, débouche-la, débouche-la. Dona, Dona. Je pense vraiment la
Ah bah je vois que tu donnes tout mon Thomas. Ça fait si bien plaisir à voir. Moi, Tidon aussi, c'est en train de me posséder. Ça me possède, Thomas, ça me possède. Bravo, bravo, présentement. Bravo, bravo, présentement, c'était meilleur. Incroyable. Bravo. Ah, franchement, si c'est pas elle qui gagne, je comprends Tidon pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a, c'est de la star, vous avez aimé mon J'espère que c'est qui. Ah bah merci à 10 dollars, vous êtes super généreux, monsieur Donatien, merci beaucoup. C'est le début de la début de la reconnaissance, madame Blake. Kenneth, qu'est-ce que vous avez pensé de madame Blake pendant qu'elle est encore là? Je suis désolé les gens, si ça lag chez moi, il faut que je me rachète un PC, je suis vraiment désolé. Voilà, je vois pas quoi te dire d'autre. Il y a des marques qui nous écoutent, hein. On pense au partenariat, les gens. J'ai besoin d'un PC, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse. 200 000 de mon hélico. Oui, allez, vous irez vous plaindre au patron de Weasel News à la fin, monsieur. Okay. Monsieur Mollet. Fleur, si tu peux te préparer, Fleur. Si oh, tu as fini Fleur. De chercher tes armes tout à l'heure. Ah, oh, je t'entends tout dans le train, dis donc, tu es où, voilà, tu es là. Bah, tu es plus triste, c'est bien, on va te donner un micro. Je prépare-toi après les vagos. Restez devant la scène, ne vous inquiétez pas, au moins je vais dans le moment. Ouais, t'as trouvé, je crois. Ah putain, non, Fleur, dis-donc la Béatrice de Tournesol. Aïe aïe aïe. Allez, docteur Fleur. C'est ça qui sont comme ça? On prend en vous, docteur Fleur. Du rock. On garde en mémoire le meilleur de GG. C'est vrai que vous êtes quand je danse. Tu crois, Tidon, que j'aurais. Je dois lui dire la vérité ou je dois faire comme avec Jim? Parfait, je vous adore, tout le monde vous entend. Fleur, Béatrice de Tournesol, ancienne. C'est mieux pour elle, je pense. Future mariée. Comment allez-vous? Bah ça va pas très bien. Après ce message. Ah pardon, j'ai remis le couteau dans la plaie. D'accord. Non mais c'était pour vous mettre dans l'ambiance. Je sais que vous avez préparé. Mais parce que j'ai le travail. Moi j'ai rien à voir. Audition s'il vous plaît monsieur. Hop là, je suis policier, je rappelle, je suis sergent. Et mon capitaine, du coup, je vais être promu, donc je fais bien mon travail. Vous avez préparé quoi, Béatrice? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai écrit un petit mail pour mon Gérard Pichon. Oui, merci, j'ai un petit mail. Il a actuellement disparu, donc si vous le voyez. J'ai un petit problème au niveau des oreilles. Je pense qu'il sera heureux de regarder cette intervention à la télévision sur Weasel News. On vous écoute, Béatrice. Désolé, ça ne devait pas se passer comme ça, parce que normalement, il devait être là. Mais là, il n'est pas là. Alors. On va y arriver. Ce poème, je l'écris donc pour Gérard Pichon. Il nous représente, il me représente, il le représente. Alors c'est parti. Monsieur GG, je couche ces mots sur le papier, même si c'est avec toi que coucher j'aurais préféré. Si longtemps que je t'ai offert ma petite fleur, depuis peu, mon GG, tu m'as offert ton cœur. Je te vois dans mes songes avec ta grande canne, solide et rigide, elle n'était jamais en panne. À l'hôpital, même, sous ton charme de mâle alpha, où mes soins intentionnés t'ont rendu béat. Ensemble, GG, on a joué au boulanger. Mais ce n'est pas que le gâteau que tu as fourré. Thermostat, la brioche était enfournée. C'est courageux, dans les mêmes, tu t'es réfugié. Quand même, là. Ces profondeurs humides au ciel me plongé. Dans le fond de ma grotte, tu t'es retrouvé. Je comprends pas. Oh, bah là, c'est quand même. Tu m'as fait découvrir le 7ème des grottes. Depuis l'hélicoptère, la vue est si belle. Tu sais toujours comment trouver le point, GG. Car pour toi, le GPS n'a aucun secret. À chaque fois, je dois bien t'attacher. Sans serviette, un accident peut arriver. Nous nous sommes fait un tatouage en commun. C'est pourquoi, ici, si tu m'entends, je te demande ta main. Oh, Gérard Pichon, ah, mais voilà, devant tous les verres, ici même. Mince, il va pas vous répondre. Attends, j'y vais. Attends, j'y vais présentement. Bravo. Bravo.
Bravo Docteur Fleur. Bravo le cul. Un texte rempli d'émotions de la part de Fleur. Plein de poésie. Allez, de la poésie. Viens ma Béa, viens Thibaut ma Béa, viens avec moi Dino. Viens avec moi Béa. C'est pas celui-là qui va se marier demain. Et qui vient la rassurer. Merci Fleur, merci. Je rassure tout le monde, il n'est pas mort. Pas encore, on sait pas, on l'a perdu. On l'a mis en prison pour 15 ans, on l'a perdu. Ça va-t-il aller ma Béa? Kenneth. Oui. Ah, tu ne pleures pas là, ça touche mon cœur. Non, je ne pleure pas, Nini. D'accord, qu'as-tu pensé de cette prestation de Fleur? Bah écoutez, j'ai été ma foi séduit par tiens, ce bah, poème. Viens donc ici avec moi. Mais oui, 15 ans, c'est long. Mais j'ai peur qu'on m'entende encore un micro là. Effectivement, on vous entend oui, encore, Fleur, oui, il n'y a pas de soucis. Non, ouais, mais... c'est que j'ai plus de micro et il est quand même là. Une note on va s'en occuper, Elfred. Une note sur 20, bien sûr. Combien? 20, sous la menace. Sous la menace, très bien, comme d'habitude. Les Vagos. Les Vagos doivent être à ma droite, j'ai l'impression, je vois beaucoup faut de gens. Le micro, maintenant, bien, c'est bon. Vagos, va se préparer, Michael. Bah, allez, viens-t'y, Béa, j'ai quelque chose à te dire, viens, Béa. Oui. Viens avec moi, Béa. Bonjour, les Vagos. Bonjour. Putain, merde, on était obligé de marcher dans la flotte comme des cons. Ne vous inquiétez pas, je gère, Béa, c'est mon cas. Encore, monsieur le speaker. C'était très, très beau, Béa, ce que tu as fait. Vagos, vous êtes prêts? Bon, allez, venez, on va s'éloigner un petit peu parce que sinon on va entendre gueuler l'autre. Attention, mesdames et messieurs, en plus, c'est les Vagos. Et on accélère. Eh ben, sans déconner, ils en ont combien des numéros, les Vagos, ce soir? C'est pour ça qu'on. On veut te parler. Bon, dis donc. Allez, installons-nous, là. Bon, dis-moi, Timo, Béa. Oui. Tiens, attends, viens présente-moi au niveau du banc, parce qu'il vaut mieux que tu t'assoies. Mais non, mais rien de... Mais non, mais y a-t-il rien de grave, ma Béa? Vas-y, installe-toi, donc. Mais parce que tu seras mieux présentement, t'es en talon aiguille, je dis pas que t'es mal aux pieds, vois-tu? Installe-toi, donc, toi. Oui. Bernard, viens, y a un banc là-bas, ce sera peut-être plus isolé. Tu crois? On entend encore pas mal de ce qui se passe. Ok, viens avec nous, Béa. On va pas non plus marcher jusqu'à l'autre bout de Los Santos quand même. Non, mais on se pose juste sur ce banc, c'est bien. Comme ça, on est tranquille. Vous pensez qu'il m'aurait dit oui? Ben bien sûr qu'il t'aurait dit oui, ma Béa. T'étais son petit roussignol, t'étais sa petite caille à lui-même. Ah franchement, il était sans équivoque, hein Thomas? Il était émouvant. Ah bah en tout cas, il allait droit au but comme on dit chez nous. Ah bah j'ai essayé que ça me ressemble quand même un petit peu. Ah bah oui, non, mais ça, on a bien senti ta porte. Ah bah oui, j'avais l'occasion. Bah non mais dis donc, dis-moi Timo Béa, j'ai eu GG au téléphone tout à l'heure. Oui, il m'a appelé, GG, tout à l'heure. Calme-toi, Béa. T'inquiète, donc pas. C'est pas titre que de la mauvaise nouvelle, vois-tu. Il m'a appelé et il m'a dit qu'il allait bien, Béa. Il a dit qu'il était vivant. C'est déjà une bonne chose, vois-tu. C'est déjà quelque chose de bien présentement. Mais pourquoi il est pas là? Qu'est-ce qui lui arrive? Bah, le problème, Béa, c'est que moi-même et le GG, on a fait plusieurs bêtises, vois-tu. Et comme un grand frère, comme un bon grand frère, vois-tu, il a décidé de prendre toutes les responsabilités par rapport à nos différentes bêtises. Et donc, et ben GG, en gros, il a signé un pacte, vois-tu, avec Gonzalez. Et dans le pacte, il était dit quand même que si il nous revoyait, il nous ferait tous du mal, vois-tu, toi, moi... Notre famille, tout le monde souffrirait beaucoup. Alors, GG, il a eu le choix. Soit c'était ça, soit c'était que seulement GG qui prenait pour nous tous. Et GG, avec sa sagesse, son grand tonnerre, il s'est un peu sacrifié pour nous-mêmes. Mais il est pas mort, Béa. Il est pas mort, hein. Je peux pas... Je peux pas te le garantir, ça, Béa. Je peux pas. J'aimerais bien te le dire. J'ai fait exprès de prendre une robe. On peut voir mon tatouage parce que c'est le même tatouage que lui. Bah, je m'en doute bien, Béa. Je m'en doute bien, mais. Mais ça, avant-hier, ensemble, on faisait de la plongée. Et moi, je croyais qu'on
Mais je pense que lui aussi, Béa, je pense que lui aussi, il voyait de la vivre ensemble avec toi-même, tu vois, il était là. Je me demandais en mariage quelqu'un que je n'aimais plus jamais. Mais c'est pas si sûr, ça, ma Béa. C'est juste que là, présentement, c'est pas tout de suite, tu vois, c'est... Mais non, mais faut-il pas, enfin, si, faut-il pleurer, ma Béa, tu peux t'y pleurer. Moi-même, je sais pas trop comment réagir, vas-y, tu peux t'y pleurer. Laisse-la évacuer, Béa. Vas-y. Nécessaire. T'en prie, Béa, vas-y. En tout cas, je tenais à te dire que nous-mêmes, les pichons, enfin, le pichon ici présent, d'accord ? Eh ben, il te laissera pas lui t'y tomber. Si tu veux rester avec Tinou, bah, c'est possible, ma Béa, c'est possible. Mais je peux comprendre aussi que si tu as envie de prendre le large, mais franchement, je pense que le mieux, c'est quand même petite peut-être de rester avec nous-mêmes, non ? Ben non, ma Béa, ben, c'est ce que je te dis présentement. On jamais bien. Nous, les pichons, on est-il là, regarde. Regarde, on est-il là devant toi. Quand on a intégré les pichons une fois, on les quitte plus jamais, vois-tu. Oui, c'est vrai. Ben oui, ma Béa. Donc, ton bébé et ben, Thomas, là, ici, présentement. En tout cas, nous, on va être ta famille, de proches, avec la Riette. Il a dit qu'il allait bien. Oui, bien sûr qu'il va-t-il bien. Il m'a dit ça au téléphone tout à l'heure. Et il m'a dit surtout, tu dis bien à Béa, à mon petit Rossignol, que ça a été sans doute la plus belle aventure, vraiment la plus belle aventure qu'il ait vécue dans sa vie et que ça y avait presque donné une seconde jeunesse, vois-tu, ma Béa? Pour moi aussi, c'était la plus belle des aventures. Eh oui. Voilà. Et que bien sûr, il t'aimait plus que tout, plus que l'argent, c'est pour te dire quand même à quel point il t'aimait. Présentement. C'est magnifique, Béa. Enfin, voilà, Béa. C'est ce que je voulais te dire, quand même. Voilà, parce que toi, tu dois savoir. Jim, j'ai pas dit la vérité. J'ai dit qu'il allait bien, qu'il reviendrait, mais à nous-mêmes, à nous trois, parce qu'on va devoir se serrer les coudes nous-mêmes. Il faut qu'on sache et qu'on se mande plus du tout. D'accord, d'accord, oui, la famille. Parce que je veux pas perdre quelqu'un d'autre. Eh non, c'est pas prévu, ça, Béa. C'est pas prévu. Je tiens à vous le dire à tous les deux si vous avez besoin. Quelque chose, même d'un super moral. Voilà, vous êtes dans la merde, sauf pour m'appeler. Ouais, je serai toujours là pour vous. Tu sais t'y faire ça, toi, un petit câlin? Parce que moi, je sais que Docteur Maison, il savait faire ça. Attends, ma Béa, attends. Pas de panique, je cherche ça présentement. Attends. Putain de merde. Attends. Comme ça, mais... Oui, mais bon, putain. Je veux pas, c'est pas que je veux pas, c'est que... Putain, ils pouvaient pas mettre ça de façon plus authentique, là, putain, pourquoi c'est... Si, c'est bon, attends, je crois que c'est Tidon, ça. Voilà. C'est bon, tiens, regarde. C'est bon, ma Tibéa. C'est bon, on est Tidon, là. Et t'inquiète, donc, pour y reviendra, Dick, le vieux fossile. C'est là pour donner son dernier tour de sac. Il est pour donner son dernier tour de sac, vois-tu. Il est capable de tout. Ben oui. Il peut surgir à n'importe quel moment quand on s'y attend pas. Faudra écouter le bruit de la canne. C'est comme ça qu'on saura qu'il arrive. Sa cambrée rigide et solide qui lui permettait d'aller là où il voulait. Ah oui, papa. Là, ça, après, ça ne nous regarde plus, ma mère. Mais d'accord, présentement. On est Tidon, là. Allez. On retourne-t-il donc à la fête? Et puis, oui, de toute façon... Parce que là, à force de pleurer, je vais être toute mouillée. Ben oui, voilà. Pour présentement. Allez, viens, dis donc, ma Béa. On retourne à la fête. Et t'inquiète, pour les choses vont-ils s'arranger? Oui. Eh ben. Ça nous en fera quand même des aventures. C'est un héros, c'est ça que t'es pour nous tous. Qu'est-ce que vous allez nous faire? C'est ce qu'il faut retenir de lui. Je pense que c'est un héros. Ça, après, est-ce que ça nous intéresse vraiment de ce que pense la flicaille de GG? C'est parce que je l'avais en Mexique. Pour grave. On s'en moque. Et il y avait qui? Oui, Uno. Mais le monde devrait savoir. Parce que c'était écrasé par les voitures. Et après, la coupe. Après, est-ce que le monde doit savoir? Bon, le plus important, je pense que c'est que c'est sa famille qui doit savoir ça, voiture. Je l'ai perdu. Si,
Ah bah c'est maintenant. Ah, oubliez pas de chuchoter d'ailleurs les gens. C'est une blague parce que j'en ai qu'une, parce que j'en ai fait beaucoup, après les gens vont dormir. Très simple, c'est une blague pour les vagos. Qu'est-ce qu'il dit une 8, c'est après le 7. Qu'est-ce qu'il dit une 8 quand il voit une 0? Les 0 c'est après le... c'est le début. Qu'est-ce qu'il dit une 8 qui voit les 0? Oh, laissez-moi mourir. T'as tour. Qu'est-ce qu'il dit, lui, en ça? Philippe, si tu l'as compris. Bah écoutez, non, certainement. J'ai rien dit, compte, t'as entendu, je m'entendais pas. Exactement, si ça c'est... Dire que bon, il fallait saisir les subtilités. Exactement, mon frère. Quelle note vous mettrez? Ben zéro. Il est parti en criant zéro, je pense qu'il a choisi sa note lui-même. Mais je parlais du métier. 20. Oui, 20. Oui, 20. La notation généreuse aujourd'hui. Oui. Waouh! Prenez-nous, prenez votre micro. C'est pas vrai, mais c'est quoi le... Quoi, tu t'es vraiment en train de faire ça présentement là? Écoutez-moi. C'est le casque qui fait de la pub sur les autres serveurs, enfin, dans les autres consciences en ce moment même. Avec SudVPN, vois-tu. Et puis j'ai oublié de prendre un bouquet parce que ça aurait été un bouquet de roses, ça aurait été mes amis quoi. Bref, j'espère que Kim t'es fier de moi et puis sache Inigo que si tu passes la soirée avec moi, tu sortiras la rose. Bref, ce soir je vais vous faire une prestation de sifflement. Si. Ce sifflement qui est un effet secondaire à tous mes traitements que j'ai subis au LSMS. Big up au docteur Martoni Vanessa qui m'a soigné. Du coup, c'est un hymne à ma nouvelle famille, les Vagos. C'est très rapide. Ah, mais ça va, c'est pas une verse. Eh ben heureusement que c'est pour une verte celle-ci, parce que. Voilà. Je me suis dit la même chose, mon frère. Gang, gang. Bah, j'espère que vous êtes tous contents. Mais magnifique. Bah oui, en tout cas, sachez que votre sifflement fait pleuvoir des Mongols. Pour cette prestation. Ah merde. À suivre. Oui, c'est à suivre, mon cher Tom. Mais là, on me disait de donner des nouvelles de Michael. Michael qui s'est perdu quelque part, mais qui va bientôt revenir et qu'on arrive à le retrouver. C'est dommage quand même qu'on rate cette blague. Bah oui, non, mais nous, on attend la fin surtout. En tout cas, il va bien, vous inquiétez pas, on fait notre possible pour le rapatrier avec un taxi. On le cherche, également. Aïe. Rose Dwight. Peut-être qu'on aurait dû parler de cuisine avant, ça serait mieux passé. Écoutez, comme j'ai dit ultérieurement, je suis impressionné qu'un sifflement puisse faire pleuvoir des Mongols comme ça, hein. C'est impressionnant. Regardez, il en pleut encore. Là, c'est des gros tiens, c'est Darwin. C'est marrant, tous les Mongols, ils sont en jaune là-bas. S'il vous plaît, je passe un message pour le docteur. Oh non, mais monsieur Mounier, vous êtes-y pour vous aussi même un mongol à sauter de là-haut quand même? Bah, moi j'ai essayé de les arrêter, mais bon. On le mettrait une page. C'était trop long. Vous avez qu'à les taser en bas présentement? Non, je peux pas taser. Il y a pas d'arme ici. Tout le monde ferme sa gueule. Un sergent, je crois maintenant. RPG, vite. Non, merde, je l'ai loupé ça. Oui, on vous entend. On a plein de trucs à faire, nous. Il faudrait qu'ils se dépêchent. Eh, dis Thomas. Ah, je crois que je vais être le moment où. Tu peux demander à l'autre derrière de me parler moins fort, s'il te plaît. Non, mais c'est même vrai. Ouais, à ton avis. Oh, les paniers, c'est... On n'entend pas le monsieur, apparemment. On vous entend pas, Panis, on vous entend pas. Si, si, vous êtes là. Vous êtes là, vous êtes prêts. Laisse tomber. Pas du tout. On entend ah pas. Ah bah dis donc, ah bah ça c'est un succès ça, ça c'est sûr, on entend-il. Le prochain qui saute finira anesthésié par nerf. On signale que le prochain qui saute sera anesthésié. J'ai pas compris.
pas tous donner un fusil de chasse à tout le monde. Je vais voir Joséphine présente. Je reviens tout de suite. Monsieur Panis est en train de régler son petit problème. Va se préparer Roy pour le final. Roy pour son dernier passage. Alors Joséphine, vous êtes-y passé encore ou pas? Ah oui, si, je suis passé. C'était-y quand même dingue ce que j'ai vu sur scène. Ah bah oui, mais en fait, on m'a pas entendu exactement. Et en fait, je n'ai pas compris à quel moment on ne m'a plus entendu. Parce que je pense que vous avez tiffé une manigance avec votre muscle F5, F5. Ah, c'est pas possible. Et je pense que c'est là où ça a merdé. Ah bah mince alors, j'ai raté le spectacle. J'ai pas entendu le cri du dauphin. Mais vous l'avez entendu tout de même. Mais oui, oui, oui. Ah oui. On a entendu, c'est qui sonne là? J'en fais déjà des cauchemars. C'est vous-même ou c'est nous-mêmes? Bah, j'entends aussi, mais c'est ah, c'est dans la musique, c'est dans la musique. Putain, on s'est-il tous fait prendre? Graines, cette tête de compromis, je vais les défoncer. Je commence boudé avec une vieille et son putain de bichon mort. Bichon l'a enterré, j'aurais fait la même, il a eu raison, pas de remords. J'ai un rapport de toutes ces belles histoires qui s'y battent, j'ai pu voir. Pas mal en vrai. Si tu es l'esprit, dis pète les records, c'est un putain de désespoir. En parlant tout ça, Lindsay Kelly a jamais vu ta série de merde. Elle déteste Gibbs, Torres, Palmer et cette vieille intrigue, ça l'emmerde. Oh là là, dis donc, ça tire à balles réelles. Ma putain. La facilité, son ADN. Bah vous êtes où mon capitaine? Qu'est-ce qu'on te dit? Emma, c'est 404 épisodes d'NCIS. Michael mérite sa promo, c'est moi qui le dis. P-A-N-I-S. Allez, ça mal. C'est propre. Tête de bolos, vamos, vamos. Alors flash, leur montrerai c'est qu'ils bossent. Vagos, vagos, cassos, cassos. Où est le plus grand bandito de nos santos? Déjà oublié dans vos cœurs. Ça parle au keuf sans rancœur. Ça se fait passer pour des braqueurs, mais pour moins crimi que le Joker. Les familles des Jusquitas Martins sont pas capables d'assumer leurs péchés. Ont une devise, changer de couleur, c'est la nouvelle criminalité. Ici le seul que je respecte c'est Capone. MC et Dame, les cancers qui s'adonnent. Faut tout savoir de véritable madone. J'espère qu'un jour vous fumerez ces cablones. Eh ben, bah, je savais pas qu'à la police ils avaient ce genre de talent quand même. Yes. Honnête. Yeah. J'avais jamais vu ça. Lucie c'est double inspecteur et un gil du quecra. Francis et Vanessa. Marie au bout de 3 jours frère ça veut dire quoi? Bien sûr le révérend l'a autorisé. Je me demande dans quel bise il peut bien tremper. Comme maladé capable d'improviser. Possible s'il vous plaît de vite l'introniser. Mais pourquoi ça se finit déjà? C'est incroyable. Y'a ça pas tue. Moyen de prolonger ça. Or voir à tous mes soldats. Mon vent dans sa capoeira. Un vieux coup, un bourré, aucun lapsus. Depuis qu'on se parle, c'est le consensus. Faut cette bouteille, mon bon vieux Marius. Je veux pas que tu meurs d'un infarctus. Je garde le meilleur pour la fin, tu le sais. Évidemment, cette dernière, c'est Chloé. Et tu l'auras si bien prononcé. Seul des aiguilles, j'ai envie de lécher. Et comme tu l'auras si bien prononcé, mais t'es des gens exceptionnels. Et comme tu l'auras si bien prononcé, mais t'es des gens exceptionnels. Dans une bulle sombre. Oh bah dis donc, Béa, ça vous motive là, hein. Et cette dernière sera éternelle. Oh bah éternelle. C'est il boule qui chamboule. Merci à tous. J'espère que vous avez kiffé. Merci énormément, c'est pas fini. Bravo. C'est fou. C'est talentueux. Merci à tous. C'est vrai qu'un album RPZ, ça pourrait être une bonne idée. Un bel album de musique pour le mixage. Et merci à tous, passez une bonne soirée dans Santos. Merci énormément. Bravo Panis, bravo, bravo toi-même. Incroyable. Un petit album RPZ, ça c'était de la qualité, je te le dis tout de suite. Ah bah là, faut faire une pichille, hein, c'est sûr. Hein. Kenneth, tu nous parlais? Oh pardon, j'avais oublié que le micro était branché. Oui, j'ai décidé, du coup tu m'as fait en live. Oui, j'ai beaucoup aimé, je mets 10. Oh quand même, 10, ok, c'est arnaque là, 10 mérite plus que ça. Oh.
êtes devenu qui, Il a moins peur de la police, il a moins peur de la police. Monsieur Roy, vous êtes prêt? C'est-il le dernier numéro? Monsieur Roy, on va peut-être écouter le... Eh ben on va reprendre l'officier... la blague de Michael, du coup, si oui, Michael, Michael est là. Et comme bien dire, parce que je suis sûr. Je tiens à vous dire que je ne céderai pas sous la menace. Hein, Michael, Michael, oui. On va te redonner un micro, tu vas nous refaire la fin de la blague, parce qu'on n'a pas eu la chute, je crois. Non, la chute, C'est pas obligé, allô, hein. C'est bon, m'entendez bien? Vraiment, c'est pas besoin, t'inquiète, hein. Alors... Si vous avez pas eu la chute, je me propose de refaire la blague du poisson rouge. On a raté ça tout à l'heure. Vas-y, refais. Alors en fait, c'est ce qui est marrant, il y a différents types de poissons rouges. Et c'est marrant parce que les poissons rouges, ils ont que 3 secondes de mémoire. Et donc, ils ont que 3 secondes. De mémoire et c'est assez rigolo parce que finalement, ça donne des situations cocasses dans un petit aquarium. Cocasse. Waouh, mais c'est génial ici! Ouais! Waouh, mais c'est génial ici! Mais dis donc, c'est pas du copyright ça? C'est génial ici! J'ai cru entendre déjà ce humour dans un cabaret! Je me suis rendu compte que ma mère avait une mémoire de poisson. C'est copyright ça, non? Michael, tu ranges tes chaussettes! Pour me faire pardonner, pardon! Michael, tu ranges tes chaussettes! Ah bah oui. Michael, tu ranges tes chaussettes. Merci, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci, présentement. Merci beaucoup. Eh bah, dis-donc. Il nous fallait la drôle de faire du copyright d'une personne qui fait déjà du copyright. Les gars, pas garde. Oui, vous m'entendez, monsieur Brioche? Oui, c'est toi, on vous entend. Non, oui, bah, enfin, oui, pour oui. Et c'est une note de 30 sur 20. Un super humoriste, vraiment. J'ai mal au bidon. Faites attention à ce que vous mangez. Je passe la prochaine fois, monsieur Kenneth. Monsieur Roy. Je vous laisse reprendre votre micro. Monsieur bien Roy sûr, va sûr. Nous interpréter son dernier passage. Évidemment, on va clôturer cette cérémonie. Mesdames et messieurs. Est-ce que je te coupe quand tu chantes, Roy? Non, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Merci. En vrai. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, pardon, vas-y. Pour clôturer cette cérémonie, mon Alfred, une chanson écrite par Monsieur Roy pour remercier tout le monde, pour vous souhaiter une bonne continuation et peut-être à une autre prochaine. Au revoir à tous. Au revoir. Ouais. Salut, chef. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier de très nombreux viewers qui m'ont aidé à écrire les paroles de cette chanson. Mesdames et messieurs, pour Los Santos, pour RPZ, levez les mains. Allez. Levez les mains. Allez, c'est parti. On lève les mains. Cette chanson, je la dédicace à Basile Lombric, mon frère, ainsi qu'à toutes les personnes qu'on ne pourra pas citer aujourd'hui. On vous aime, les gars. Hey, est-ce que vous êtes chaud, Los Santos? Ouais, est-il là, les gars? Présentement. La boisson, sa passion, ainsi que son fiston. En parlant de famille, attention aux frères Pichon. Si tu leur plais pas, tu finiras en saucisson. Revendu par Patrick et Jackie en livraison sur le domaine Fabet Donat. Les honnêtes vignerons, aucune réduction pour leur cru d'exception. Faut bien payer les coûts qui coulent leur camion, vin commun par mission. RPZ, 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 RPZ. RPZ. C'est pour le capitaine et ses unités d'élite. Chantage, otage et course poursuite, je vous laisse deviner la suite. Les braquages en panique, tous planqués dans le Pacifique. Les poches pleines de fric, on finit dans le bus magique. Évasion à foison, tentative de corruption. Yange qui refile les poches, non maintenant on fait Noël Union. Le pasteur a marié Kek et Vanessa. NCIS, fit LSMS pour nous remettre en état. RPZ, RPZ, RPZ. RPZ, RPRPZ, 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 RPRPZ. Et Johnny déboire un braqueur. La monnaie n'a pas d'odeur. Ils ont choisi leur couleur. A gauche, bas, gauche, les mini-gol, inigo, guillemets. Ils sont sur tous les dos, les dos. Face aux familles, le verre dans le cœur. Allez, la conscience, vous êtes prêts pour le refrain? Il faut régner la terreur. Chez vous, comme de nuit. Vous pouvez le chanter avec nous. Tous vous citer. Tim, Jim, Cox, Jean, Michael, Benedict, Dwight, Curtis, Driss, Harris, Panis, Tremblay, Edwin, Marlon, Zappé, Adjo et Bobby, Kiddy, Samuel, Joker, Carter, Boer, Kenneth, Vivi, Donovan, Dogman, Devon, Finchie, Pepe.
Dans sa tête, ils ne sont pas qu'un. Tout le monde veut lui tendre la main. Mais au bout du chemin, elle nous mène tous au refrain. Allez, c'est parti. RPZM. 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 A bientôt. RPZ. 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 Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo. Bravo Team Roy. Bravo. Bravo présentement. Bravo. Pleurez pas. Merci beaucoup. Vous me dites pas quoi faire. Il pleut, chers amis, il pleut. Ah, ah bah c'était vraiment de toute beauté ça. Moi je suis émue, j'ai pressé la main. Bah dis donc, Donatien, tu nous en veux pas pour cette dernière prise d'otage quand même? Bah ça a un peu mal tourné ensuite Bernard, mais bon écoute hein. Bon, on se fait-il la paix quand même, Donatien, avant-il de partir? Allez. C'est-il bon alors? On se dit à une prochaine sans faute. C'est nickel. Ça marche, dis donc, mon Donatien. Merci d'avoir été là, Monopoly. Oh bah merci Bernard. T'inquiète donc pas. Allez, à très vite. Ah ouais. C'est trop tard, là, c'est fini. Bah, Audrey, merci à la police quand même. Sans vous, on serait bien fait chier. Franchement, vous avez été incroyable. Mon permis, capitaine. Merci présentement. Je crois qu'il y a un souci avec l'excellent tube de Panis. Je sais pas, Kelly, vous avez alors mon petit bébé, c'est pas passé. Pourquoi? Non, ma Mariette, j'avais tiré de prévu, donc je sais pas qui c'est qui m'avait noté, mais c'est pour moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, ça y est, il se met à pleuvoir. Tiens, viens, Tido, Mariette. Ah, dis donc. On va où là? Attends, je vais faire vite fait une bise à Cuc. Mon Cuc? Oui. Je voulais-tu te faire une bise, mon Cuc, quand même? On a vécu de sacrées histoires, hein? Ben oui. Ah oui, merci pour cette carte bleue, Speedy. On se serait bien fait chier sans toi, en tout cas, donc je voulais te remercier fortement. Ben la même chose. Et oui. Bon bah allez, hey, je t'embrasse fort mon cuc, hein, parce qu'il pleut maintenant. Bisous. Oui. Bisous. Et belles années de mariage. Ah bah oui. Tiens, viens-tu Mariette Thomas, venez donc. On va se mettre à l'abri. Elle est où t'y la Béa? Elle est là-bas. Oui Béa. Regarde, je suis dans ton dos Béa, je suis dans ton dos. Ah mais je te cherche depuis tout à l'heure. Béa, je suis dans ton dos, regarde présentement, je lève les bras au ciel là, regarde. Je suis à côté de l'hélicoptère police. À côté de l'hélicoptère de police, ah tu bah nous vois-tu? C'est bon. Ça. Allez, viens, Tidon. Allez, c'est parti. Venez donc, les copains. J'ai un dernier beau projet à nous faire faire. Ah, présentement, il nous en faudrait un. Oui, ce serait pas mal. Dans ta voiture, il y a 4 places. Salut, mon Bauer. Salut à tous les copains, vous avez été formidables. Monsieur la police, monsieur le Gienche, ouais. Oponis, oui, sans vous, on serait bien fait chier quand même. Hein. Donc merci à vous-même. À vous aussi, c'est pareil. Ouais. Vous là. Allez, à bientôt ouais. Présentement quand même. Dites-moi, je peux faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire? Oui, on y est. C'était pas pour... Ah bah merde. Ah bah quelle bonne idée ça encore, Mariette, putain, t'as étendu Béa avec. Mais quel abruti. Ah, Béa est au sol. Mais merde. Riette, mais putain, Riette, t'es-tu vraiment bien ma femme? Parce que c'est vraiment. T'es la championne, hein. Ah bah, madame, vous êtes une belle femme. J'étais pas pour elle attendre... de base, Bernard. Non, mais c'était pas pour elle. C'est comme ça que tu dis au revoir aux gens, Riette. Ah, y'a vraiment que toi qui peux faire ça, quand même. C'était pas pour elle. Ah là 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 là. Je suis pas là sûr là. De vouloir faire les cérémonies d'au revoir avec Henriette finalement, Bernard. Je suis désolée, c'était pas pour toi, ma petite Béa. Mais moi, donc. Bien, ça m'a retourné les yeux. Dites-moi présentement, j'ai deux idées de projet, vous me dites lequel vous plaît le plus, d'accord? Soit présentement, on se fait un petit saut parachute histoire de terminer en beauté sur une envolée sauvage, ou alors on monte rapidement sur le plus haut de la montagne pour avoir un point de vue magnifique de la ville dans la nuit. Moi, je signe pour la montagne.
La montagne. Vas-y, go la montagne. Allons parce que à la montagne. J'ai envie. Allez. Ouais. Et bah, donc on monte au plus haut point de la montagne. Vas-y, avance-t-y donc. Je sais pas où c'est. Bah, je te laisse nous marquer ça. Hein. Ah ok. Présentement, j'essaie de nous voir ça. Attachez vos ceintures. Et serviez. En tout cas, la cérémonie était pas mal. Ah franchement. Ils ont dit qu'il était le vainqueur d'ailleurs. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt correct. Alors attends, je sens que déjà, pour trouver le point le plus haut de la montagne, je sens qu'on va rigoler. Parce que clairement, je mets un point, je suis pas sûr que ce soit celui-ci. Et sinon, vous voulez pas qu'on aille faire un tour dans le sous-marin de GG à la marinade? Bah attendez, j'irai bien faire une photo devant l'unicorne de nous quatre avant, même. Ok, direction l'unicorne alors. Excusez-moi, oui. Je fais rapidement une photo et puis après, pourquoi pas, oui, un petit coup de sous-marin si vous voulez. C'est dommage qu'il pleut, monsieur. Ah bah c'est sûr que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Avec un peu de chance, l'averse va se terminer. J'espère non bien. En tout cas, ça c'est un temps à rentrer chez soi quand même. Ah bah oui, hein. Il pleut comme vache qui pisse. Ah bah là, présentement, c'est vrai qu'on a TV meilleur temps quand même à Los Santos. Hein. Oh merde. Bon bah putain, ça c'est-il pour les assurances? Non mais il était pas couvert. Il pleut et le mec il roule en t-shirt, ça m'énerve ça. Ah d'accord, présentant. Je comprends ça. Puis bon, apparemment c'est une coutume chez les Familiz, dès qu'on voit une moto, faut le faire décoller. Mm-hmm. Bah tiens, je vais t'y appeler les Familiz, je vais demander à MT s'il veut t'y venir prendre une photo avec nous tous. Oui, c'est une très bonne idée ça. MT ? Ouais. Est-ce que ça te dit donc de venir prendre une dernière photo devant l'unicorn ? Ouais, justement on arrive. Ah putain, attends. Je me change. Ça marche, on atteint dans la voiture alors que vous arriviez. Ouais, nickel mec. Tout de suite. Tout de suite. Bon, ils arrivent, Tido. Tiens, est-ce que t'aurais pas une meilleure vue à m'offrir là? Parce que clairement le mur en fin de gong là. Ah, si, bien sûr. C'est quand même assez crément dégueulasse. Voilà. C'est bien compliqué, mon petit Bernard. Bah non, mais dis donc, c'est peut-être une vision qu'on verra pas de si tôt, Maria. Ça vous embête, je vais juste aller dire au revoir à mes anciens collègues médicaux, ils m'appellent et je reviens. Bah, comme tu veux, ma Béa, okay. Mais dépêche-toi parce qu'on t'attendra tidon pas. Hein. Eh bah, dis donc. Un beau lieu de fête et de fesses, comme on dit. Hein. Sacrée aventure. Ah bah, ça, c'est sûr, ça marque les vies. Hein. Et dis-moi là, il y avait Béa qui parlait du sous-marin de GG. Ah bah, chez pour le faire marcher. Alors moi, c'est la propriété de GG ou on peut monter dedans comme à notre guise? Non, clairement, je pense que c'est toute notre propriété, mais bon, voilà quoi. C'est comme ça. D'accord. C'est comme ça. Ah, par contre, putain, le Jim qui partait en bateau avec la Lucie ce soir là. Franchement, j'espère pour eux qu'ils ont quand même décalé à demain matin parce que. C'est quand même pas forcément le meilleur des temps. Hein. Ça va pas être l'ambiance Disney qu'ils souhaitaient. Hein. Ouais. Là, on est plus dans Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. Clairement, présentement. Ah, bah. Quand je pense quand même qu'on a réussi à acheter cet établissement personnel. C'était mon rêve quand même. Eh oui. Ça y bosse, est, Cindy. Vlati, les gars. L'argent. Exactement. Allez, on sort de là. Il est où le Liam? Ouais, il arrive, il est parti. Il va arriver. Ça marche, dis donc. Bon, ce sera peut-être pas la... le meilleur des temps, mais bon, on s'en fout, dis donc, non? Ah, bah, on va le faire en attendant, Ah bon, tu voulais pas faire une présentation devant directement l'enseigne? Bah, le truc, c'est qu'il fait nuit, je suis pas sûr qu'on voit grand chose. Bah, avec les néons d'un beau rose et d'un beau rouge, non? Bah, ouais, mais justement, le contraste, il va être un peu compliqué. Ah! C'est à l'intérieur, c'est peut-être une ambiance fumée. Oh, après, moi, ça me dérange à pas. À l'intérieur, on a les petites gamines là qui dansent. Ouais, en plus. Hein. Eh ben, allons-y, alors, allons devant. On est à l'intérieur. Vous êtes pas la même que moi, mon pote. Bah, mon Liam, on est-il des Familiz? On n'est pas des Familiz, toi-même, non? Ouais, mon pote. Caramel. Je vois-tu donc qu'il y a des musiques qui rentrent dans la tête? Allez, présentement avec les demoiselles et les messieurs là, on se fait s'ils ont ça là, comment vous voulez faire? Bon, ça. C'est moi, je pensais faire ça dehors devant le panneau, mais vous me dites que là ça peut être pas mal. Dehors, c'est cool, non?
devant l'enseigne. Bah, au pire, on peut s'en faire deux. Une ici et une, voilà, deux, bah, et une dehors. Ouais, ça, Béal, Béal avec les. Ouais, avec son médical. On va l'attendre, Ah bah non, mais elle est pas prête de revenir, je t'avoue, Retino. Ah oui, bon, bah, on va pas l'attendre, on fait quoi, du coup, vous voulez la faire ici ou... Eh bah, on en fait deux, on en fait une ici présentement. Ouais, mais ici, j'avoue que c'est un peu chaud, quoi. Attends, je vais limite, faudrait la faire devant le bar, tu vois. Devant le bar, tu préfères? Bah, ouais. venez donc devant le bar. Okay. On va se faire ça comme si on était des cow-boys. On va boire une dernière bière avant la fin du monde. Et le Jim, il est pas là, le Jim? Non, Jim, il est parti avec Lucie. Ah bah ça c'est. Il est parti avec sa dulcinée. Ah bah ça les gars, c'est les idylles, hein. Qu'est-ce que vous en voulez, Tidon? Tiens Thomas, mets-toi plutôt de l'autre côté parce que là tu vas venir directement présentement dans mon autre gang. Alors attendez. Tu fais un selfie? Ouais, alors attendez, je cherche juste une bonne position. Ah c'est à moi, attendez, c'est à moi de me décaler parce que si je suis trop. Sinon tu nous dis aussi de bouger, hein. Non t'inquiète. Alors attendez. C'est quoi qui frappe contre le bar? C'est-il bon moment? Ah, c'est parfait, les gars. Là, on est-il bien présenté? Je donne tout. Vous êtes prêts? Vous me dites une petite saucisse au fromage ou une familise? Eh, familise! 3, 2, 1, familise! Familise, les gars! Impeccable. Allez, on en fait une petite dehors et puis on est-il bon? Et après, on se fera un gros béco sous la pluie. Allez, hop. Ah, vous voulez faire une dernière baguette? Non, c'est idiot fou. Je crois qu'on les a perdus, les trois là dans le bar. Ah bah je peux te dire, les trois petits cachons, hein, ils se battent. Tiens, pendant ce temps là je vais régler moi mon petit moment photo. Tu la partageras par mail, j'espère. Mais bien sûr Mariette, t'inquiète idiot pas. Attends, je cherche une jolie pose que je peux faire. Alors attendez, présentement j'ai le Thomas, j'ai Mariette, j'ai Liam, j'ai. Hop, j'ai MT. Alors attends. Mais Liam, qu'est-ce que tu fais, Tino, dans mon dos là? Il me faut de l'espace. Alors attendez, parce que j'ai. Ah, attendez, mettez-vous bien. MT, mets-toi un peu plus dans le dos de Liam, s'il te plaît. Et Luigi, vas-y, Luigi, rapproche-toi un peu de Liam sur son côté, s'il te plaît, présentement. Ok les gars, on est-ils tous dedans? Liam, t'arrêtes tes conneries, sinon t'es plus dans la photo. Ouais, mais c'est pour ça, tu me dis quand t'es prêt. Attends, j'essaie d'avoir Liam également. Liam, arrête-t-il de bouger? MT, arrête de faire le con. C'est pas Liam, okay, c'est... Allez, c'est parti les gars. Familise. Familise. Allez, attendez, j'en prends plusieurs parce que Liam fait le con, donc j'ai Luigi qui est caché. Vas-y, attends. Familise. Là, on est bon les gars. C'est-il parfait? Bon bah les frérots, c'était une belle fin de soirée qu'on vit ensemble. On aura vécu de vraies belles aventures tous ensemble quand même présentement. Il pleut un peu là mon même, non? Mais non, t'inquiète donc pas, il pleut pas tout de suite. Il pleut un peu mon même. Oh mais non mon Liam, mais t'inquiète. Mais on aura l'occasion de se revoir sans doute l'année prochaine. Putain mamie, je me souviens il y a deux semaines, on fuyait de l'extra pour que tu la vendes. Ah bah oui, c'était Lydie. Ah oui. Il a beaucoup évolué, hein. Eh, t'as vu Tic, maintenant c'est ma pouliche à moi-même, c'est ma petite Renault 5, les gars. Ah oui, c'est ta Renault 5. Ah bah, là on est vraiment bien parti dans cette aventure. On hein. a eu des histoires. Intérieur en mout-mout, lecteur cassette et tout. Ah bah, là je peux dire, il y a de la VHS là-dedans. What manual? Bernard! Oui, qu'est-ce qu'il y a, moi, Luigi? Ta gueule, putain! Prenons en photo, là, les trois gamins, là. Ah bah, vas-y, bien sûr, vas-y, les gars, mettez-vous donc en position. Je vais vous prendre là, regardez, j'aurai l'unicorn et j'aurai vous-même, les gars. Alors. Tiens, vas-y. Alors, attends, vas-y. Mettez-vous bien en position. Non, les gars, venez plus dans ma direction de moi-même. Regardez comment je suis positionné. Mettez-vous face à moi. Pas trop près quand même. Attendez, c'est moi qui dois bouger. Positionnez-vous et je me mets la photo. On est toujours au Unicorn, Béa, on t'atteint. Ouais, Bébert, finalement, je vais peut-être pas pouvoir venir, Bébert. Eh bah, comme tu veux, ma Béa. Bah, tu fais quoi? On te fait un bisou? Bah ouais, je voulais t'appeler pour faire un bisou à toi et à toute l'équipe. D'accord, bah je t'embrasse aussi, ma Béa, tendrement, du fond du cœur, ma Béa. T'as été merveilleuse. Bisous, mon petit Bébert.
Ça marche, mon Béa, tu fais attention à toi, on se voit demain quand même. Ah oui, t'inquiète, on se voit demain, hein, bébé. Alors on se voit demain, c'est un faute, ma Béa. Ah, c'était juste pour cette soirée, te dire au revoir parce que je pourrais pas revenir toute seule. Allez, prends la photo si tu veux, prends la photo chez Béa. Excusez-moi, les gars, chez Béa. Et que du coup, bah, t'aurais été un beau-frère formidable, bébé. Bah oui, mais y a pas de soucis, on est-il là encore. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est si on avait retrouvé GG, quoi. Bah oui, mais t'inquiète donc pas. Il y a des choses, quelque chose me dit qu'on le reverra bien assez tôt. Ah bah j'espère, bébé. T'inquiète pour, t'inquiète. Je te laisse, je vais aller me mettre sous la couette, bébé. Eh bah amuse-toi bien. Salut ma Béa, à demain. À demain, bébé. À demain. C'est bon les gars, vous avez tiré ici ou je voulais que j'en prenne une? Ah non, c'est bon, j'ai fait. C'est bon? C'est sûr? Oui, oui. Ok, d'accord. Bon les gars, je vous dis, je voudrais m'organiser un dernier petit truc. Je vais monter sur la plus haute montagne, voir une vue de la ville de nuit. Ça vous intéresse, Tidon, ou pas? Ah ouais, un saut en parachute comme vous voulez. Vous préférez quoi? Deux petites minutes alors. Deux petites minutes, on vient avec toi. Juste, il veut. Il y a un petit qui veut parler. D'accord, allez-y les gars, allez-y, allez-y, je vous en prie. Putain, la voiture. C'est comme ça donc qu'on va s'envoyer en l'air pour la première fois. Faut bien qu'on baptise un jour ça, Mariette, quand même. On n'est pas fait que de bois, vois-tu? Ah oui, mais ils sont en train de se tuer. Oh, c'est-il donc des enfants, regardez donc. Ils s'en mettent une bonne, hein? Mariette, alors, on est sur de l'amour viril et discutable. Attends, la police ne sera pas là pour nous soigner, putain! Arrête, putain, arrête! Parce que si la police peut pas nous relever, on est dans la merde. Non mais on est dans la merde s'il peut pas nous relever, putain. Attendez, arrêtez de me taper, putain. Arrêtez, on va tomber dans le coma, on va être dans la merde, arrêtez donc. Oh putain. Je me mets une trousse de soin, bah ça serait quand même con. Non mais vous déconnez là, la mémoire là. Henriette 1, Bébert 0, j'ai-tu même pour défendu. Oh putain, je te jure. En tout cas les gens, présentement, ça, le Vanilla Unicorn, c'était un beau rêve. Et regardez là, là, je l'ai ouvert. Ça c'est Ati Bébert, c'est Tio Pichon. C'était un beau établissement quand même. On le retrouvera vite, j'espère. Allez hop. Il jette sur la voiture, mais il est mort. Eh bah là, je crois, Tidon, que la voiture est cassée. Ça va, ça va, ça va, t'inquiète. Bon, dépêchez-vous, Tidon, qu'il nous reste plus beaucoup de temps là. On sait pas où il y a un petit là. Il nous reste à peine 33 minutes. On sait pas où il y a un petit. Dis-donc, t'as toujours une horloge dans la tête, De quoi? T'as toujours une horloge dans la tête? Bah non, mais c'est parce que je connais bien les astres et je regarde si la lune. Faut qu'on aille au quartier. Faut qu'on aille au quartier. Okay. On va au quartier, c'est parti alors. Thomas. Thomas, mon frère, on va au quartier, vite, vite, on va faire un saut en parachute. Tu peux me laisser conduire ma voiture, s'il te plaît, Albert? Bah dépêche-toi donc, parce que sinon après on va perdre du temps. Vite, vite, vite. Je te remercie, Bernard. De l'avoir Jim. Non, non, on va pas voir Jim. Non, 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 je viens d'avoir Jim. Ah, où il faut aller, on va au quartier, qu'est-ce que tu fais, Tidon? On retourne derrière. Ah, au quartier, pardon, je savais pas. Ah ouais, bah je suis encore sous l'émotion là, il y a Jim qui vient de faire ses adieux là, c'est... J'imagine, Tidon, bien. Je crois que je suis allergique au plastique des téléphones. Ouais, à droite, à droite. À droite, droite ouais. Là, non, droite à droite, mais putain, ouais, tu connais plus ta droite à gauche. Excuse-moi, là, je suis pas. Ouais, t'es si doux, chamboulé. Vas-y, continue tout droit et ça va être ta deuxième à droite. Là, à droite sur celle-ci. Allez, on va se placer. Béa nous a rejoint là. Non, Béa, elle était avec les agents de la police. Pas de police, mais de l'hôpital. Elle fait la fête. Faut juste que je vois les deux là. Et on les rejoint pas. Bah, par et contre, les copains, c'est pas que je veux pas qu'on s'emmerde, non, mais. Non, mais là, il nous reste 31 minutes, on va où tiens, je t'envoie une pause.
Ouais, vas-y. C'est pas évident d'accès, mais c'est sympa. Ok, d'accord, on rejoint là-bas. C'est où le sommet du Mont Chiliad? Attends, mais regarde avec les autres, ils s'organisent un truc. Au plus, ils sont tous en avion avec un parachute. Non? Ah, vous avez pas de parachute à filer à nous-mêmes? Non, pas beaucoup. Bon, bah. On va avoir la munition. Donc, on fait quoi? On se retrouve là-bas, là-haut? Ouais. Et on prend un parachute chacun, faut que j'aille acheter ça là. Ouais, ammunition. Et c'est où ça? C'est les petites supérettes? Les magasins d'armes. Ok, d'accord. On se retrouve là-bas. Bon, les gens, on va au magasin d'armes acheter des parachutes chacun et après on va au point qui m'a donné. C'est parti. Ok. Attends, je te mets un magasin d'armes le plus proche. Je sais pas pourquoi j'ai plus mon GPS. Tiens. Il va falloir que je fasse ça. Vas-y, bah va tout droit. Ah, mais si, attends, je sais pourquoi j'ai plus. Voilà. C'est bon. Là clairement c'est plus le moment de se branler là-dedans. Si quelqu'un peut avoir Béa, je sais pas que je serais ravi de passer ce dernier moment avec elle. Mais elle nous a dit au revoir déjà ça mon Thomas. Ah. Elle a préféré partir avec et les oui, gens de l'hôpital. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de GG qu'il faut que tu tapes dans le fond de Béa, tu sais. Hein. Exactement. Ah non, c'était pas le but. À droite. Là c'est là présent. Hein. Je sais. C'est pas faire manœuvre. Oh putain, j'ai encore failli sortir trop tôt, ouais. Hi. Alors. Oh, je peux plus courir, je suis démoli. C'est dans autre, les copains. Très bien. Vous allez, et hop, vous achetez des parachutes au maximum. On en achète combien? Un seul suffira, mais bon, prenez-en deux, on sait jamais. Arrêtez de spoil ou je vais vous foutre en émoticône pour jusqu'à la fin, ce serait dommage quand même. Ok, on se retrouve avec les autres, c'est ça? Allez, c'est parti, je vous envoie. Oui. Je t'envoie-t-il la position? Accrochez bien vos serviettes par contre ce coup-ci. Hein. C'est peut-être qu'il va falloir aller vite. 9 bornes! Ah oui, il va falloir accélérer, mon Thomas. Ça roule. Non, mets pas le emote online. Mets pas le emote online, s'il te plaît. Les gens sont assez disciplinés. Les copains, je vous fais confiance. S'il vous plaît, ne me niquez pas les coups d'un avec des spoils, s'il vous plaît. Restons dans de l'émotion belle. Et voilà, je vous fais confiance. Donc enlevez-moi le emote line, s'il vous plaît. Il a raison, oui. J'espère que ça se passera bien pour lui. Ne cache pas que je reste inquiet. Rassure-moi, Bernard. Merci. On a bien fait de le laisser partir avec elle. Bah de toute façon mon Thomas, à un moment donné, on peut pas retenir un oiseau dans sa cage indéfiniment. Faut-il à un moment donné l'ouvrir cette cage? Même si bon, il avait... C'était pas vraiment une cage quand même, mais je sentais qu'il était très attaché à nous-mêmes. Et si on lui donnait pas l'autorisation d'y aller, il allait pas partir. T'as bien fait de lui donner l'autorisation. Oui. Je pense qu'il sera plus heureux avec elle. Bien sûr. Faut qu'il vive sa vie d'homme. Avec ses erreurs et ses points positifs, vois-tu. Ah, attends. Présentement, attends, va pas trop vite. Attends, je le rappelle parce qu'il me dit que finalement dans les montagnes c'est moins joli. Il veut faire ça du haut d'une tour. Attends, bouge pas. C'est pas le moment de changer de plan toutes les 10 secondes parce que clairement là on est sur une corde.